C'est important de dire que, que ce soit rationnel ou émotionnel, l'échange, euh, la tolérance, le respect, l'amitié, euh, bah c'est ça qui finalement qui, mmh. qui, nous fait avancer aussi. Qu'est-ce qu'a fait la diff chez vous Pourquoi vous êtes allé Pourquoi vous êtes allé à 2 milliards Pourquoi cette boîte vaut si cher Moi, ce qui a été aussi mon moteur, c'est la frustration. Je considère que quand on est frustré, bah, ça force à aller en avant, ça force à faire des choses qu'on n'aurait pas fait si on n'était pas frustré. Je me suis dit, je me suis gratté la tête, je dis bon ben bah moi j'espère que c'est ni l'un ni l'autre quoi. Et puis ça n'a ça été ni l'un ni l'autre. D'accord. Je me suis en fait. T'as pas pété une pile, jamais un moment Non, non, non. non. Moi je suis un garçon simple. Hein. Pourquoi euh, Comment tu l'expliques T'as même pas déprimé un peu Moi je déprimerais un peu, je pense, hein, si je tout. J'ai déprimé un peu. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. On est très, j'entamais je, 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 dans ce podcast très imparfait, tu vois, c'est important. Ça, ça vient euh, bien. Je, je, je veux pas être. Ça donne euh... du charme. Il ouais. y a plus de charme. <laughs> non, non, mais <laughs> voilà, je veux pas envoyer une image de, euh, ni de mes invités ni de moi de, de tu vois, de euh, dans ce moment où on est surfiltré dans toutes les applications sociales, humain. etc. Exactement, c'est humain. humain. Voilà. Okay. Et, euh, et l'imperfection dans ce euh, fait partie du, du charme de l'homme, ah, de, de, de la femme, de, de l'humanité. Euh, donc du coup, tu vois, tu peux respirer. Dans le micro, tu peux faire. Bon, C'est pour ça qu'on aime bien aussi donner de l'eau et pour éviter les bruits de bouche, parce qu'après, tu as des petits bruits euh, pas cool. Mais, euh, mais voilà, pour commencer cet épisode avec, euh, avec Michael euh, Benabou. Salut, Michael, ça va Très bien, et toi ouais. ouais, okay. je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Écoute, euh, okay. euh, la journée s'emballe se, se... euh, bien, en effet. Comme te, te l'a dit ton fils, tu vois, elle a commencé il y a longtemps. <laughs> et. Euh, et voilà, alors, euh, on, on a déjà pas mal échangé, on est parti direct. Hein. En fait, il se trouve qu'il y a des travaux chez Cosa Vostra en, en ce moment. Mmh. Donc, euh, du coup, toutes les portes sont ouvertes parce que les ouvriers viennent nous rajouter des salles de réunion et faire des choses comme ça. Et donc, à un moment, je me suis retrouvé nez à nez avec eux. Ben, Michael que j'avais jamais vu, <laughs> je ah, ben, quest suis dit, qu'est-ce ben, qu que tu fais là <laughs> tu vois, euh, Normalement, tu vois, on sonne, voilà, il y a tout un cérémonial, t'as tout non, cassé. pas du voilà, tout, voilà. <laughs> Michael Benabou était déjà là, crac, crac, badaboum. Euh, écoute, on va commencer cet épisode comme d'habitude, euh, je te propose de te présenter. D'accord. Merci en tout cas. Euh, D'abord, je voudrais te remercier de, de m'avoir invité. Euh, je suis très content de, de, de passer un moment avec un vrai entrepreneur, hein, puisque, j ai, j ai, j ai, comme je te l'ai dit, j'ai vu euh, ton podcast et j'ai été assez, euh, bah j'ai très, euh, très séduit. Euh, donc, je suis Michael Benabou. J'ai 58 ans. Euh, je suis avec la même femme depuis 41 ans maintenant. Euh, donc, elle avait 14 ans et demi et moi j'avais 17 ans. Euh, je lui toute ai toute fait... l'égalité, donc. Oui, c'est <laughs> ça. On était tous les deux mineurs. Euh, je lui ai fait cinq enfants euh, dans la mesure où j'ai deux paires de jumeaux, c'est allé un petit peu plus vite. Hein. Donc, euh, je suis un productiviste de la grossesse puisque. <laughs> Il n'y a eu que trois grossesses. Attends, attends, pour, pour voir le, l'ordre, c'est quoi? T'as eu, jumeau, euh, jumeaux, solo, jumeaux, ou non. solo, jumeaux, jumeaux? Non, j'ai eu jumeaux, jumeaux, solo. Ah ouais, t'as quand même rajouté un cinquième oui. à la fin, dans oui, ce, oui, je, oui, ça se trouve, oui, j'en je oui. avoir oui. deux, quoi, quand même. Et, et j'en étais un petit peu engossé <laughs> d'en avoir deux, euh, à la troisième grossesse, mais non, finalement, euh, non, c'était, euh, c'était Benjamin qui est arrivé. D'accord. Voilà. Euh, donc je suis né au Maroc, hein, c'est quelque chose qui était, qui était très important pour moi. Quelle année donc En 1963. Ok, un peu après ma mère, quelques, quelques années après ma mère, oui. je es né euh, à Casa aussi, toi hein. Oui, ouais, oui. c'est ça. Ouais. Et ta mère est, et est née à Casa aussi. Ah oui euh, que je dise pas de bêtises. et Elle a grandi ensuite à Gadia. D'accord. Euh, voilà. Bah génial. Et je suis parti à l'âge de trois ans et demi. C'est ça, puisque tous les Français sont partis à peu près à ce moment-là. Hein. Oui. Alors les, les Français de 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 les Juifs sont partis euh, en, en 67 parce qu'en 67 il y a eu une confrontation entre neuf ou 10 pays arabes et Israël, et euh, bah, les juifs qui vivaient dans des, dans des pays euh, musulmans, il y a eu une très forte tension entre les, les deux communautés, euh, et mes parents ont eu peur, hein, probablement à tort, hein. euh, ils ont eu peur, et ils ont pris leurs enfants sous les bras, et ils sont arrivés à Paris, euh, euh, comme on dit, avec les oreilles de l'éléphant, hein. c'est-à-dire mmh. ils avaient les poches, euh, et, et, euh, mes parents n'étaient pas du tout euh, des gens qui faisaient des affaires, ils étaient... Euh, ils étaient euh, mon père était professeur euh, et ma mère était institutrice. D'accord. Voilà. Donc donc, donc donc des, des séfarades érudits quoi parce qu'il y a souvent ces blagues entre les ashkénazes et les oh. séfarades hein, où les séfarades sont les marchands de tapis et les ashkénazes les intellectuels voilà. c'est ça voilà alors <laughs> bon, disons que c'est vrai que nous on était un <laughs> petit peu plus euh, spirituels en tout cas un peu plus éduqués euh, et donc euh, nous sommes arrivés en France euh, à Fontenay-sous-Bois hein, qui qui euh, qui est dans le 94 c'est presque le 94 hein, ouais. puisque euh, j'ai grandi dans une zone d'urbanisation prioritaire euh, dans un un ensemble d'immeubles qui faisait 19 étages, euh, et j'ai, Qui était à l'époque un, j'ai vu ça récemment, un, un... juste pour comprendre, donc on est dans les années, fin des années 60, début mm -hmm, 70, mm -hmm. quand tu grandis là-bas, euh, je voyais la destruction d'une tour dans un, 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 un j'imagine un documentaire récemment, où en fait il reprenait, euh, les documentaires de l'époque où aujourd'hui tout le monde se disait une sorte de soulagement de détruire cette tour, alors qu'à l'époque c'était vu comme une aubaine quoi. En fait, oui. euh, tu avais l'accès à l'eau, tu avais l'accès à fin, une salle de bain individuelle. Tu disais waouh, c'est le turfu en non, fait. Non, alors, alors non, moi c'était quand même un petit peu le niveau au-dessus. C'était une grande tour, mais mais là les tours dont tu parles qui ont sauté euh, qui étaient probablement au Bervillier ou à la mmh. Courneuve. Ouais. Non, là c'est vraiment ouais. des 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 euh, bah, c'était des des HLM de des première par d'immeubles ouais, ouais. de première catégorie, alors que moi mes parents euh, euh, ils s'étaient endettés sur 25 ans mais ils étaient propriétaires mmh. d'un appartement. Donc c'était déjà une tour. Bon, c'était pas euh, c'était pas le, le byzance mais euh... sur 25 ans un taux à 17 hein, c'est ça non <laughs> <À l 'époque... rire> et et donc j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois je, 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 je n'ai que des enfin, j'ai beaucoup de très bons souvenirs hein, d'enfance où je faisais du sport j'ai un souvenir particulier ou devant chez moi, euh, y il avait, y avait un bois, et moi j'allais cueillir des cerises quand j'avais euh, 10, 11, 12 ans, euh, avec mes, mes, mes copains, on passait nos après-midi dans les bois, et un mercredi après-midi, j'étais à ma fenêtre, et euh, j'entends du bruit, et je vois des pelleteuses, des... ils ont rasé le bois en 4 heures. Voilà. Et ça, ça a été un trauma, de, un des traumas. De, ils ont rasé le bois et ils ont euh, pour faire un centre commercial régional qui était le centre commercial de Val de Fontenay mmh. avec un Auchan. Voilà. Et donc j'ai grandi ensuite euh, dans cet univers euh, euh, en faisant pas mal de sport, beaucoup de sport. Au moi, tu avais, tu pouvais acheter des fraises. Après, euh, t'es passé de cueillir des fraises voilà. à pouvoir acheter ce que tu voulais. Exactement. C'était <laughs> <C> <laughs> la société de consommation. Oui. Euh, donc j'ai Grandi là-bas. Euh, et la, 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 une étape importante euh, de ma vie, ça a été quand j'ai quitté Fontenay-sous-Bois. Euh, je pense que j'avais oui, 14 ans ou 14 ans ou 15 ans, euh, et je suis arrivé en seconde à Victor Duruy dans le septième. D'accord. Et donc j'ai été un peu catapulté euh, pro, propulsé enfin euh, propulsé non euh, disons que j'ai changé de, de, de milieu totalement. J'en parlais récemment avec euh, Amadou Ba euh, qu'un épisode que j'ai sorti alors on on, on, on va sortir celui-là je crois c'est celui juste avant. Euh, ta relation avec Paris quand tu quand tu né à Fontenay sous enfin quand tu vis à Fontenay sous Bois euh, c'est lointain enfin c'est une ville où tu vas jamais finalement ou très peu assez peu ouais. oui assez peu on restait euh, moi je passais mes mes mes, mes samedis après-midi euh, euh, encore une fois à, à Ronisou à Roni parce qu'il y avait un centre commercial Roni 2 parce que c'était l'époque où il y avait tous les centres en deux. il y avait Paris 2, Vélizy ouais. 2 et Rony 2. Euh, et c'est amusant parce que bon, ensuite, donc j'avais je, 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 euh, pas un centime, mais on traînait avec mes cousins, avec mes, mes amis, euh. un peu le mol à l'américaine. Voilà, c'est ça. Voilà, ça ouais. le, le, le. Et, euh, et donc je suis arrivé à, à Paris dans le 7e arrondissement, à Victor ruy euh, et là, j'ai dû, effectivement, euh, bah, Victor duris c'est un peu le, le c'est le lycée de la grande bourgeoisie parisienne. Comment tu débarques là-dedans? Alors je débarque là-dedans parce que ma mère était euh, secrétaire administrative dans un cabinet d'administration de, de, de biens. Et euh, elle avait un, une bonne relation avec un des propriétaires enfin, avec, avec tous ses, ses propriétaires, mais il y en avait un qui lui a dit, écoutez, vous savez, Madame vous, moi je paye trop d'impôts, eh ben, je vais vous louer un appartement de 200 mètres carrés, rue de Verneuil, pour 200 francs par mois. Voilà. Alors, okay. on a dit bon, d'accord. <laughs> Attends, euh, ouais, je... Et donc me me voilà. Ils ont dû pouvoir louer pour 200 francs par mois Leur appartement à. à, à <laughs> c'est presque ouais, c'est ça <laughs> voilà. donc. Ouais. Euh, et donc j'arrive à Fontenay-sous-Bois euh, euh, j'arrive à à à, à, à à à Victor Duruy ouais. dans le 7 rue de Vert Rue de Verneuil, et là c'est vrai que je suis un peu confronté euh, à, bah, à la grande bourgeoisie, à l'aristocratie la, euh, parisienne qui, qui euh, dont, dont beaucoup de familles euh, habitent dans le 7e arrondissement, et donc tous les enfants sont euh, avec duri et, euh, et je dois dire que bah, il a fallu que je m'adapte, euh, mais j'avais envie d'avancer, j'avais envie de, euh, j'étais ambitieux. Euh, euh, déjà, euh, à S'adapter, ça veut dire quoi? Je veux dire, euh, t'as pas les codes de. ça. La manière de parler, de t'habiller, de, de. Absolument. De... Ouais. Ni de parler, ni de m'habiller, ni de même de manger, enfin, ni mais de, de, de manger, ni de. Donc quand j'allais chez mes amis, euh, euh, moi je me souviens, <laughs> je me souviens très bien, euh, j'avais un ami qui s'appelait Laurent Bernard-Kélin, dont le père était euh, le. c'était le. Bah, les... le, le... Euh, celui qui partait toute l'information en France passait par lui, c'était euh, le bulletin quotidien et et ce euh, j'appelle mon ami et je lui dis bonjour. Pourrais-je parler à Laurent Et là, il se met à hurler. Bonjour Monsieur, bonjour qui Bonjour Monsieur. Bon, là, j'ai compris maintenant qu'il fallait dire bonjour Monsieur euh, et, et, et ça <laughs> ça m'avait un peu traumatisé. Mais donc oui, il a fallu que j'apprenne les codes euh, et puis euh, c'est vrai que ça 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 euh, bah comme euh, euh, je me suis un peu imprégné de de, de, euh, de, de, de ces codes de, de ces pratiques et aussi de ces de, de cette ambition puisque sont, sont euh, mes amis de lycée sont euh, sont des gens de, de, de grande qualité d'ailleurs euh, c'est assez amusant parce que tous mes amis d'aujourd'hui 90% de mes amis très très proches d'aujourd'hui sont mes amis de lycée est-ce que si tu étais resté affronté sous bois tu serais le les... Définitivement pas le même Michael Bédinbou. Est-ce que est-ce que vraiment il y a enfin le, le, as un ascenseur social oui. gigantesque en passant par le septième arrondissement de Paris Je j'en je, je, ai la conviction. Bien sûr que les rencontres, euh, on rencontre pas les mêmes personnes à Fontenay-sous-Bois ou euh, dans le 7e arrondissement. Voilà. Et, euh, et ces gens euh, et ces échanges-là euh, m'ont nourri euh, différemment que si. Euh, ce qui est ce qui est dommage, hein, euh, mais, mais de manière très pragmatique, euh, je pense que oui, euh, je n'aurais pas du tout eu la même trajectoire. Parce que la perception euh, que j'ai de toi à travers tout ce que j'ai pu lire et ouais. puis euh, nos, nos entourages respectifs, c'est que euh, tu es un homme, de, enfin, je prends les termes anglais, on parle beaucoup de soft skill, quoi, mais de... de tu vois, de de tripes, c'est-à-dire euh, on, on lit beaucoup euh, le, 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 le vendeur hors pair, euh, euh, le enfin quelque chose qui est très alors tu vas m'expliquer à quel point tout ce que tu as fait ensuite est soit scientifique soit justement très instinctif, mais euh, euh, je, je pourrais penser souvent je... très instinctif, oui, je... voilà. et très intuitif. Et voilà, et, et je pourrais penser que tout ça, en fait, finalement, vient d'un parcours, et peut-être que ton passage euh, dans le septième, à ce moment-là, t'a apporté un certain nombre de codes, mais que finalement, le, le, le reste vient quand même d'un parcours beaucoup, beaucoup oui, plus oui. tôt. Oui, oui. Euh, je, 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 je me suis rendu compte assez rapidement que <coughs> je suis euh, l'éducation de ma mère. Voilà. ma mère euh, qui était euh, bon qui qui, euh, qui est partie il y a il y a deux ans elle avait 98 ans euh, donc j'en ai bien profité euh, ma mère était une femme euh, extrêmement éthique qui avait euh, beaucoup beaucoup de valeurs et euh, et je suis euh, j'ai beaucoup beaucoup de chance parce qu'elle m'a transmis ses euh, valeurs voilà et tu pourrais m'en décrire certaines qu'on en profite <laughs> bah euh, euh, Principalement, moi, moi, je suis, euh, euh, je suis sincèrement bienveillant. Il voilà. y, a, y a une chose que euh, j'aime les autres, euh, j'aime le business et j'aime les hommes. Voilà. Euh, je ne suis euh, jamais, jamais, jamais. Et ça c'est une chance. Non, j'ai pour rien, hein, mais je suis comme ça. Je ne suis jamais jaloux. Voilà. Moi je me la jalousie c'est terrible. Voilà. Moi je qu'il faut éradiquer de votre vie. Souvent on dit ça, ouais, je suis un peu jaloux en disant c'est sympa, c'est euh... pas méchant, etc. Mais c'est terrible la jalousie. Voilà. voilà. Moi moi je me. Euh, si toi Mathieu demain il t'arrive quelque chose de, de formidable, mais je vais être sincèrement heureux pour toi, hmm. voilà. Et, et ça, euh, les gens euh, et, et, et les êtres humains euh, le comprennent, euh, voient que c'est sincère et, et ça crée un lien, euh, ça peut créer euh, des liens euh, émotionnels et amicaux avec les autres qui sont, euh, euh, bah, qui sont forts, voilà, et, et qui sont euh, transparents et, et sincères. Oui. Est-ce que tu crois que certaines personnes en écoutant ce podcast, parce que ça m'est arrivé. Je me suis fait bananer ou je sais pas, mais pourrait dire euh, non, mais tu t'es fait embarquer par euh, par Benabou là, c'est un enfoiré. Il te dit ça, etc. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui pensent ça quand même malgré ce que tu dis De moi, euh, oui, il y a quelques personnes qui peuvent le penser parce que c'est pas parce que je suis sincèrement bienveillant que je suis la bonne poire ou, ou, ou donc euh, donc évidemment, je que, voilà, je sais me battre, euh, euh, je suis tenace dans la vie euh, et donc euh, euh, oui oui. Euh, alors 95% euh, de, des gens avec qui tu vas parler, euh, j'espère, euh, disant ce que je dis, <laughs> que tu t'es pas fait badanner. Ouais, ouais. non, non, mais bon, ça me fait marrer de, de tu vois, de, 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 finalement de reprendre ce prisme parce que, parce qu'en fait. Je vais pas dire que ça m'arrive à chaque fois, mais ça m'arrive assez souvent. C'est-à-dire que souvent on va m'envoyer un message après en me disant, euh, Ah alors mais celui-là, etc. Mais en fait, on a on a tous un ou deux ennemis. Alors en plus, je je me rencontre au fur et à mesure. Oui. qu'il y a quand même des clans dans le business. Il y a des familles euh, euh, dans euh, l'habillement, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la finance. Et en fait, euh, euh, souvent d'ailleurs des gens qui pourraient peut-être être potes s'ils si, si se connaissaient vraiment détestent enfin moi je peux avoir une tendance j'ai arrêté je crois que je me suis vachement calmé mais j'avais une tendance à détester mes concurrents mais de manière viscérale en fait alors que je les connaissais pas et en vrai on pourrait être super potes mais tu vois juste c'est une saloperie <laughs> et puis du coup bah, tu te balances des petites pots de banane et voilà et puis et puis voilà et puis à la fin ça ça part en sucette quoi tu vois. <laughs> bon bah, tu, tu as évolué. Ouais, tu évolué là, bah, j j je je, je t'ai vu parler avec un de tes confrères ouais. et, et c'était vraiment une discussion euh, ultra amicale entre vous donc ça vient changer alors. <laughs> C'était, je, je crois que le podcast dont tu parles, c'est en, en vidéo aussi sur YouTube, c'était avec Nicolas, euh, le geek du, des chiffres. Si vous le trouvez, on mettra le lien. Euh, mais on s'est bien marré. J'ai adoré cette rencontre avec Nicolas. On a déjeuné juste avant ensemble euh, chez Mama Primi, euh, tu les connais ah, peut-être. Oui. Euh, oui, oui, euh, oui, euh, tigrane, oui. tigrane, voilà, et, et Victor. Et c'était après avoir enregistré avec tig... Victor. Et j'étais très fier, j'en ai parlé deux fois avec Alain Ducasse parce que j'avais eu mes quatre cuillères de, de, de tiramisu. Ça fait partie du process et de leur cérémonie. Euh, bref, euh, ouais. petit clin d'œil là-dessus euh... moi, okay. moi je vais te dire je, je suis pas tellement dans la com euh, D'ailleurs je suis un garçon Assez discret, ouais, ouais, hein, je, je communique peu Euh donc 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 forcément je ne vais pas te bananer tu vois euh, ceux ceux qui qui entre guillemets euh, vont te dire des choses qui sont pas très sincères bah c'est ceux qui sont plus euh, qui mmh. vont travailler leur image qui qui au cordeau etc et donc qui vont se dire pour le besoin de mon image il vaut mieux que je dise ça et ça moi j'ai pas ce j'ai pas ce besoin mais j'essaye d'aller au-delà de ces éléments de langage hein, à chaque fois c'est mon c'est un peu mon mon, oui. mon job et, et, et mon ambition euh, maintenant je pense aussi juste qu'il y a une question de prisme quoi, il y a des gens euh, enfin euh, il y a des gens qui te détestent il y a des gens qui me détestent, bon bah fine faut vivre avec il y a des gens pour qui je parle trop, il y a des gens pour qui euh, euh, tu euh, je sais pas tu leur as planté peut-être et puis toi tu te dis non, bon c'est comme ça ouais euh, euh, ok, et, et c'est vrai que en, ensuite en plus, euh, donc tu vas me raconter un peu, euh, mm -hmm. euh, mais euh, si d'ailleurs je pourrais rester sur ces, ces histoires de com, parce que moi j'ai plein de questions évidemment euh, sur euh, l'aventure business de ta vie, en tout cas la, la grande aventure euh, qui a changé ta vie, qui est privé, euh, VP désormais, euh, et, euh, et j'en avais parlé avec Jacques-Antoine, je crois que c'était épisode 81, un super épisode que je recommande mm -hmm. euh, et en fait, euh, dans lequel il y, euh, y avait, vous étiez sept, c'est ça, je crois. C'est ça, sept et, associés. Oui. Et, et donc, on va y venir en long, en large, en travers, mais sur, en effet, ce même ce, ce, ce côté de de prendre la lumière ou d'être visible il y avait une tête de pont qui était Jacques oui, Antoine, Jacques -Antoine. Euh, très et, clairement et très clairement et les autres dont on entend parler euh, ça et là évidemment euh, des noms que je je, je connais euh, mais euh, Xavier Cour, Hélène Xavier... Benaïm, Julien ouais. Sorbach euh, bien sûr exactement et et il y avait une femme aussi Éléonore Éléonore et et donc on, on qui est la femme de Jacques Antoine qui est la femme de Jacques Antoine mm -hmm. tout à fait et donc voilà on on on, on reviendra un peu là-dessus mais en effet j'imagine que euh... bah, c'est une aventure humaine et euh incroyable euh, puisque on est passé euh, euh, on est, on, on, ça faisait dix ans qu'on était associé en on était, était soldeur Hein, on était soldeur, donc ça veut dire qu'on était dans le 10e arrondissement. Euh, on faisait les cartons. Euh, moi, j'ai démarré en 91 avec Jacques-Antoine et Julien. J'ai euh... lu quelque part, mais il faudra qu'on vienne. Ouais. J'ai lu quelque part que, que, que c'était une... Euh, qui t'avait pris en stop dans le sud oui. de la France Oui, ça c'est comme... on, va, va. Va, <laughs> on va revenir là-dessus. Mais avant de raconter cette histoire mm -hmm. et comment ça s'est créé, je voudrais revenir aussi un peu sur le de, de, du collège jusqu'à jusqu mm -hmm. là et comment tout ça s'est enclenché. Mais ce, ma question était, puisqu'on était là-dessus... Euh, est-ce que vous avez vécu dans l'ombre de Jacques-Antoine Ou euh, peu importe, c'était chacun son rôle et son rôle était, euh, était finalement aussi d'être dans la com Alors, euh, assez rapidement, Jacques-Antoine a pris, euh, était le, le leader du groupe euh, et euh, moi j'étais le cofondateur en charge du business. Voilà. Donc moi je gérais le chiffre d'affaires et la marge. Bah de des opérations donc sur copane hein, quand on était soldeur pendant dix ans on a déstocké énormément de marques euh, de d'équipement de, de la personne et d'équipement de la maison euh, dans toute l'europe euh, donc moi je j'étais je, bah je, responsable du chiffre d'affaires et de la marge de l'entreprise ça veut dire autant le, aller chercher les, les, les 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 le matériel enfin les choses à vendre que ça. de les vendre ensuite euh... alors le le en fait euh, quand on est soldeur mmh. hein, j'ai aucune honte à dire que j'ai été soldeur euh, euh, et, et ensuite vente privée n'est qu'un shift technologique d'un métier euh, qui est vieux comme le monde hein, mmh. hein, qui est le, le 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 métier du du recycle, du recyclage des 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 produits de saison précédente. Euh, quand j'étais soldeur en fait euh, bah c'était euh, pour pouvoir acheter à des très belles marques les stocks et pour pouvoir les acheter pas cher du tout parce qu'il faut savoir que en moyenne si un produit coûtait 100 euros en retail il fallait que moi je l'achète 4 euros. Voilà. Alors c'est très très agressif hein. il faut savoir que pour l'acheter 4 euros, ben bah, il revenait à peu près 15 euros, euh, 12 ou 15 euros à la marque, donc ça veut dire qu'il a le PRD entre 60 et 80 son prix de revient. C'est ça, il y a à peu près des règles. Hein. Je voudrais qu'on qu explique ça. Oui. Euh, quand un, un produit est vendu 100 euros TTC, TTC, TTC ça veut dire en boutique, on, en boutique ça veut dire qu'il est, est vendu 80 euros hors taxe, donc il y a 20 euros qui vont à l'État. C'est ça. Euh, en dessous, euh, généralement, on dit que pour le 100 euros TTC, c'est deux fois et demi le prix d'achat. C'est 40 donc euros. 40 la euros. marque le vend 40 euros à un retailer. À un retailer, donc à, donc détail, à, en... à ton magasin. À un distributeur ou à elle-même si elle est intégrée euh, voilà. en distribution. Donc tu voilà. t'as 40, 40 40 euros, euros. ça c'est le prix de vente de la marque. Et donc elle, elle doit un prix de revient. Combien lui coûte le produit 15 10, euros. 15, 15 ouais. Entre 15 et 20 euros. Et moi, il donc c'est que... pareil, il y a plus ou moins deux fois et demi aussi encore. ok Et moi, il fallait que j'achète autour de 4 euros. Donc évidemment que bah quand elle euh... perdait 11 euros à chaque fois qu'elle te vendait oui, un produit, oui, ça veut dire que quand elle me vend pour un million euh, ou pour 200 000, ça lui avait coûté un million dans ses mmh. comptes. Mais ça lui avait coûté un million il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. Puisque... Elle avait elle avait vendu d'autres choses et puis ça en fait c'est quelque chose d'une immobilisation. Le Exactement. stock lui coûtait à garder, euh, il se détériorait, etc. Donc fallait s'en débarrasser et donc il préférait te le filer à toi. Exactement. Et alors mais, pardon, juste mais, je, mais de manière tu générale, as dit tu as ouais. dit pardon, j'ai important, tu as dit j'ai pas honte à ah, en fait euh, parce que c'est un c'est un métier qui est, qui est qui est vu comme un métier de crevard un peu ou excuse-moi. Ouais, je Mais sûr. Moi il faut savoir que euh, je faisais tous les salons d'Europe, euh, donc les les, les shows, hein. mm. donc à Berlin, à, à Milan, à on est dans tous les pays d'Europe. Et quand je rentrais sur un stand euh, pour dire bonjour, voilà, alors est-ce que tu es intéressé par le bah, produit là Est-ce voilà, que tu voilà. es là Et là, <laughs> j'avais des gens qui me disaient mais quel... Culot, monsieur, de venir jusqu'à chez nous maintenant, alors qu'on est en train de vendre nos collections ben machin, pour nous acheter. Non mais là, sortez, monsieur, euh, vous viendrez plus tard, etc. Genre, j'étais un charodien. Euh, mm. euh, bon, maintenant, après, évidemment, que euh, plus euh, on a, le, le temps a avancé, euh, et plus euh, finalement, c'est une règle de très saine gestion de euh, découler de, après chaque saison ses invendus, pour arriver à zéro. Et, euh, et donc, les gens qui gardaient des stocks un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, bah finalement, c'est les gens qui géraient très mal leurs affaires. Mmh. Euh, c'est hyper intéressant, je ne l'avais pas complètement perçu comme ça. Euh, alors, il euh, faudra que tu m'expliques. Du coup, on est rentré de plein pied là-dedans, on reviendra oui. sur le. C'est pas Moi, grave, c'est le principe oui. de génération Moi, ce de que je veux dire oui Ce que je veux dire, juste, et puis après on mmh. mais il faut bien comprendre une chose quand tu fais perdre 80% de son prix de revient à la personne en face de toi, évidemment qu'il y a une démarche commerciale. Mm. Il faut le convaincre que euh, euh, il va perdre d'un côté, mais il va gagner de l'autre. Euh, il va gagner parce que évidemment il va libérer de la place dans ses entrepôts. Il va euh, toucher, euh, bah il va il va il va toucher de l'argent et, 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 et puis ensuite, bah, il va pouvoir euh, avancer de manière euh, cette. Donc ça pour ça il faut le convaincre euh, et donc il faut avoir une démarche commerciale même si ce un métier paraît très basique, il faut avoir une démarche commerciale assez élaborée. Et, et je pense que quand ça rentre dans un process euh, de grandes marques qu'on l'habitude et qui se disent j'ai des collections et puis année après année, etc., ils l'intègrent et, et c'est compréhensible. Moi, en fait, finalement, quand je t'écoute, je me rends compte que ça m'est arrivé une fois. J'ai fait un produit. Euh, qui s'appelait des euh, Relationship Bracelets, donc des bracelets euh, relations. Oui. Euh, je dois en parler dans le podcast oui. avec. Oui, tu en parles, 10 000, 50 000, hein, 100 000. <laughs> Après j'en ai commandé 500 000, j'en ai vendu 100 000. Voilà, c'est <laughs> ça. Donc il m'en restait 400 000 sur les bras. Et en effet, à ce moment-là, quand j'avais des, des gens qui venaient me voir, en fait, comme je le dis, j'en ai fait sur la dernière 500 000 euh, une commande. Donc à chaque fois, tu grossis, tu grossis, puis tu te retrouves avec ta commande de 500 000 qui en fait m'a... Je reviens sur le, le détail, mais m'a presque rien coûté. C'est-à-dire que la marge de mes... Mai... Enfin, quand je dis que m'a rien coûté, c'est que la, au début, tu en commandes 5 000, après 10 000, après... Et en fait, à chaque fois, c'est ce que tu gagnes sur les 5000 qui te permet de commander les 10 000. Donc, en fait, elle, tous, ces 500 000, finalement, si je remonte le fil, m'ont coûté 2000 000 euros de la première ouais, commande euh, des 5000 Donc, tu te dis, en fait, j'ai un énorme stock. Et quand tu as quelqu'un qui te dit, mais en vrai, ils m'ont coûté, j'ai sorti peut-être... Euh... 70 000, ou je sais plus, enfin, oui, quelque chose comme ça, pour avoir ces 500 000. Et quand t'as quelqu'un qui arrive, qui dit, euh, ben, t'es 500 000, je te les prends, enfin, t'es 400 000 qui restent, je te les prends pour euh, 50 000 euros. Là, tu regardes, tu dis, mais non, mais en fait, ça m'a coûté 70, donc ça va pas marcher, ton truc, euh, et, et, Finalement, il euh, y en a quand même toute une partie que que, que, que tu as revendu. Non, non, mais genre qu'on a foutu à la benne deux, deux trois ans plus tard. Mais bah ouais, mais ah, en fait pas un bon client mais, pour nous. Non, alors. non, mais en fait, il y a un moment où tu comprends. Enfin, c'est tu oui. Après, il y a plus de valeur commerciale. Il n'y a plus de valeur commerciale ouais, ouais. et en fait, t t es, t es, tu rentres pas. Et puis en plus, moi, j'étais sur un solo produit. Je rentrais pas dans un truc où il fallait que la dynamique, je la prenne en fait, tu vois. Et en effet, j'aurais pris mes 50 000 directs. Euh, et puis j'en parlais plus. Je passais à autre chose. Et puis c'était bon. Euh, mais c'est compliqué à comprendre finalement, comme tu le dis. Il faut convaincre. Ouais, oui. oui, et puis et puis plus tu travailles avec des gens euh, qui, qui investissent sur leur marque et qui sont donc euh, euh, attractifs pour le consommateur, et plus la notion de confiance est importante mmh. puisqu'ils te confient des produits et, et, et donc si tu les distribues mal bah tu peux vraiment endommager leur circuit de distribution. C'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui sur ton produit à 15 te propose 4, c'est celui qui va payer 5, 6, c'est celui qui te propose le plus ou c'est Alors, à l'époque euh à l'époque avec Jacques Antoine et Julien, c'est vrai que c'était totalement disruptif parce que tous les soldeurs de la place de Paris qui étaient tous concentrés dans le 10e arrondissement dans le sentier donc hein. euh, même pas, pas même pas à, à côté, côté à côté, à côté ouais, du ouais. sentier euh, euh, tout, autour du boulevard Magenta de la la rue de Paradis, euh, euh, la rue du Château d'eau, euh, voilà, et, ils sont, ils sont tous là, et il y en avait des dizaines. Et en fait, tous ces gens-là disaient aux marques « eh maiores, yes oui, Argentin, il vais en Argentine, et, et, et donc. Les marques leur vendaient euh, les produits et ils retrouvaient ça sur les marchés quinze euh, jours après. Et donc, ils appelaient, ils disaient, mais qu'est-ce Ah ben bah oui, il y a eu un problème. Euh, ah. hum. Donc, en fait, c'était euh, le meilleur soldeur, c'était le meilleur menteur. Ouais. Et ça, ça nous a euh, très, 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 très vite beaucoup dérangé, parce que de créer une relation avec euh, des gens qui ont des responsabilités dans les marques, euh, et ensuite de les trahir les yeux dans les yeux Bon ben c'est très compliqué. du vie. coup tu re leur reprends jamais rien derrière. C à tes ah des bah, du du one coup tu es obligé de mentir, etc. Et donc on, on, on est très 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 vite, euh, avec Julien, Jacques-Antoine et moi, on a décidé de dire la vérité. Et on a dit à ces marques, écoutez les gars, on va arrêter de se raconter des salades. Euh, la marchandise, on va la vendre en France. On va la vendre sur les marchés. Mais nous, on va vous donner la liste des villes où on a des clients, la liste des rues, et vous allez choisir, vous allez rayer tout là où vous voulez pas et là où vous voulez pas il n'y en aura pas voilà. alors au départ pendant un an un an et demi bah toutes les marques nous disent ah non non euh, ah bah, j'ai vendu le stock à l'autre parce que lui il le vend vous comprenez lui il le ah, vend vraiment en Argentine ouais. ou en Afrique euh, euh. et on dit mais vous avez pas compris on vous a expliqué que c'était des menteurs et que même si ces deux sont des très bons menteurs vous allez mais non monsieur il m'a signé un contrat on a fait un contrat de distribution mais il s'en fout de signer un contrat, mmh. hein. il va sauter euh, il va déposer le Milan Cyber. donc euh, euh, et il nous rappelait six mois après il nous dit oh. Vous avez raison, c'est incroyable, ils nous ont menti. Hein et finalement, la confiance au fur et à mesure est arrivée et on a commencé à travailler euh, beaucoup plus main dans la main avec les marques. Et alors, il y a des marques qui disaient non, ben bah, bah, je veux pas, je veux pas qu'ils soient en France, voilà. Et donc, on ne travaillera pas ensemble. Et mm. On disait bon ben bah, ok, bah, quand vous serez, euh, quand nous on aura des réseaux à l'export ou vous vous serez d'accord, bah, on, on travaillera. Et, 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 et au fur et à mesure, finalement, on s'est dit euh, c'est compliqué les marques perdent per 80% du prix de revient, euh, il faut qu'on trouve un système qui valorise mieux les stocks, le prix, euh, la valorisation des stocks, et qui protège encore mieux euh, les marques. Et Surtout que, pardon, mais euh, dans une marque, il n'y a pas qu'un produit. Euh, et c'est euh, euh, enfin je veux dire c'est un peu ce que j'ai échangé avec euh, avec Alain Ducasse euh, dans 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 il me parle de de, de chorégraphie et de, de chorégraphe pour ses restaurants et en fait euh, tu te dis euh, euh, le cérémonial sûr, euh, la, manière sûr, accueilles bien bien la manière dont accueille les personnes euh, la manière dont ils sont tu dis bonjour monsieur ou pas euh, ou tu salues ou tu vois je je euh, je sais pas si tu connais le Soho House enfin euh, euh, voilà il te il te tutoie quand tu arrives là-bas c'est euh, un endroit enfin voilà chaque, euh, à Paris, à Paris ouais. ouais moi je connais euh, 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 bah oui alors, alors bon après il parle en anglais donc c'est plus simple il n'y a pas de de vous mais, mais mais du coup euh, voilà et donc tu vois chacun a son positionnement toi tu peux aller au Soho House un avocat ou un banquier ne peut pas y aller ouais ça c'est cool c'est des... <laughs> c'est plus créatif voilà c'est le truc l'endroit cool du du, de, 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 du Soho et donc euh, euh, du coup euh, ce que je veux dire là-dessus c'est que euh, une marque elle a son cérémonial mm -hmm. et si tu le torpilles complètement en disant tiens voilà mon polo Lacoste euh, je te à le jette 19 à la figure euros, euh, euh, au euh, marché ouais, de ouais. Sevran euh, oui c'est c'est sûr que ça pose un problème. Mm. Euh, donc tu torpilles plein de choses, c'est ce que tu disais oui, un peu finalement au-delà du prix. Euh... Alors il, il, il faut voir que euh, un peu autre temps, autre mœurs. Hein. Aujourd'hui, on est en 2022. Il euh, euh, y a, y a, y a, y a la, la sophistication des marques a beaucoup évolué. Et à l'époque, finalement, tout ce que tu décris, ça n'était que le luxe, mmh. euh, que les marques réellement de luxe qui, qui avaient euh, qui avaient investi suffisamment pour former leurs collaborateurs, avoir des cérémoniens, des cérémoniaux et, 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 et et donc tout ça, c'est beaucoup sophistiqué. À l'époque, c'était un peu moins. moins le cas. Mais je me rappelle, je cherche le nom de <laughs> le... ce sol, cette solderie euh, à Cherbourg où j'ai grandi, euh, qui s'appelait ouais, Griff Pfff. Non. Euh, T'es fort, la mais je crois... euh, attends, là, là, là. Pfff. La, ah, ça va bon. me revenir. C'était un de mes clients. Et, euh, et en effet, quand même, t'avais dans toutes ces marques, tu vois, des grands bacs dans oui, lesquels oui. Ah, oui, étais oui, non, pliés, était pliés, tu étais oui, déplié, tu, oui, ressortais, oui. tu regardais, tu, t'avais pas les tailles, c'était pas plié. Enfin, je veux dire, même à l'époque, c'était quand même une autre expérience utilisateur, quoi. C'était quand même ah, autre chose. Bon, c'est sûr, sûr que c'était content de payer le truc que 12 fois oui, oui, moins oui, cher, oui, Mais, c'est pas des griffes, machin, c'était. non, non, non. Des griffes tout, non, ou, putain. Attends, euh... Moi aussi, ça me. <laughs> ah zut! Euh, et, euh, bon, et donc, ouais. bon, ça va, ça va me revenir, mais c'est vrai que c'était autre chose, tu vois. Il y avait un côté euh, cheap, quoi. Euh, ah non, là, non, je te dis pas du tout le contraire. Mais euh, euh, ce côté cheap, euh, les marques. On va dire aujourd'hui euh, l'équivalent des Sandro, Mage, mmh. etc. Euh, qui sont aujourd'hui des marques très premium. Bah, l'équivalent de ces marques à l'époque n'avait pas inséré, euh, n'avait pas euh, finalement euh, autant investi dans leur image et dans tout le mode opératoire de la, mmh. du, la, du, de la gestion de leur image. Voilà. Euh, donc c'était un peu moins grave de les mettre dans des bacs euh, que ces produits euh, soient dans des bacs et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils qu qu acceptaient de, de nous vendre ces produits. Et à un moment, à un moment on s'est dit, bon, l'avenir euh, et le futur euh, va contre nous, le temps joue contre nous, parce que finalement, euh, toujours, la technologie euh, est une machine à gommer les intermédiaires. Et nous, on était un, un intermédiaire, et un intermédiaire qui était très coûteux, puisque euh, on coûtait beaucoup d'argent euh, aux marques. Je reprends ce que tu dis, hein, mais la technologie est une machine à gommer les intermédiaires, ça, je pense qu'il y a encore beaucoup d'intermédiaires qui ne sont pas bien rendus compte, même 20 ou 30 ans après, euh, mais euh, je pense bien que c'est ça c est des important. Oui, bien sûr. Hum. Euh, et donc, euh, on s'est dit si ça continue, bah, c'est sûr qu'on va mourir. Nous, euh, euh, notre business model, le business model du soldeur qui fait perdre une, beaucoup, beaucoup d'argent aux marques, bon, bah, il n'est pas pérenne. Et c'est là où on, on s'est dit comment on peut essayer de, de, de mieux valoriser euh, les produits et de mieux valoriser les marques. Et, et, et l'idée euh, de vente privée. Euh, à éclos euh, par rapport à, à l'époque il y avait euh, euh, il y avait euh, je crois que c'était bah, il y avait carrefour qui faisait une campagne et qui disait voilà il y a 100 chaussures euh, qui valaient 300 euros on les met à 50 euros mais c'est valable qu'aujourd'hui voilà mmh. et il y en a euh, il y en a pas 100 il y en a 10 000 euh, mais c'est qu'aujourd'hui et c'est cette idée euh, qu'on a qu'on a repris avec beaucoup de difficultés parce qu'à l'époque euh, il faut se replacer on est en 2001 Ouais, je, euh, je vais revenir sur sur ça, je, mais je voudrais juste savoir finalement pourquoi entre guillemets euh, parce que si j'ai lu des lu des bonnes infos que je me replace dans les votre aventure des années 90, mm -hmm. vous étiez un peu comme ce que je décrivais sur mes histoires de bracelet, sur des business de coups. C'est-à-dire que euh, alors tu, tu, tu pouvais sur un ou deux coups, tu quand tu signais bien un ou deux clients, faire une petite fortune, c'est-à-dire euh, non, je, je me trompe. Enfin pour moi c'est vraiment un truc où, où tu es enfin euh, tu vois c'est vraiment. Tu le vis jeu. bien, tu vis bien, euh, euh, mais tu peux pas, tu peux pas gagner des fortunes. Et puis euh, finalement, euh, même si on avait l'impression et, et tous les ans, à chaque fois qu'on allait dans les salons, on se prenait des claques euh, dans les salons, on se disait mais, mais notre métier l'année prochaine il n'y aura plus de stock parce qu'ils vont s'organiser, etc. Mais comment on va faire etc. Et, et et chaque année il y avait du stock. Il y en a euh, encore aujourd'hui aujourd'hui, euh, bon, bah, aujourd'hui, les, les, les moyens de, de, de le contrôler et, et, et la relocalisation jouent euh, mmh. contre les stocks, puisque, bah, plus on, plus on produit près et plus on produit juste. C'est une vérité, ça, la relocalisation, aujourd'hui Oui. Enfin, c'est, euh, oui. on, on a vraiment, vraiment nettement moins de trucs qui sont produits en Asie et en. Euh, le, le sens est faire la relocalisation. Et on produit de plus en plus localement et près de chez soi. D'accord, mais c'est intéressant de voir cette info de l'intérieur parce que je pensais que c'était un peu un mirage, c'est-à-dire que c'était un pour de et puis le reste. Non, pff. non, 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 parce que finalement, bah, euh, la Chine et tous les euh, là aujourd'hui pour vraiment avoir des. Enfin, moi, je connais pas très très bien tout ça, mais je, je parle et j'échange avec des gens qui, dont c'est le métier. Aujourd'hui, la Chine est devenue très sophistiquée et capable de produire, et donc les prix ne sont plus du tout aussi euh, aussi attractifs. Donc, pour avoir des prix très très bas, il faut aller dans des pays comme euh, le Pakistan et bientôt il va falloir aller en Afghanistan. Euh, donc donc les marques et, et, et évidemment la société, le sens euh, de, de, de des valeurs de, de la société dans laquelle on vit, passer bah, justement euh, de, euh, de de, de, de de revenir le plus près de soi et de faire du bien à, à, à son écosystème à soi et, et, et ne pas aller euh, euh, faire travailler des enfants dans des usines où ils travaillent sept heures par jour mmh. etc voilà et tout ça euh, contribue à une relocalisation pour moi je me rends compte euh, maintenant que tu dis tout ça parce que je te présente un peu comme expert quand même du sujet. Tu me dis bon, je ne sais pas exactement, mais qu'en en fait, euh, on, on est parti déjà dans plein de trucs très. Euh, euh, on va revenir sur la création de VP, mais aussi euh, voilà. Euh, mais j'ai pas expliqué ou finalement dans ta présentation, euh, euh, tu, tu es aujourd'hui euh, donc à la tête de la fina financière Singers. Mmh -hmm. euh, tu es propriétaire de Beaugrenel je suis copropriétaire. Co voilà, ouais. je, je possède 20 Ah d'accord. Euh... Ok C'est hein, qui, pas qui est... mal. Euh... Un, un bel endroit. Oui c'est 20 du coup, de... alors Grenelle, c'est un pardon pour ceux qui ne sont pas à Paris, c'est un... un centre commercial. je sais Voilà, c'est le, le quasiment le seul centre commercial à Paris et surtout qui est vertical. Ça veut dire mmh. qu'il y a euh, quatre niveaux euh, dans Paris. Il est à 850 mètres de la Tour Eiffel. Euh, c'est un centre commercial qui fait 71 000 mètres carrés et qui a euh, 106 enseignes voilà, voilà. Euh, C'est est... un très bel actif. Euh, C'est probablement, ça a été la plus belle ouverture d'un centre commercial depuis dix ans en France. Il mmh. euh, couvre une zone de Chalandise euh, principale qui est 15e, 16e, euh, Neuilly 7e, qui est une des zones les plus riches d'Europe. Mmh. Donc forcément, euh, on a euh, la chance d'avoir de très belles enseignes. Euh... Puis il a revalorisé un quartier qui était quand même hyper en déclin parce que tout ah, bah... tours euh, dans ce <laughs> coin-là, Beaugrenel, c'était quand même assez euh, compliqué. Ah oui, c'était très très anxiogène. Ouais. D'ailleurs, je trouve que euh, Maurice Bonset, qui a euh, de A à Z euh, construit Beaugrenel, qui est mon associé euh, et qui dirige euh, avec, son, avec Fabrice, son neveu, la société Apti, Apsis, a eu une tenacité incroyable parce mmh. que euh, il a gardé le nom, alors que Beaugrenel, c'était vraiment mmh. l'anxiogénéité la plus totale. Ouais. Vous, vous arriviez le dimanche soir dans ce quartier, et il fallait un Prozac, ou sinon <laughs> vous jetiez dans la Seine. Euh, euh, et, 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 et c'est très amusant parce que le maire du 15e de l'époque, quand, euh, quand Apsis a, a, a voulu euh, construire le nouveau Beaucornel, euh, a dit, moi vivant, ça n'arrivera jamais. Mmh. Il dit, ah bon, mais pourquoi euh, Il dit, parce que vous allez euh, altérer mon chef-d'œuvre, et ça, je ne le veux à aucun prix. Il dit, mais c'est quoi votre chef-d'œuvre Eh bien, ce sont toutes ces tours. Mmh. Euh, du 15e. Du 15e arrondissement. Euh, 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 et alors bon, il a dit non. Franchement, là. C'est un point de vue, hein. ouais. voilà. Et puis, et puis, on a lutté. Enfin, ils ont lutté. Euh, ils ont eu euh, ensuite. Ils ont, ils ont pu. Euh, c'est un projet qui s'est déroulé sur 7 ou huit ans. Et, euh, et architecturalement parlant, c'est une, c'est une grande réussite. Et ça a remodelé totalement ce quartier. Absolument. On, on y reviendra aussi, du coup. Mais euh, moi, là, c'est vrai que la seule raison pour laquelle j'allais dans ce coin à un moment était pour aller à, à, au Benkei Là, c'est ça. Ah, ça oui. Toujours un restaurant ah, oui, Japon, sûr, un japonais, japonais exceptionnel. Ouais, euh, euh, Novotel Votel. Ouais, ou... ouais, ouais. Euh, que je recommande vivement. Euh, ok, et donc oui, en effet, aujourd'hui, tu as bon, pas mal d'autres activités d'investisseurs. Hein, des gros investisseurs de la tech aujourd'hui, avec la financière Saint-James. C'est ça. Euh, pas que dans le retail hein, parce que je crois que tu es mais dans des aussi quelques activités périphériques Alma euh, quelques-unes sur tech aussi il me semble euh, oui oui bon oui. euh, oh bah là là c'est plus aujourd'hui c'est le cœur de, de, de nos investissements plus euh, je travaille j'ai la chance de travailler avec un garçon euh, euh, qui est euh, extrêmement compétent et qui humainement et que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Clément la Molinerie oui euh, il a constitué une équipe euh, qui est petite mais de très bon niveau euh, et donc on a la chance d'être un business angel très actif euh, on reçoit on analyse environ euh, 2500 ou euh, un peu plus de 2500 euh, dossiers par an euh, il rencontre 350 entrepreneurs moi j'en rencontre euh, une bonne centaine euh, et on investit entre 10 et 15 fois par an voilà et plus voilà et ça on fait ça de manière euh, professionnelle depuis euh, euh, 4 ans maintenant et donc tu as réuni un peu dans toutes ces choses-là un peu tes deux amours finalement le, le commerce un peu d'une part le retail et aussi la tech et l'investissement dans tout dans tout oui. tout, tout ça Alors... que tu as forgé avec vip peut-être Ou... Euh, moi, moi en fait euh, parce qu'aujourd'hui pour, pour bien investir euh, et tu, tu le sais parfaitement bien euh, il faut euh, bah, il faut des bons entrepreneurs mmh. et ces entrepreneurs là euh, les bons entrepreneurs qui ont un vrai potentiel ils sont repérés très tôt les, les fonds qui euh, prennent des cafés euh, toutes les semaines avec avec ces en disant dès que tu lèves dès que tu as besoin d'argent tu me dis hein, je suis là et donc nous en tant que business angel professionnel c'est pas facile d'investir sur des dossiers qui sont très qualitatifs et qui ont des gros potentiels euh, comme tu comme tu le, le comme tu le disais euh, très bien euh, bah, euh, c'est c'est mieux d'investir de l'argent dans une euh, dans un entrepreneur euh, chez un entrepreneur qui a une vision et une ambition qui te dit bah voilà tu vas mettre X et moi je pense que dans cinq ans je vais faire 2 milliards plutôt que le gars qui te dit dans cinq ans je vais faire 3 millions mmh. voilà, euh, c est, c est et demi voilà donc c'est évident et ces entrepreneurs là <laughs> bah, pour les séduire il faut se vendre mmh. euh, et moi je me vends euh, euh, et, et alors comment je me vends <laughs> et ben bah, j'explique que mon expertise elle est pas tellement retail mon expertise elle est sur euh, le business B2B voilà. Moi, mon métier euh, chez Vente Privée, ça a été euh, de passer de soldeur, euh, bah, soldeur, classique dans le 10e arrondissement, où on appelle Mogentieux, etc., bon, à euh, recruter des commerciaux, euh, investir beaucoup d'argent avec des consultants pour mettre euh, des pitchs en place euh, pour les coacher en vidéo et euh, pour leur transmettre bah, euh, la technique euh, commerciale euh, est-ce que euh, tu poses des questions ouvertes ou des questions fermées euh, est-ce que si tu poses une question qui répond par oui ou pardon bah, c'est compliqué de de, euh, de rebondir donc il vaut mieux poser des questions ouvertes où le gars il va te donner des informations il faut savoir écouter etc et tout ça euh, tous ces investissements et ça c'est incroyablement efficace quand on investit sur euh, le business et sur la formation de vos, des équipes, c'est le meilleur payback que euh, j'ai. Et, et, et ça, euh, alors, c est, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est vrai que tu parles B2B. Voilà, en fait, ça c'est mon expertise. Et, et, et VP, et finalement ton expertise sur toutes ces années, c'est que tu es à la fois... Alors, sur, avant VIP, t'étais B2B, que B2B. Voilà. B2B d'un côté, buy side, sell side, donc à l'achat, à la vente, puisque tu vendais, euh, t'achetais à des, des marques pour mm -hmm. revendre à des soldeurs, donc t'étais entre les deux. Euh, sur VIP, vous êtes passé B2B d'un côté, B2C de l'autre. C'est ça. Range, mais, mais en fait, en fait, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on était B2B, to ci. Euh, mais euh, la valeur, la création de valeur, le, dans le business model, euh, elle se fait à l'achat. Elle On me fait... demande moins d'anglicisme, je reprends ce que tu dis, be business, to be business, donc c'est d'entreprise de, voilà. de, de, à entreprise, c ça. et le, le si c'est le consumer, le consommateur. Bon, voilà. voilà. Le, mais, mais, mais en fait, euh, bah c'est comme l'immobilier. Voilà. Un marchand de biens qui achète des appartements, il euh, il va pas acheter un appartement à n'importe quel prix parce qu'il sait exactement que dans cette rue-là, dans ce type d'immeuble, dans ces surfaces-là, avec des parties communes qui sont comme ci et comme ça et avec des vues, etc., ça vaut tant du mètre. Voilà. Le marché, il va chez les notaires et il dit, bah voilà, ça vaut, euh, X du mètre carré. Et donc, il sait combien il va le vendre à plus ou moins 5%. Donc, il sait combien il faut qu'il l'achète pour, pour pouvoir être pérenne et pour pouvoir dégager une marge. Voilà. Et ben, nous, notre métier, c'est la même chose. Euh, si ton pull euh, dans le discount, euh, c'est telle marque, euh, il a telle couleur, il est dans telle taille, euh, bah, il vaut tant. Voilà. Et, et 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 donc, euh, c'est pas un métier. Euh, donc, le, 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 euh, la valeur se crée vraiment à la source. On a, euh, j'en parle un petit peu dans ce podcast de temps en temps, mais une, je trouve mmh. une perception du, euh, alors déjà du vendeur, mais aussi euh, euh, du, toi qui, qui cumule un peu cette casquette de vendeur et de cinquantenaire, mmh. euh, une perception. Euh, euh, dégradé, dégradé enfin de du vendeur. De, euh, non, mais tu vois le vendeur de plus de 50 ans. En l'occurrence, il, il, il a du mal à trouver un job aujourd'hui. Euh, et, et dans quelle mesure, en fait, tout ce que tu me décris là, euh, toi, en plus ayant au passage empoché pas mal d'argent hein, sur une session, mm -hmm. tu t'es pas endormi. Dans quelle mesure, euh, 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 t'as toujours, euh, le, tu vois, le grip nécessaire. Euh, et, euh, et dans quelle mesure, tu vois, typiquement, quand tu te vends un, un un entrepreneur pour investir chez lui, il se mmh. dit pas, oui, mais Benabou, il est, il, tu vois, il est d'un autre âge, tu vois. Euh, et, et, comment tu peux le prouver? Je sais pas, tu vois, si je reviens même sur tes histoires de questions ouvertes, questions fermées, ça, n'a pas d'âge, en fait, ça fonctionne toujours. Ah bah, euh, oui. Mais est-ce que tu peux me, je sais pas, me faire un petit cours sur certaines choses comme ça et, et répondre à toutes ces questions, il y en a d'un coup, là. Oui. Moi, moi, en fait, ce que j'explique, euh, enfin, ce que, ce que, ce que j'explique à l'entrepreneur. Je lui dis, voilà, ton produit innovant, il est génial. Franchement, bravo. En général, j'ai en face de moi des gens qui ont des têtes extrêmement bien faites, qui sortent de Polytechnique, ont fait le MIT, flag euh, 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 Et ces gens-là, finalement, sont totalement focus, euh, sont totalement focalisés sur leurs produits innovants, hein, c'est-à-dire sur la tech qu'ils vont mettre euh, dans un produit qui va aider, euh, qui va aider une autre entreprise à, à, à aller plus vite sur des. Sur et des il est choses. tellement bien qu'il va se vendre tout seul. Voilà. Et, et, et le problème, c'est que. Ces, euh, ces entrepreneurs euh, si intelligents et si innovants, euh, ils sont bien souvent totalement aveugles sur comment ils vont scaler, comment ils vont vendre, comme, euh, comment ils vont aller conquérir la France, l'Europe et puis le monde avec ses innovations. Et donc, bien souvent, ils disent à un gars qui passe par là, « Ah oh bah toi, t'as du bagout, viens, viens par là pour vendre. » Et puis, le gars qui a du bagout, il va recruter trois stagiaires, il va leur dire « Allez, on y va. Bon, » Malheureusement, ça, c'est catastrophique. Voilà, euh, C'est catastrophique, ça ne marche pas. Euh, parce que vendre, euh, 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 aller... Euh, Accélérer une croissance très fortement, euh, c'est compliqué, c'est technique et c'est un métier. Mais alors, alors et, qui... et, et moi, ça a été mon métier. Et, et, et qui, comment je le trouve En fait, comment je trouve mon michael Benabou à moi, euh, qui va, si je suis euh, cet entrepreneur ou, enfin, euh, et, et, tu me dis là, faire ça avec cette personne qui prend trois stagiaires Quelle est la technique Quelle est la personne euh, mm -hmm. euh, que, 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 Comment je fais je pense que euh, euh, il faut s'entourer. Il y a, y, a, y, a, y a des entreprises qui sont spécialisées dans le conseil. Mmh. pour justement euh, euh, qui ont des pédagogies particulières pour former euh, pour former aussi ce, cet entrepreneur parce que cet entrepreneur à un moment il va falloir qu'il manage son gars du business mmh. qui est en train de scaler qui est en train d'ouvrir des pays qui est en train de de de, de recruter des directeurs euh, commerciaux dans chaque pays qui eux-mêmes recrutent des équipes etc etc donc il va falloir qu'il le manage euh, et donc euh, il va travailler avec euh, ce consultant bah, dès piaise, qui va regarder et qui va euh, échanger avec son euh, son manager commercial et il va regarder des critères il va suivre ces critères ils vont euh, il va apprendre euh, et, 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 et ça va et, et, et ça va progresser comme ça ce que fait euh, un, un invité que j'ai reçu notamment nicolas Aignan, avec une Petite structure qui s'appelle libérer la bête. Mm -hmm. euh, mais tu peux me recommander d'autres, toi T'en en as en tête Comme ça, tu me parles de structure de conseil. Enfin, c'est oui, du McKinsey ou c'est euh, non, euh, non, 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 non. Euh, McKinsey, ça, il... alors il pourrait. C'est le ça... gouvernement. C'est ouais. le sujet du moment. <laughs> je... Non, euh, je pense que le problème c'est pas qui conseille. Le gouvernement le problème c'est qu'il paye pas d'impôts. Ouais, ça c'est un gros problème. C est, c est... Ça, voilà. ça, ça, mais, ça, je t'avoue que, ouais. euh, je que moi, ça m'agace un peu, mais euh, oui. 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 Oui, l'optimisation fiscale à outrance, c'est pas très juste. Oui, oui. Hein. sachant que tu vois, ça peut être sur certains points des, des concurrents. Petir. Donc, de, du voilà. coup, et, vois, nous, et, du et ils en ont le retour médiatique mmh. euh, atroce parce mmh. que euh, maintenant c'est la marque McKinsey, euh, elle, est, euh, elle est un petit peu défrayée. Enfin, défray, bon. euh, non, il y a, il euh, y a Mercury International qui est une très bonne entreprise. il euh, y a Krautamer, euh, Tous ces gens-là sont depuis oh, 30. Oui ouais, j'ai fait ça une formation Krautamer. il y a ouais. il y a 20 ans, il y a 2003 je pense euh, euh, moi j'avais une Et ça m... enfin pour moi c'est quand même un vieux truc bien poussiéreux, ça marche tous ces trucs-là encore. Tu peux pas imaginer. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce que finalement, quand tu le fais sérieusement et quand tu le fais bien, il faut que tu aies des bons consultants. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une fille qui s'appelle Pascal Payet, qui pendant dix ans a formé toutes les équipes de vente privée, euh, tous les managers de vente privée. Et, et, et finalement, qu'est-ce qui se passe bah ben, on se forme, euh, on se formait environ deux jours par mois ce qui est beaucoup, hein. puisqu'on travaille 22 jours, hein. donc ouais. c'est à peu près 10% de son temps. Donc on se forme et deux jours par mois, alors parfois ça ça, ça, ça faisait grincer les dents de certains, euh, des temps séminaires, et puis ensuite euh, ils appliquent, et ils voient que ça marche. Et quand ils voient que ça marche, ben finalement ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Et puis ensuite, ils arrivent à les dépasser largement. Donc ils commencent à mieux gagner leur vie. Quand ils commencent à mieux gagner leur vie et qu'ils sont sur leurs clients vraiment, hein, ben ils évoluent. Ils vont devenir managers. Ils vont prendre une région plus importante. Ils vont prendre un et et donc tout ça, c'est que du win-win. Ça veut dire aussi que ces collaborateurs là, ils, ils, ils oublieront jamais que euh, euh, ces ventes privées euh, qui les a formées ces ventes privées qui les a mis en succès. Et c'est pour ça que moi dans, dans, dans mes équipes, j'ai encore euh, bah, j'ai encore tout, euh, toutes mes équipes sont, sont quasiment encore là. Ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans, il y en a qui sont là depuis 20 ans. Que, euh, 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 genre, toi t'as quitté il y a 9 ans. il ouais, euh, y a voilà, il euh, y a 9 ans exactement. Euh, enfin il y a 8 ans mais... et <laughs> euh, donc donc c'est que win win le 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 et et, et ensuite. Ces gens, euh, ces, ces collaborateurs qui, qui vraiment ont amélioré leur niveau de, de business efficiency, excuse moi du, du anglicisme, euh, ben ils vont pouvoir aussi transmettre à leurs collaborateurs et devenir aussi des managers euh, bienveillants et mais tout ça avec euh, évidemment une efficacité euh, du business qui, qui, qui fait que chez chez VP euh, en 2003 on faisait 1 ,3 million 3 de chiffre d'affaires. Euh, quand j'ai quitté euh, Vente Privée en 2013, on était à un peu moins de 2 milliards d'euros euh, dans 8 pays. Voilà. Euh, donc on a eu une. Effectivement, on été dans une. Ça a été très intense. 1 très, million très intense. 3 de milliards, donc on est sur du fois 1500, c'est ça à peu près C'est ça. Ouais. ça. Euh, donc ça, ça marche oui. Et, et, et ça, je n'ai pas pu le faire. Je ne l'ai pas fait parce que je suis un garçon génial. waouh frappé par la grâce Pas du tout, parce que c'est laborieux, euh, c'est du travail, c'est de l'investissement. Euh, je dépensais presque un million d'euros par an pour former mes collaborateurs. Mais, mais ça, ils l'ont jamais oublié. Ils l'ont jamais oublié. Et puis, il euh, y a une phrase que j'aime bien. Finalement, la seule manière de transformer un être humain, c'est par l'apprentissage. Ou sinon, on ne change pas les êtres humains. Euh, un... Et donc tout ce qu'il apprend, bah, il l'oublie pas. Euh, et ça, c'est bien. Et, et la question, en effet, c'est euh, de pouvoir euh, apprendre et apprendre vite. Et c'est délicat. Toi, dans des structures comme VP, vous aviez donc organisé ça. J'ai mm -hmm. l'impression à ton euh, d'impulsion, après ton étincelle. Euh, c'est possible aussi de le faire. Je suis en train de chercher dans mes euh, euh, dans mes notes, mais de le faire. Euh, euh, de manière individuelle, quand on est, je dis des conneries, mais dentiste, euh, euh, même avocat, etc. J'imagine, il y a de plus en plus de masterclass hein, qui permettent oui, de, faire, euh, bien sûr. de faire ça, des, des, des écoles de vente euh, euh, avec qui on a travaillé. Euh, je vais les retrouver en, en parallèle. Oui. Euh, euh, et est-ce que toi, as des, tu me parlais questions ouvertes, question fermée Alors, juste pour non, mais ceux ça, qui connaissent, ça la crème. Mais ouais, euh... mais mais Enfin, je veux dire, ça marche assez bien. Combien de personnes j'entends dire euh, Alors, question ouverte, c'est question ouverte que je les confonde pas. C'est euh, quand tu peux pas répondre par oui, pardon. C'est ça. Question fermée, c'est oui, pardon. Donc, euh, c'est ça. Euh, 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 est-ce que je suis si en tu... train de te vendre ouais. quelque chose Et je vais te dire. Bon, bah, vous, vous, vous avez aimé la démonstration Oui. Ah d'accord très bien et, et bon bah forcément euh, je suis euh, si, si est-ce qu dis... est qu'on peut prendre est rendez-vous non et là euh, t'es en fait euh, ah bah T'es tu t'es dans un corner, etc alors que si tu lui dis euh, euh, qu'est-ce qui vous gêne je, je vois que vous avez apprécié le produit mais à un moment il euh, y a quelque chose qui vous a gêné euh, Vous pouvez me le décrire ce qui vous a gêné et là vous allez commencer à dialoguer et surtout à écouter et là la personne elle va vous donner toutes les clés euh, pour savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas, comment elle le veut, à quel prix elle le veut, etc. Après c'est après on peut ou pas euh, lui vendre euh, un service ou un produit, euh, mais sachant, plus... sachant et... que dans l'avance tout est dans l'écoute. Et, et, si, et Si, si es dans des questions fermées, ben ah tu, non, tu vrai, vas avoir des vrai, oui ou des non. Pas, et puis, exactement. Il a plus aussi. Finir, voilà. Exactement. Euh, et puis euh, le le euh, je, 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 à mon avis. Tout à l'heure, tu disais le cinquantenaire, il a pas bonne presse sur le, sur le commercial. Non, mais c'est un fait. Je, je pense il, que c'est pas bien. Il a pas bonne presse. Ouais. Il a pas bonne presse. Euh, si il donne l'image que c'est le hableur, que c'est le gars qui, qui, qui parle, papa papa pa, il parle, il parle, il parle. Parce que ça, c'est la catastrophe. En fait, ceux qui vendent le mieux parlent assez peu. Ils les écoutent beaucoup. Et rebondissent à des moments. Et c'est un peu, c'est une psychologie qui, qui peut presque euh, s'apparenter à un médecin qui vous écoute et qui est extrêmement concentré sur ce que vous dites. Mmh. Euh, et qui va rebondir sur un mot où il va sentir euh, un mot qui peut signifier qu'il y a des concurrents, que le marché va s'ouvrir à d'autres, etc. Euh, et donc, tac, vous allez arrêter vous vous dire Mais vous allez faire un appel, monsieur Il euh, euh, y, y a combien de personnes dans la. Bon, vous voyez, donc. Tout ça, ça n'est possible que si vous écoutez. J'avais pas fait le parler avec le médecin, mais en effet, un bon diagnostic, finalement, si tu si arrives et que tu dis, je pense qu'il a ça et ça, et puis que tu lui réponds par des oui ou par non, en fait, ça marche pas. Quoi. Voilà. Donc, c'est donc, pour ça qu'il te fait parler. Euh, pour le te... bon médecin devrait bon. être un bon vendeur. <laughs> voilà. voilà. Je <laughs> sais pas <laughs> le cas, généralement. Mais <laughs> euh, euh, OK. Euh, c'est hyper intéressant. Euh, et en effet, je pense qu'en France, c'est assez sous. Euh, valoriser, oui. évaluer, enfin alors, euh, notamment parce que parce que tu vois ce que tu as dit sur euh, le nombre de fois où j'ai entendu euh, euh, ah ouais on va on va recruter un stagiaire pour faire du sales et là tu dis mais en fait tu... Tu considères que juste vendre ton produit ou ton service, tu vas le filer à un stagiaire, mais tu crois ouais. vraiment que ça va marcher en fait. Mais et, et euh, c'est vrai que les, les Américains, plus que les Anglo-Saxons, ont une culture là-dessus qui, ah oui. qui est très très forte. Euh, très très Mais comme je te le disais, euh, alors euh, tu me parlais de Mercury de Crotamère. Euh, là, moi, c'était Booster Academy que je cherchais euh, euh, en parallèle. Mm -hmm. euh, ah oui, il y a ce... beaucoup. Alors non, alors ça, c'est souvent sont des trucs un so peu poussiéreux que t'as pas envie de faire. oui c'est un cher. peu des mammouths. Je suis d'accord D'accord, mais euh, globalement, ça dépend beaucoup de quel consultant tu as. Il euh, y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de start startups hein, qui, qui ont compris que les sales c'était absolument crucial. Euh, j'en connais une, euh, j'en connais, j'en connais une, mais le problème c'est que là, ils sont trop bouchés. Voilà, parce que il euh, y, a, y a différents types euh, de il y a différentes manières devant il y a des manières plus ou moins agressives. Euh, moi j'étais euh, chez vente privée pas du tout dans l'agressivité commerciale. Euh, par exemple euh, à l'époque il y avait bon y avait Xerox ou Michael Page euh, qui étaient des recruteurs une société de recrutement ils avaient des vendeurs qui étaient mais mais c'était des, 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 une armée de robots bon ça marchait hein mais ça c'est une question de mentalité c'est une question d'état d'esprit ça n'était pas le mien. Voilà, moi je voulais beaucoup plus euh, créer du lien et euh, et, et, et comme euh, les marques sont euh, sont là pour longtemps et donc euh, moi je voulais qu'il y une relation de qualité et dans la durée. Voilà, et ça c'est difficile de faire d'être très agressif commercialement et de garder ce lien. Oui. Et j'ai pas encore du coup euh, tu m'as expliqué un peu la formation mais il faut que tu, tu qu'on approfondisse encore parce que euh, comment tu fais fois 1000 en, en en 12 ans euh et tu vois, en fait, finalement, même les mots agressivité et garder le lien, ils sont, dans mon esprit, assez difficilement compatibles. Tu vois ce mm -hmm, que je veux dire? Et comment? Alors, déjà, pour comprendre, vendre chez vente privée, mm -hmm. c'est ce vendre que, le service euh, au, au, à la marque. marque. Oui, c'est ça. Hein. Voilà. Parce que à la fin, tu t'achetais plus, en fait. T'achetais plus les produits. Exactement. J'ai vendu... Euh, voilà, euh, Ralph Lauren. Une, une... Je dis enfin ouais, vas-y, ouais, moi le site ouais. par exemple. Euh, Ralph Lauren a 68 583 pièces. Euh, je vais à Genève négocier avec le directeur commercial ou le CEO Europe. Parce qu'il faut savoir que dans les années 70, c'était le gardien de l'entrepôt. Euh, le soldeur arrivait avec un, un 38 tonnes, il lui donnait une caisse de champagne et il repartait avec un 38 tonnes plein. Euh, et puis au fur et à mesure, après, ça a été... Là, tu faisais, coups, là. là tu faisais des bons coups. Ah, tu faisais des bons coups. Ah bah oui, là tu gagnais vraiment de l'argent. Euh, mais, mais tout ça a beaucoup bougé. Ensuite ça a été le cas. Un commercial qui était puni, c'était lui qui était chargé de vendre les stocks, et donc c'est lui qui recevait les soldes et puis après ça a été le directeur commercial, et puis après ça a été le directeur financier, et puis après ça a été le, le, le patron de la boîte. Parce que euh, les stocks... Euh, 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 sont devenus extrêmement stratégiques, que que ce soit euh, bah comme tu le dis, par rapport à, à une expérience de retrouver ses produits là où ils ne devraient, devraient pas euh, être, bah ça détruit la marque, ça détruit l'image de la marque et donc, hormis les aspects financiers, il y avait les aspects euh, d'image qui font que bah, c'était le patron qui qui gérait ça. C'était une décision du du, du, euh, du big boss. Voilà. Donc, euh, dans les euh, au fur et à mesure des années, euh, ce sujet est, est devenu très euh, stratégique. Voilà, oui. exactement. Euh, et euh, je sais plus ce que. Je... Moi, ma question était que, euh, euh, comment. Euh, euh, Qu'est-ce qui a fait la différence chez VIP et je te demandais de m'expliquer ce que tu voilà. t'achetais parce que du coup tu t'achètes plus tu vendais donc tu, euh, que ça ça. Euh, avant quand dans ton métier de soldeur tu allais acheter des stocks pour toi même mm -hmm. les revendre à pas mm -hmm. cher mm -hmm. chez VIP t'achetais plus les stocks c'est ça j'ai acheté plus ça, donc euh, je souhaitais euh, bah, je, je, je vendais ce service de découlement de stock de valorisation donc de au stock. CEO de, de, de Ralph Law, tu lui disais euh, Voilà, je... je lui disais voilà euh, vous avez euh, on va faire une opération. Vous allez valider, on va faire une bande-annonce parce qu'on avait une équipe de musiciens qui concevaient une musique qui était euh, 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 compatible et qui, au contraire, allait vers l'ADN de... On gardait l'écran dont on parlait voilà, tout à l'heure, voilà. cette expérience de Exactement. marque, Exactement. Voilà. Et ça, ça a été euh, un travail incroyable euh, que euh, les équipes de créatives euh, ont fait chez Bande Privée sous l'impulsion de Jacques-Antoine. Voilà. Ça, c'était vraiment l'énorme différence en fait que vous avez ouais. inventé dans ouais. le monde on peut le dire je pense ouais. euh, qui est de dire finalement euh, on passe du soldeur cheap euh, qui va vendre dans cette solderie euh, partout en France à finalement cette, cet endroit où je vais euh, garder les crains de la marque euh, ou une partie ouais. euh, et vendre ouais. une expérience qui est assez bonne ouais. Euh, ouais. différente etc tout en, en baissant le prix euh, c'est un peu, peu l'idée quoi Ouais, moi je me souviens avoir euh, reçu euh, François Henri Pinault et euh, avec Jacques et Julien et tout son comité exécutif et faire le tour de l'entreprise et leur euh, expliquer que euh, le il euh, y avait une équipe de six personnes des musiciens avec euh, les studios, il y avait trois studios de musique c'était des investissements, ouais, ouais, ouais. Ouais, investissements ouais. incroyables hein, euh, pour la bande son et donc on avait le un brief de l'équipe marketing de la marque et des, des différentes marques euh, donc de Ralph Lauren, par exemple, qui euh, est là, le CEO de Ralph Lauren Europe. Il se dit, bon, ok, c'est pas des soldats classiques. Mon équipe marketing est en train de les briefer sur la musique de la bande-annonce qui va annoncer notre vente. Et évidemment, les mannequins, les coiffeurs, les maquilleurs, les habilleurs, les studios photos, tout ça a été validé par la marque. Et donc, ça nous a euh, aidé à, à, à grandir. Sachant que vous, avez, vous aviez des mannequins en CDI, hein, je crois, à un moment, hein, en tout cas. On a eu quelques-uns. Oui, absolument. <laughs> euh, ben, on mais... était un consommateur. On avait 50 et quelques, 56 studios photos. Enfin, on était une une le usine. Le plus gros studio photo de France, je crois. Ah ouais, 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 ouais. C'était, on produisait 10, 15, 20 000 images par jour. Mais le CEO de Ralph Lauren là-dessus, il achetait quelque chose sur lequel il allait perdre de l'argent comme avant dans les dans les solderies ou Alors euh, euh, un peu. Là, il va perdre un peu. Mais si. Il s'énerve, il en met un peu dans ses magasins d'usine, il en repasse un peu à ses clients, etc. Il va pouvoir mieux valoriser, mais ça va lui nécessiter un effort, euh, un effort assez important. Voilà, là, il prend une solution de facilité, il va perdre un petit peu par rapport, euh, euh, ou alors il va beaucoup moins gagner que si lui-même faisait cet effort. Voilà. Et c'est pour ça qu'il nous avait choisi. Alors j'ai du coup plein de questions pour avoir été aussi de l'autre côté de la barrière. Alors j'avais eu des échanges avec des personnes. À un moment, vous avez eu Groupon qui est venu quand même en face euh, oui, de, bien assez sûr. clairement, et euh, des personnes chez Groupon et chez VP. À un moment, le discours pour les plus petits était de dire Regarde, tu vas perdre un peu d'argent euh, quand tu lances une marque ou quelque chose comme ça, mais tu vas gagner en marketing et en notoriété donc en fait souvent on te disait Vends chez nous ça va être un bel écrin euh, etc puis tout le monde va découvrir ton produit et, et voilà et j'ai toujours été très sceptique sur cette approche je sais pas si euh... alors au départ les marques étaient sceptiques et on leur disait ah oui mais finalement vous savez on a deux millions de membres et puis quatre euh, et puis six et puis dix et puis quinze millions euh, je parle de la France par exemple euh, bah forcément, quand vous avez 15 millions de personnes qui euh, ont un message de vente privée qui était une Love Mark, parce que le travail qui avait été fait ah, sur, euh, sur la com de vente privée était euh, excellent, euh, et donc c'était une Love Mark, et donc on vendait cet amour, euh, cette Love Mark à nos marques. Euh, et il et, et y a beaucoup de marques qui, quand bien même, refusaient d'aller chez Vente Privée et refuser complètement euh, d'être dans ce qu'on appelle euh, les flash sales. Et euh, on est d'accord qu'il y a des marques quand même qui, euh, qui vendaient des produits créés spécifiquement pour les soldeurs. Alors, euh, euh, c'est arrivé c'est arrivé mais euh, pour nous on, on pouvait ex exceptionnellement euh, le faire mais avec un cahier des charges qui était très précis mmh. qui était de reprendre finalement de reproduire le même produit exactement le même produit dans la même coupe dans la, les mêmes tissus et finalement euh, euh, au lieu que ce soit euh, une fin de série euh, au lieu que ce soit des fins de série de produits bah, c'était des fins de série de tissus et donc dans des creux euh, de leurs fournisseurs etc ils envoyaient ces tissus ils les faisaient et, et donc on on, on on peut pas dire euh, à un consommateur ah bah tiens je te montre ce produit il va aller sans... Euh, on va te le vendre 40 et, 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 et lui dire je te montre un, un, un autre produit c'est pas le même il vaut 100 alors que c'est pas le même mmh. donc ça c'est malhonnête euh, et d'ailleurs euh, la DGCCRF euh, qui est donc la direction euh, euh, de la répression bon, je, des fraudes ouais, voilà ouais. des fraudes et, et, et contrefaçons euh, bah, fait très bien son travail. Et donc, elle contrôle dès qu'elle elle a des plaintes, une, des soupçons ou quoi, elle vient et elle contrôle. Hmm. Euh, y a... Parce que, oui, en effet, j'ai l'impression qu'il y a quand même des grands habitués ou dans le monde entier, dans toutes les solderies, tu as toujours plein de stocks de euh, Calvin Klein, de, ah, de, de Ram Lauren etc. Voilà. Tu te dis, bon, ils il doivent avoir un business, ou alors ils gèrent très, 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 très mal leur stock, ou alors. Non, il... non, non, non. non. Le, le, le... Alors, c'est vrai, euh, là, Mathieu, ce que tu dis est extrêmement vrai. Aux US, c'est un autre paradigme. C'est très différent. Tu peux avoir le magasin Ralph Lauren sur Madison ou sur la 5 avenue, qui est magnifique, le truc qui paye 30 millions de dollars de loyer par an. Mmh. Et puis... À trois rues à côté, tu vas avoir un outlet Ralph Lorraine qui va vendre peut-être 20 ou 30% du même mix produit. Mmh. C'est-à-dire que bon, bah, le polo, euh, euh, voilà, qu'il soit blanc, noir, machin, euh, c'est pas daté. Euh, évidemment qu'il y en a toutes les. Et il va vendre ce produit à, à moins 50, alors qu'il est à 300 mètres. Euh, mmh. Mais il touche pas le même consommateur ils ne touchent pas le même consommateur parce que si toi euh, Mathieu euh, t'es un euh, bah tu, 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 euh, en fait les anglo-saxons ils sont un peu plus snob que nous statutaires, oui, ouais, ils sont statutaires ça veut dire que si, et l'Angleterre c'est incroyable euh, en Angleterre on avait en Espagne et en Italie en France on avait 10 000 nouveaux membres par jour sans rien faire sans, sans faire aucune pub de rien en Espagne et en Italie on en avait 3-4 000 par jour des nouveaux membres tous les jours qui s'inscrivaient sur Vente privée, et alors qu'on avait, euh... et en Angleterre, on en avait 40. Ou 30. Et là, on se disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Euh... bah, les Anglais, ils sont beaucoup plus snob que nous, parce que si, il <laughs> m'excusons pour cette attaque, euh. Ils parlent pas français, de toute façon. -là. Oui, oui, il parle... oui. Et ben, bah, pourquoi? Parce que si, imaginons que moi, je suis euh, anglais à Londres, euh, tu me dis oh la vache, mais tes chaussures elles sont superbes euh, elles sont canons et moi je sais que euh, je les ai achetées sur vente privée UK et je vais dire ah ouais ouais, ah bah, euh, tu vas me dire mais combien tu les as payées oh, bah, je les ai payées 500 pounds chez mm. et en réalité tu les as payées 100 pounds sur vente privée mais si tu réponds bah je les ai achetées, oh j'avais une super affaire j'ai acheté, j'ai payé 100 pounds sur vente privée, le gars il va te dire ah ouais ah merde, ah, t'as des problèmes d'argent en ce moment Parce que, autant, plus tu vas vers le sud de l'Europe, et plus l'achat malin est le, le, le reflet mmh. de ta smartitude, etc. Et, et plus tu montes vers les pays nordiques, et euh, donc l'Angleterre, euh, 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 l'Allemagne, et ensuite euh, les pays nordiques, et plus bah, tu es statutaire. Si t'as pas d'argent, bah, alors là, tu es obligé ouais, d'aller dans un Tu dois acheter ta, pas pas ta voiture neuve, quoi. Voilà. Ça, et si ouais, as ouais, as tu as une bonne famille. Bah, tu, voilà, exactement. Tu vas chez le concessionnaire et tu cherches pas à la payer moins cher. Mm -hmm. voilà. euh... Il y a un paradigme qui est en train de changer, je pense, en plus, en France, qui est intéressant, euh, avec euh, des, 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 alors, je sais pas, ce sont pas des marchands, ce sont des plateformes en ligne comme, euh, euh, je n'arrive pas à trouver le nom qui vient d'Estonie, de Lettonie. Mm -hmm. qui fait que euh, j'ai l'impression euh, euh, que ben, sur cette, de plus en plus euh, dire je l'ai acheté sur le Vinted il euh, y a un côté un peu finalement une gratification à être euh, une forme d'une forme de d'upcycling, de recyclage de euh, oui mais ça c'est ça c'est récent Mm. Ça, c'est récent, ça a moins de dix ans. Euh, moi, je... Mais c'est me... un mouvement intéressant, je pense. Euh, ah, c'est un mouvement qui, qui ne s'arrêtera plus jamais. Mm. Et, et c'est très bien. Et évidemment que, bah, prendre conscience euh, de l'empreinte et de notre, euh, l'empreinte de notre activité sur la planète et qu'on va laisser à nos enfants, ah bah, enfin, euh, mm. c déjà, je pense que c'est très tard, hein, non? <laughs> je, je, je pensais j'ai retrouvé moi je pensais un, un, un outlet alors tu connais peut-être pas les Century 21 ça te parle oui, pas oui, à, à Manhattan c'est ouais, ouais, très bien. moi j'ai acheté mais, mais, mais justement mais quels sont c'est euh, voilà. les Guindy c'est les Guindy Brothers quel endroit on les, on en les... plein dans, 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 vraiment dans le Financial District alors je sais pas s'ils en avaient partout d'ailleurs mais ils en avaient plusieurs oui oui bien sûr ils en avaient oh, ben, attends, je sais pas quoi ils en ont mais ils en avaient à l'époque euh, il y a 10 ans ils en avaient euh, déjà 10 tu, connais tous les, tu connaissais tous les soldats du monde En fait, il bah, y avait des conventions des soldats ou pas ou des... Non, 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 les gros, non Vegas Non, mais moi j'ai été euh, impliqué euh, de près euh, dans toute l'aventure américaine mm. et dans mon aventure américaine donc où on était associé avec American Express euh, qui avait 50% qui enfin, ouais, le lancement de, de VIP hein, en ouais. aux US, bah euh, euh, Century 21 était potentiellement euh, un partenaire pour nous euh, dans la mesure où lui il avait toutes les marques euh, et donc euh, de lui dire bah, viens on fait un deal tu me donnes quelques très beaux stocks euh, dont j'ai besoin euh, pour mon image etc parce que quand on se lance dans un pays comme les US bah, on, on a démarré de zéro euh, C'est toi qui l'as fait ça enfin, non, euh, commercialement, moi non, alors commercialement non je n'ai pas fait la première année voilà, la première année, c'est euh, un garçon. C'était notre directeur général de l'époque, qui s'appelle Hervé Parisot, euh, qui euh, euh, qui euh, était à l'origine du, du, de l'idée avec American Express, parce que dans une précédente euh, euh, Vie, il avait été enfin euh, il avait bossé dix ans chez eux euh, donc on a fait ce on a construit ce deal et puis à un moment euh, bah moi je naturellement j'allais prendre le lead sur tout ce qui est business et Jean-Claude m'a dit oh là là non non viens laisse-le euh, euh, ça crée plus de valeur quand c'est les managers qui qui sont euh, aux manettes plutôt que quand c'est les euh, cofondateurs ou, ou les, fonds, les entrepreneurs j'ai dit écoute j'ai beaucoup de travail sur euh, l'Europe il n'y a pas de souci je vais le laisser euh, et malheureusement il avait euh, euh, il, il s'était un peu emballé le garçon, euh, et ça, euh, bah, il s'était mis d'accord la première année avec Amex euh, pour faire 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mmh. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai allé voir, j'ai dit Mais dis-moi, je sais pas ce que tu veux, mais c'est vraiment stupéfiant. Euh, non, non, tu vas jamais, jamais faire 100 millions. Je pense pas que tu feras la moitié, je pense que tu feras le, quart, euh, le, le tiers. Euh, mais en revanche, ce dont je suis sûr, c'est que tu vas dépenser pour faire 100 millions. Mais mmh. tu vas faire 30 millions. Mais non, mais sois un petit peu euh, ambitieux, Michael. Enfin, euh... t'as pas l'air ambitieux toi <laughs> Et le gars, il a fait 22 millions, il a perdu 23 millions de dollars. Mmh. Voilà. Et à ce moment-là, euh, Jacques Antoine me dit euh, "Écoute, euh, si tu vas pas t'installer aux États-Unis, euh, euh, on arrête les US." Euh, je lui dis "Bah, on va arrêter les US parce que moi, j'avais euh, à l'époque, quand j'avais quatre enfants, euh, je vais pas partir." Avec mes quatre enfants à New York. Pour, euh, donc, euh, euh, on arrête les. Et puis, euh, finalement, on a, on a négocié le fait que je passe 15 jours par mois. Euh, et donc, pendant 3 ans, j'ai passé 15 jours par mois euh, euh, à New York. Euh, ah, il avait ce C'était gars... compliqué quand même. Hein ouais. Ah, ouais, ouais, euh, ah, sympa, ouais. mais compliqué, je pense. Mais, euh, ouais. Ah, c'était très intense. Ouais. Mais j'ai adoré. Moi, j'aime bien finalement euh, me, me lancer des challenges. Mais surtout quand tu passes 15 jours par mois à New York, en fait, tu passes 15 jours par mois à New York, mais de New York, tu vas partout dans les US, non enfin, Oui. Tu restes euh, pas à New York, si euh, Alors, euh, ça dépendait des, mmh. des dates, plus qu'il y avait des salons, des conventions, etc. Et donc, euh, bah, s'il y avait des salons à Vegas, euh, bah, on en profitait pour faire le salon de Vegas. Il y avait des salons à Chicago, à, euh, à Atlanta. Euh, donc, on tournait, effectivement. Mmh. On allait voir beaucoup de marques. Mais à New York, on arrive à voir quand même quasiment l'intégralité de tous les CEO euh, des grandes mmh. marques à un moment ils sont à New York quoi. Ouais, sur ce type de business ça reste euh, centralisé à New York euh, ouais. contrairement à d'autres qui sont à Chicago, à Los Angeles ou à San Francisco euh, alors on point. allait pas mal à LA aussi euh, pour, pour parce qu'il y a vraiment côté Est, tout Ouest euh, et donc on a repris t'as pas emmené euh, ta, ta femme et tes enfants c'est vache, dommage, ils ont pas eu la belle <laughs> bah, expérience bah, américaine. Euh, ouais, après ma femme m'a dit mais, mais pourquoi on est tous partis <laughs> j'ai dit avant et c'est et ça a marché, donc, finalement Et, et finalement, euh, donc, avec Julien, on, a, on faisait euh, Julien. 12... Julien Sorbat, ouais. euh, qui était... Euh, voilà, exactement. Euh, bah, J'allais 12 fois par an à New York. Je restais en moyenne 13 jours euh, par voyage. Euh, et euh, l'année d'après et la suivante, euh, moi, j'ai laissé... Euh, donc, ça, c'était en 2011. J'ai quitté en 2013. Et euh, la boîte faisait euh, un peu moins de 65 millions de dollars de chiffre d'affaires et perdait plus que trois et demi ou quatre voilà euh, j ai, j ai, donc c'est au moment où j'ai quitté l'entreprise euh, et puis euh, donc j'ai quitté l'aventure américaine également et Jacques-Antoine a pris la décision de fermer 6 euh, ou 7 mois après euh, Vente Privée parce que je crois que du côté Amex notre euh, euh, ah non c'était très sérieux, on avait des bornes, il y avait euh, Ken Chenot euh, qui venait de temps en temps qui était le, le CEO d'Amex c'était mais Dieu attention il va arriver à 15 15h06 et il partira à 15h17. Euh, alors là, tout le monde arrive à voir. <laughs> <C 'était... rire> C'était tout un cérémonial, c'est très amusant. Et le, le gars qui nous suivait chez euh, un, un mec, c'était le numéro 3 du groupe, euh, et il est parti pour aller diriger PayPal. Et c'est encore Dan Schulman et encore le, le CEO de PayPal, euh, après toutes ces années. Et c'est là où je pense qu'ils ont décidé, Jacques, Julien et enfin le management de vente privée, euh, de quitter les US et d'arrêter. Euh, si je fais un rollback, puis tu m'expliqueras. Euh, mais euh, si je reviens au début de VIP, t'avais combien de VIP Vous, vous, vous partagez ça de, de participation Vous c'est oui, public Oui. oui. Ouais. Oh bah, c'est public. Moi, moi j'avais euh, 25 de vente privée. Jacques Antoine 25, Julien 25, et puis ensuite le reste était euh, euh, était. Euh, alors Parce que vous vous étiez les trois euh, soldeurs d'avant, on va dire des années ça. 90 Donc Exactement. tous les trois et puis les, les, les quatre autres sont à, sont arrivés sur le. Euh, alors ils étaient avec nous, non Ils ouais. étaient déjà avec nous. Hein, dans mmh. les années 90. Et ensuite, il bah, y a eu Dominique Romano qui, qui a eu 10%. Et puis ensuite, il y a un fonds euh, d'investissement qui a pris 20%, qui s'appelle Summit Partners, qui est un fonds de Boston. Et finalement. Un fonds très heureux, j'imagine. Oui. Euh, <laughs> alors, très heureux. Non. Oui. Euh, <laughs> je ne sais pas si c'est très heureux, mais il est, euh, en tout cas, il, 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 ils, ont, ils gardent la participation. Là, c'était en 2007. Là, ils vont fêter leur 15e année, quand même. Ils ne pas euh... être malheureux. Enfin, là, non, non heureux, ils ne sont pas du vrai. tout malheureux. Ils se sont euh, des risqué, etc. Mais euh, euh, là, peut-être que je ne suis pas à leur place, mais peut-être qu'ils se disent qu'au bout de 15 ans, il faut peut-être sortir maintenant. <laughs> euh, ok, donc euh, vous aviez euh, euh, des parts égales avec Julien euh, donc euh, et Jacques-Antoine. Mmh. Euh, Jacques-Antoine était le boss Alors, c'était le boss de tout, sauf du business. D'accord. Voilà. Euh, maintenant, euh, il avait une voix euh, prépondérante. Ouais. C'est indubitable. Et Julien Julien, euh, non. Mon, euh, il était. Il, il était sur quoi C'était quoi son rôle, son périmètre Son rôle. Alors Julien, c'est un garçon euh, d'abord que, que, que j'aime énormément, euh, et c'est euh, pour moi une, une caricature. Enfin, c'est pas une caricature, parce que ce serait pas. Euh, c'est un exemple incroyable d'intelligence émotionnelle voilà c'est un garçon euh, qui a une capacité euh, inouïe à en 15 secondes créer un lien émotionnel avec avec un autre avec une autre être être humain euh, et, et tout ça dans un éclat de rire et une chaleur incroyable Mais t'as pas l'air mauvais là dedans quand même toi Enfin, je veux dire quand ah je t'ai croisé tout à l'heure dans les dans les bureaux, tu vois tout de suite j'étais à l'aise. Enfin, je suis pas du genre à être mal à l'aise avec les gens, non. mais 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 pas, pas mais, mais mais euh, t'as pas l'air mauvais quand même là-dedans. C'est lui qui t'a appris ça. Je ouais. pense que c'est moi j'ai une intelligence beaucoup plus rationnelle. Ouais. Lui, Julien, il a démarré euh, avec une intelligence rationnelle. Euh, on va dire médiocre dans, dans, dans la mesure où, dans la même phrase il pouvait te dire euh, tout son contraire et tout et donc il disait est une grattée j'ai pas compris ce que tu voulais dire euh, puisque tu m'as dit ça puis après tu m'as dit le contraire voilà bon il a beaucoup travaillé ça aujourd'hui il, bon, il est intelligent et il s'est beaucoup renforcé sur ce côté sur, sur l'intelligence rationnelle mais Aujourd'hui, depuis 10-20 ans, on voit une, une vraie transformation de la société et on voit que l'intelligence émotionnelle, euh, elle est beaucoup mieux valorisée oui. aujourd'hui. Ben, euh... et, et donc, son rôle dans vente dans vip ou vente privée était alors c'était de, de 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 gérer la relation avec euh, les très gros patrons euh, espagnols, italiens. Bon, il parle espagnol, italien. Il, mmh. il est d'origine argentine. Les filiales, du coup, plutôt. Oui. Ouais. Euh, non, mais, mais mais les filiales, non. Ah, mais c'est pas filiale. Enfin, oui. Euh, c'était nos filiales. Ouais. Mais quand tu travailles avec, euh, je dis n'importe quoi, avec Canali en Italie ou euh, qui est une marque de costumes très très mmh. belle ou euh, le groupe Max Marin, tu bah, le vends dans tout le. Europe, donc ce contact-là, c'est euh, peut faire en France, va faire beaucoup plus de chiffre d'affaires en France. Cette marque-là va faire plus de chiffre d'affaires en France qu'en Italie. Mais euh, et donc euh, on a besoin d'avoir des relations très euh, très liées avec euh, tous les grands groupes et toutes les meilleures marques. Et pour ça, il est très très fort. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence Pourquoi vip a mieux marché que que les autres, que showroom euh, privé, que, ou... que, que tous les autres, que finalement même tous les autres au niveau, enfin, moi j'ai j'ai, il y a des Suisses que j'avais croisés au moment où ils montaient ça. Ibooti. Non Coca non, ça existe QOQA, non, c'est pas le même univers peut-être, je sais pas. J'avais, j'ai des, non. sinon j'ai des copains qui avaient monté aux US. Euh, un, un, C'était clairement le VIP pour les mamans et, et ah, l'enfance. Totsi oui. Oui. J'ai reçu Christophe Garnier dans cet épisode, un carnage tout de suite, un carnage d'entrepreneurs. Il est très bon cet épisode, un ancien que j'avais ah, enregistré oui. à New York 2018, je dirais. Mmh. Je recommande. Mais, mais ils ont pris des claques phénoménales. Ouais, ils ont pris des claques, et euh, c est, c est Mais je veux dire, c'était, enfin, ça paraît simple et, pas, et tout ce que tu dis. Mais qu'est-ce qu'a fait la DIF chez vous Pourquoi vous êtes allé Pourquoi vous êtes allé à 2 milliards Pourquoi cette boîte vaut si cher Pourquoi vous avez je dirais que, euh, bah, comme tu l'as dit, finalement, la confiance euh, avec tes fournisseurs et donc avec les marques. Puisque toute la création de valeur, si demain, j'ai n'importe quoi pour que nos, nos, nos auditeurs comprennent, euh, si demain on fait un deal avec Rolex euh, à moins 60. Bon, Aujourd'hui, pour acheter une Rolex, vous, tu, tu vas, la... Ah bon, ouais. si tu vas tu la payer le double, parce que ou sinon il faut attendre trois ans, etc. Donc si, euh, évidemment, tu, fais un, tu arrives à négocier avec Rolex, moins 50, euh, etc., bon, bah, le monde entier va nous acheter. Donc on voit bien que la création de valeur, elle est sur, est-ce que tu arrives à négocier Qu'est-ce que tu arrives à négocier quel discount, quelle quantité, quels assortiments. Euh, donc là, on a été, euh, on a été performant euh, et on a été, comme tu l'as décrit, extrêmement performant pour justement euh, donner cette confiance, la pérenniser avec la qualité et l'investissement en qualité euh, qui était euh, dispensé chez vente privée. Et c'est vrai que c'est plus compliqué, c'est plus coûteux, c'est plus de travail euh, de, de faire des bande de, de faire des choses qui sont très léchées, avec euh, euh, des maquilleurs, des coiffeurs, des habilleurs. Euh, C'est vraiment compliqué. Euh, surtout quand on le fait industriellement. Euh, et ça, ça, je pense que ça a beaucoup aidé à, à, à faire une différence. Et puis... Euh, 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 les, no, nos consommateurs euh, et nos clients euh, ont aimé euh, être surpris. Ont aimé être surpris par des ventes euh, euh, qui. Euh, moi, je me souviens, euh, on a vendu des appartements Kaufmann Brode. Ouais, je souviens. <laughs> Des BMW aussi, j'ai Voilà, on a vendu. payé BMW... acheter des BMW à prix euh, exactement. À Z4, euh... Euh, 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 on a vendu des 1007 Peugeot. Euh, 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 on en avait 106. On les a vendus en 1 minute 20 euh, à 7h du matin et on était à moins -27 du du retail en sachant que les concessionnaires Peugeot euh, les achetaient à -22 et donc ils appelaient Peugeot alors qu'on avait prévenu Peugeot on leur avait dit il vaut mieux peut-être euh, qu'on soit euh, euh, en parler avec vos, vos vos concessionnaires parce que ça va les perturber mais non mais non non, non mais je vous assure mais non mais non bon et ben le, le résultat c'est que ça a été une bronca les, les concessionnaires ont attaqué Peugeot et euh, ils sont venus vers Soudain. nous j'ai mais je crois que je vous l'avais un petit peu dit. Euh... <laughs> et me... euh, bon, ils ont arrêté. Ils ont arrêté Il pendant 5 ans ou 7 ans. Ils ont dit, oh là là, c'était. Donc, on a vendu beaucoup de choses. Et tout ça, tout ce mix, était euh, finalement, était assez sexy pour, euh, pour, euh, pour nos clients. Euh... Je me souviens d'une vente. Et, et, et pour nos marques, euh, je me souviens d'une vente euh, Pommery, qui est une marque de, de champagne. Ouais. Euh, et on avait, euh, on avait présenté des pops. Alors pop c'était quoi C'était une petite bouteille oui, je de me champagne très bien. Voilà, ouais, ouais. Euh, qui était un peu, euh, euh, qui était très flashy. Il y avait des bleus, des roses, des euh, un peu. Euh, et et c'était un produit qui avait été euh, fabriqué, enfin qui avait été conçu pour les jeunes en boîte qui n'ont pas les moyens d'acheter une bouteille et donc ils pouvaient acheter un pop et donc boire un verre écart, et euh, etc. On fait la vente et puis après chaque vente, on avait 17 ou 19 personnes dans notre service marketing qui produisaient un, un, un rapport pour la marque et pour le département marketing de la marque euh, pour analyser tout ce qui se passe. Euh, qui est venu, quelle région, quel CSP, des femmes, des hommes, quel âge, etc. Comment Comment ils ont navigué sur le ZIP data, etc. Une de data. Ah, Mais donc, ouais. ça, ça doit être des secrets aussi bien gardés. Euh, bien parce sûr. Que vous saviez tout, tout le temps, depuis le début. Oui. Saviez, ah. Et à l'époque, c'était très innovant. Il mmh. y a personne qui pouvait donner. Euh, une nous, en été, c'était concret, mmh. euh, les gens. Et puis. A... T'avais l'âge de tes consommateurs, euh, âge, sexe, ville, tout ça T'avais tout Oui. On avait tout. Bah, ce sont nos membres, nos conservateurs, et en plus on avait la chance. Si toi demain tu rentres, euh, je dis n'importe quoi sur euh, Cdiscount, bah il sait, pas qui tu es. Euh, il sait pas qui tu es. Il voit une adresse euh, IP, euh, etc. Nous, il devait s'inscrire, donc on sait qui il est. Il doit se loguer euh, quand il rentre dans vente privée, et donc on peut le, on peut le, le, euh, le euh, on peut le, le, le suivre. pardon je pas les Et donc euh, on fait la vente, on vend tous les pommes, c'est un carton incroyable, et 15 jours après, euh, on va présenter euh, aux équipes euh, de Pomeray euh, le résultat. Et là, stupeur On se rend compte que tout 95% des bouteilles ont été vendues à des ménagères en province de plus de 35 ans. Et là, euh, Pomeray dit bah, « là, je comprends pas... » et, et là, on leur dit « bah Vous savez quoi euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, ces membres de vente privée-là, qui sont pour, euh, à plus de 70% célibataires, en fait c'est la femme célibataire qui a deux enfants, qui rentre du boulot, qui veut faire un petit apéro qui vers 19h, 20h veut se faire un petit apéro qui n'a pas les moyens ou pas en tout cas l'envie d'ouvrir une, une bouteille, bouteille de, de champagne hein. etc. Et donc c'était parfait un petit verre, un quart et donc ils se sont gavés de, <laughs> de vin et là euh, pas mal, il nous a dit ah ben bah, merci merci parce que ça on l'avait pas vu mmh. et donc après je sais pas comment, en tout cas ils étaient euh, en feu pour prévoir de... pour concevoir d'autres produits qui... donc vente privée ça pouvait servir aussi à ça à remonter de la donnée, sachant qu'en effet vous avez changé les usages. Ça, j'en parlais avec Jacques-Antoine, mais je pense que est le premier site sur lequel ma mère a mis sa carte bleue, et ça, je pense que ma mère n'est pas un cas isolé, quoi. Donc ouais, 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 ouais. Euh, c'est vrai que euh, bah, les réseaux, la vitesse, la, la, la vie. Il euh, y avait. Euh, moi, je me souviens, j'avais un modem en, en, euh, <laughs> en 256 k. Voilà, 250 k. Euh, donc, bien sûr que le, le haut débit, euh, la DSL a transformé euh, le, le commerce en ligne euh, et la carte bleue aussi. Et alors, si je reviens, tu m'as cité showroom privé, par exemple. Mm -hmm. euh, pourquoi ils n'ont pas aussi bien marché que vous Ils ne faisaient pas tout ça ils étaient moins bons sales, ils étaient moins bons, ils avaient pas de data, ils avaient pas euh... bah, ils ont euh, ils, ils ont beaucoup 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 moins investi en formation que nous et donc ils n'avaient pas les mêmes équipes commerciales qui étaient euh, qui étaient bien. Mais c'est pas le euh, c'est pas pareil. Et là tu parles de la formation commerciale parce que c'était plus dans ton prisme, euh, oui. c'était pareil dans toute la boîte ailleurs ou c'était vraiment très dédié aux sales euh, aux commerciaux à la formation. Non, c'était euh, très dédié aux sales la formation après euh, après on, on a formé euh, la boîte sur euh, d'autres concepts qui euh, 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 sur processcom processcom c'est euh, euh, c'est génial c'est un gars euh, je vais prendre 30 secondes pour euh, processcom c'est un gars qui s'appelle euh, taibi caller euh, la NASA lui a demandé euh, de concevoir une méthode parce qu'ils allaient envoyer des astronautes euh, dans des dans des dans des engins qui faisaient trois mètres cubes et donc ils allait passer euh, 15 jours dans 3 mètres cubes et donc pour qu'ils communiquent sans se frapper sur la figure, euh, bah, y avait, euh, la NASA a demandé à ce garçon d'étudier une méthode. Et donc ce garçon il a théorisé euh, que chaque être humain euh, avait... Il euh, euh, y a six types de personnalités et en fait il euh, y a une base une personnalité en base, donc on acquiert entre 0 et 7 ans. Mmh. Et ensuite, on va vivre des phases. Et, et, et en fonction de la base et de la phase, eh euh, ben la communication avec ces gens-là est très différente. Oui, j'ai fait des, en effet, des tests là-dessus. Travaillomane, promoteur, nouvelle, voilà. empathique, persévérant Exactement. et rêveur. Okay. Ouais. Et, 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 moi, ça m'a permis de comprendre pourquoi, par exemple, Julien, tous les matins vers 8h30, 9h moins le quart à la machine à, la, à café, euh, euh, il, il me mettait en stress grave vraiment il venait me parler à 5 centimètres il me racontait des choses euh, assez crues euh, et, et 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 ça me mettait sous stress important et ensuite j'ai vu alors Julien c'est l'archétype euh, du rebelle et que le rebelle il tire son énergie de de, de mettre les autres en stress mmh. <laughs> et que lui ça le fait marrer etc donc ça m'a ça m'a permis de, de de comprendre bon là c'est vraiment une petite anecdote mais c'est beaucoup plus puissant que ça et on arrive et, et c'est vrai ça marche on arrive à comprendre euh, se mettre sur le même canal de communication si toi bah, toi euh, qui est beaucoup plus créatif euh, bah c'était pas le même euh, canal de communication qu'un travailleur humain ou lui quand il te pose une question il attend oui ou non et si mmh. tu commences à développer tu vas le mettre sous stress le gars parce que tu fais perdre son temps parce que si donc chacun est différent et, et mais chacun n'est pas si différent en mmh. fonction de de, de, de de ça. Donc on a on a on les a tous formés là-dessus parce que évidemment que quand euh, d'analyser qui on a en face et se mettre sur son canal de communication etc. Bah, c'est beaucoup mieux que euh, c'est beaucoup plus euh, euh, bah ça crée euh, plus de, ça pérennise beaucoup plus la relation que de venir euh, le percuter euh, parce qu'on n'a pas compris qui on avait en face de nous. Et si je lis entre les lignes en fait euh je pense qu'une des choses qui a beaucoup participé au succès de VP, c'est votre quand même complémentarité, communication. Euh entre-associés. Ce que je veux dire, c'est que là, j'entends un prisme business, tu rendais hommage tout à l'heure à la créativité de Jacques-Antoine sur, peut-être, les photos, la musique... Non, non, la qualité, c'est pas que la créativité, parce que être créatif, c'est bien, produire 25 000 ou 20 000 images par jour, dans une qualité incroyable, avec 107 retoucheurs, et les process, les Investissement. Euh, hein. Tout ça, pareil, vous l'avez inventé, quoi. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. voilà, Et ça, c'est pas moi. Hmm. Euh, Donc, euh, tu avais un support, je vais dire, oui, pour oui, les, pour oui, les oui, choses oui. que tu vendais qui faisait qu'en fait, euh, tu avais une, un délivré qui était extraordinaire. Exactement. Euh, ok. Et, 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 et cette, cette aventure, est-ce est, est que tu peux me faire en, en quelques mots la. Euh, peut-être la naissance, le jour 1 de que tel que tu l'as vécu, je l'ai eu par Jacques-Antoine. Et, et peut-être toi, le, la fin aussi, euh, comment ça mm -hmm, s'est terminé? Mm -hmm. Il y a eu une vente. Euh... bah, au départ, au départ, on avait créé vente privée, euh, il, faut, il faut, faut se remettre en, en 2001. Euh, en 2001, on vendait pas de textiles sur, euh, sur Internet. Sur Internet. Bouh com avait explosé en mille morceaux. Bernard Arnault avait investi, je sais pas combien de centaines de millions de francs à l'époque, et euh, c'était. On euh... est bien remis. s'en <laughs> ah, est remis. <laughs> euh... Absolument, mais il a toujours investi. Non, mais ça veut dire quoi quand je dis ça Ça veut dire qu'il a investi dans la tech très très tôt. at ouais, ouais, ouais. euh, web. Et... Ah oui. Ouais. Ouais, ouais, il, si il a pris des gamelles, mais il a continué. Et mais dans la tech, on prend des gamelles. Il hein. n'y ouais. euh, a pas de dans l'innovation. Euh, et donc, euh, on pensait ne vendre que des choses qui étaient packagées dans des euh, dans des euh, dans des packagings donc ça veut dire bah, des montres des jouets des cosmétiques à la limite des chaussettes parce que voilà de, ouais, problèmes ouais, ouais. de taille etc et, 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 et et donc on a tout euh, On s'est dit bah, c'est dommage parce que nous c'est tout notre réseau. Il est dans le, dans la mode, il est dans les marques etc. Et puis on a fait une première vente de maillots de bain Bilabong. Euh, on avait acheté dans, nos, dans des stockages euh, 10 000 maillots de bain Billabong à l'époque à, à euh, 10 francs. Où, euh, et on en vend 8 000. sur euh, sur vente privée. Euh, bon on les vendre. Euh, je sais pas, 19, 19 francs ou 29 francs, euh, c'était en bien Non, on était déjà en euros. On était déjà en euros, on devait les vendre, je sais pas, 10 euros euh, au lieu de 100 euros. On en vend 8000 sur 10 000. Là, on se gratte la tête tous et on dit waouh. Donc c'était un test, en fait ouais, un test c'était un test. Et on s'est dit, mais. Une landing page, mais... des emails, je sais mais pas. Mais quoi, alors, je... on peut vendre du textile, on peut vendre de la mode, on mmh. dit waouh, waouh, waouh. On a, on, a, on, a, on a, continué et la vente qui nous a vraiment, où euh, on a compris que que, 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 on tenait quelque chose de, de big, euh, c'est la vente Licharmel. Voilà, Licharmel, Licharmel, une ouais. marge marche de lingerie. On avait négocié avec eux des décotes assez importantes et là, on, on je me souviens, on fait en 48 heures 165 000 euros en deux jours sur Internet le e-commerce était naissant. Et là, on se dit, on est arrivé à faire plus d'un million de francs. Il y a, on n'a pas de parking, on n'a pas de caissière, on n'a pas d'achat. On travaille... Waouh C'est incroyable. Mais comment tu passes de... Enfin... Euh, euh, des stalkers, j'exagère mais en quelques années c'est presque un métier de rue tu vois c'est oui, ah, bah, dire que, complètement euh, on faisait les euh, oui. ça nous est arrivé rue pierre chausson de faire les, les colis dans la rue oui euh, je avec nos, et nos et souvent enfin tu parlais un peu de, de border sentier etc mais tu quand même dans un truc où euh, tu euh, tu le vois encore ceux qui connaissent pas le sentier ça a encore pas mal changé mais euh, moi je l'ai vu il y, a, il y a 10 15 ans enfin ça, ça négocie dans la rue ça se tape la main ça machin etc à, comment vous êtes passé au digital en fait Comment vous vous êtes passé à un site internet Qui qui c'est Enfin tu vois parce eh ben, que c'est ni Jacques Antoine ni toi ni non, machin. Ah un, non c'était pas Jacques vous Antoine. Étiez, vous étiez ni des... moi ni Julien ni aucun de nos associés. Et là on est bah, je, 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 euh, on est allé voir un garçon qui s'appelle Ilan Bennaïm qui est ton euh, cousin je crois là exactement. C'est mon cousin. Euh, il était à l'ESC Rouen. Okay. Euh, et lui, c'était vraiment l'archétype du geek depuis qu'il a 9 ans. Euh, il monte, il démonte des ordinateurs. Et on lui a dit, écoute, voilà, nous on veut faire un truc, ça fait chic-chac-conac. Euh, Est-ce que tu peux nous aider Il a pris son prof euh, d'informatique, et, euh, et c'est eux qui ont écrit la première version du site de vente privée. Euh, je me souviens, il s'appelait Bertrand Jackson, euh, le prof d'informatique, qui ensuite a démissionné de Le l'ECRON pour nous rejoindre et qui est devenu notre directeur des systèmes de notre DSI. Qui a pris un petit pourcent au passage ou euh, pas? Ouais. Ouais, non, 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 euh, non. Dommage, dommage <laughs> pour lui. <laughs> et, et, non, mais c'est amusant parce que je me souviens, de Bertrand, euh, qui avait un petit vaillot Sony. Il avait un petit ouais, vaillot Sony sur les genoux. Euh, voilà, c'était un ordinateur portable. Et alors, je lui disais, non, mais attends, est-ce que sur le site, tu peux changer ça, ça, et ça, tu peux le mettre là et tu peux changer la couleur? Il disait, bien sûr. Et puis, tac, il te le faisait, ça prenait une minute et demie. Et puis, trois ans après, quand on avait, je sais pas, 50 ou 60 personnes dans notre équipe euh, IT, bon, aujourd'hui, il y en a euh, presque 1000, je crois, euh, il si, euh, euh, y a 1000 personnes à l'IT, donc dans le service informatique, euh, trois ans après, il fallait trois semaines. Ouais. <laughs> Parce que donc ça a été bah, c'était le, 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 le signe que la société s'est structurée qu'il y avait des procédures que euh, et, et que évidemment bah, tout ça est beaucoup moins agile. C'est un, un sujet de fond euh, euh, j'entendais euh, euh, je sais pas si je le recommande, oui c'est quand même intéressant évidemment, toujours intéressant, j'entendais Zuckerberg ce matin chez Tim Ferriss dans un podcast que j'écoutais uh -huh. euh, qui disait, en fait, un de leur, une de leurs valeurs était « Go fast and break things ». Donc, euh, à l'origine de Facebook, mm. euh, on va vite et on casse et il, des choses. Et il dit, en fait, on devait, nous, on poussait on dit ça dans le code, on poussait euh, donc, des, il poussait du code euh, en live sur, sur Facebook tous les jours, quand ses concurrents le faisaient tous les six mois ou tous les ans. Tu vois, Microsoft et les mises à jour, etc. C'était... Voilà. Il disait, en fait, ce qu'on acceptait, on avait un taux d'acceptation de, de bug qui était important euh, parce qu'en oui. fait euh, oui, bah, voilà, voilà dis, exemple, euh, euh, donc ça, ça, du, buguait, ça buguait ça mais c'était pas grave quick and dirty. Ouais, exactement et il dit en fait quand tu grossis et que tu deviens une entreprise qui a des milliards d'utilisateurs de oui. bah, en fait euh, tu peux plus alors il dit la grosse différence qu'on fait maintenant c'est qu'on on essaye de le faire par l'investissement c'est-à-dire que euh, un développeur est tellement euh, soutenu par des centaines ou des milliers de développeurs sont 100 000 maintenant chez Facebook euh, quand même Meta euh, que ben finalement euh, en investissement massivement en investissant massivement on arrive à aller beaucoup plus vite oui on ça on nous coûte beaucoup la... plus cher en mais vrai. ouais mais c'est un sujet quand une société grossit un VP, tu peux pas déconner là tuer quand quand on Logo, tu veux changer de couleur En fait, il est tellement impliqué partout, partout etc. Est tellement avec de... dans différentes ouais. strates, dans différents ouais. systèmes, que bien sûr, bien sûr, c'est compliqué. Euh, okay. Donc mais... c'est quelques ventes qu'on fait ça, des rencontres. Euh, vous êtes allé le chercher quand même avec cette idée en tête, ton cousin, euh, Ilan. Ah oui, oui euh, complètement. Donc vous aviez envie quand même, ça vous titillait Internet, quoi. Il y avait un, quand même une envie. Ah bah, il y avait plus qu'une envie parce que euh, on se disait si on n'arrive pas à trouver un business model qui est un peu plus favorable euh, aux marques, on va mourir. Mais du coup, votre business d'avant, oui. ou vous avez tout, vous êtes mis oui, au ligne oui. là-dedans. Non, oui, oui. Euh, on a eu un très, euh, un track record de chiffre d'affaires assez amusant parce que donc en 2003, on fait un million trois de chiffre d'affaires. Euh, en 2004, on fait 15 millions. Et là, euh, je dis à Jacques, euh, il faut qu'on bascule tous les commerciaux de COPAD, parce que nous, donc, on achetait, on vendait des stocks, il faut qu'on bascule tout le monde sur vente privée. Et euh, on a eu une discussion, finalement, on le fait, et euh, on passe de 15 millions à 115 millions en 2005. Et ensuite, on avait 250, 450, 680, 800. Bon. Euh, donc, on, on a eu euh, euh, oui une croissance assez folle et qui était dû au nombre de marques, et à la qualité des marques, et à la qualité de la négociation, c'est-à-dire mmh. les discounts euh, qu'on, euh, bah c'est pas du tout la même chose. Si demain Mathieu, je te propose un produit à 50%, ou je te le propose à 70%, tu vas, tu vas, tu, veux, tu vas, tu vas, tu vas baisser euh, euh, ta garde à 70%, c'est une vraie bonne affaire. Voilà. Mmh. Et donc euh, euh, c'est vrai que et la qualité de ce que nos clients internautes voyaient et la, 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 la les discounts étaient très agressifs et ça nous a beaucoup aidé à, à se développer. Sachant que vous avez quand même perdu un paquet de pognon, là je lis dans un article de Challenge qui date de 2009, tu vois euh, démarrage difficile après 3 millions d'euros de pertes en 4 ans, se rappelle Grandjean, on a failli abandonner. Enfin euh, vous, avez, euh, vous avez quand même euh, en, euh, 2000... en 2009 Non, 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 il dit en de... ça c'est dans un article de 2009, pardon c'est pas en 2009 que vous perdez, mais il dit que les 4 premières années vous avez perdu 3 millions d'euros non, on a perdu moins de 3 millions d'euros. Mais bon, oui, on n'était on était pas in bonnie, euh, absolument. Donc vous avez quand euh... même, vous-même, donc ça c'est de l'argent que vous mettiez de vos autres business Oui. Voilà, on était soldeur, euh, donc on, on vendait à des, à des magasins Alors, de déstockage, euh, on était un des, un des plus gros soldeurs en France, on faisait euh, pas loin de, de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui pour eux, les soldeurs était important, et, euh, et donc oui... Euh, vous remettiez tout quasiment dans l'aventure vente privée quoi Oui, bon c'était quelques centaines de milliers d'euros, c'était pas... Euh, Là, je pense qu'il exagère un peu. <laughs> mais euh, mais c'est vrai qu'à un moment, oui, oui, il s'est posé la question euh, euh, est-ce qu'on poursuit ou pas Et je crois qu'on a, on a bien fait de poursuivre. <laughs> je te confirme. <laughs> euh, ouais. T'es le seul à être parti Oui. De, des sept Oui. D'accord. Mm -hmm. euh, je suis le seul parce que, euh, euh, comme dans toutes les aventures humaines... À un moment, euh, ben toi, tu, tu, toi-même euh, es pris de liberté. Euh, ouais. T'as pas envie d'être dans un. Euh, ben moi aussi, j'avais envie de, de faire mes, mes, mes choses, euh, de faire autre chose. Euh, tu sais quand, quand, quand tu euh, quand tu vas au bureau le matin. Euh, tu te demandes pourquoi tu vas au bureau et que je suis complètement aligné là dessus. Oui. Ouais, ouais. Bon, bah à un moment il faut réfléchir hein. Il faut dire euh, c'est c'est. Et et moi ça m'est arrivé en, en 2011-2012. Euh, je me suis dit voilà je me projette plus. Voilà c'est plus. Euh... Mais c'est moi. Hein, euh... Mais sur un crew comme ça quand t'es 6-7 tu vis une telle aventure folle parce que vous avez vécu. vous quoi. Mm -hmm. euh, ça peut être vécu comme une trahison en fait quand il y en a un qui part. Non, ça ça, ça ça a été ça s'est bien passé. Alors, euh, ça s'est très bien passé, non, euh, ça a été... Surtout vécu... que tu représentais un quart du capital encore, oui. c'est ça ouais. euh, Alors, ah, non, entre temps, plus. Oui, voilà, entre -temps été dilué, on avait là. on avait vendu à Samit, et donc il nous restait chacun 20%. Okay. Euh oui, c'est un peu un ouais, ouais, morceau, ouais. Ouais. Euh, Écoute, non, je crois qu'il y a certains associés qui voulaient également euh, quitter cette aventure, euh, et euh, ça s'est pas fait. Et, et techniquement, et ils ça... m'ont un petit peu jalousez. T'as <laughs> pris ta liberté. Bon, voilà. euh, et techniquement, comment ça se fait Qui rachète tes 20% du coup Alors moi, j'ai vendu à à QA, euh, qui est un fonds euh, souverain euh, d'un pays du Moyen-Orient. D'accord. Voilà. Et euh... qui est maintenant, euh, depuis euh, 2013, enfin euh, 2014, bah, euh, au bord de, de vente privée et actionnée. De, de toute façon, y a une, ils doivent l'accepter aussi. Je me que vous aviez des clauses. Enfin, Bien euh, sûr. voilà. Et, euh, euh, <laughs> c'est un, euh, un sacré changement j'imagine. Ah, pour moi ça a été, euh, ça a été vraiment euh, ça a été une période assez euh, d'incertitude parce que j'avais eu euh, j'avais plusieurs amis qui avaient des boîtes très marquées moi, dans tous les dîners, on me dit « Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais bah, ?»« J'ai je, je, cofondé vente privée Ah bon Non, bah raconte-moi » etc. Et derrière, t'as voilà. une demi-heure de discussion. Exactement. Un minimum. Donc, donc euh, euh, j'avais remarqué que les, mes amis qui avaient aussi euh, euh, vendu euh, leur participation et qui avaient euh, bah, touché de l'argent euh, pour ça, euh, la moitié... Ils étaient partis en dépression. Je vais te le dire. Ouais. Et l'autre moitié, et ils sont partis en cacahuète avec Zvetlana à porte poitrine Et donc, euh, euh, je me suis dit, je me suis gratté la tête, je me dis bon ben bah, moi j'espère que <laughs> c'est ni l'un ni l'autre quoi. Euh, et puis ça ça n'a ça, euh, ça été ni l'un ni l'autre. Je me suis en fait. T'as pas pété une pile jamais un moment non, non non non. Moi je suis un garçon simple. Hein. Pourquoi euh... Comment tu l'expliques T'as même pas déprimé un peu Moi je déprimerai un peu, je pense, hein, si je vous tout <laughs> J'ai déprimé un peu. J'ai déprimé un peu, mais pas longtemps. Pas longtemps parce que je suis reparti euh, parce que j'avais envie de rencontrer des entrepreneurs. Euh, j ai, j ai, je suis un garçon assez euh, passionné euh, quand j'aime quelque chose euh, et donc euh, j'ai recréé une équipe, une petite équipe autour de moi euh, avec euh, où je fais deux métiers. Hein. Donc euh, maintenant je, je dirige la financière Saint James euh, qui est ma holding patrimoniale. Euh, donc je fais deux métiers. Je fais un métier autour de l'immobilier où euh, donc on restructure des parcelles dans Paris entre deux. 000 et dix mille mètres c'est compliqué c'est long c'est euh, technique c'est très concurrentiel mais quand euh, les projets se passent plus ou moins bien mais euh, plutôt bien euh, oui c'est très valorisant voilà, c'est très valorisant parce que déjà euh, d'avoir dans Paris des bâtiments qu'on a nous-mêmes transformés euh, architecturalement, euh, etc. Ça, ça moi, en tout cas, ça me nourrit. Mmh. Euh, et, et ma deuxième activité, sur laquelle je passe beaucoup plus de temps que la première, même si la première, en termes d'équité, en termes d'argent investi, est plus importante, euh, c'est mon activité de business angel professionnels euh, que j'adore qui me nourrit ou euh, dans mon canapé enfin, sur mon canapé tous les jours euh, quasiment je, je reçois des entrepreneurs et je les challenge euh, je les coach euh, je les euh, j'essaye d'analyser un peu bah, euh, leur business model et comment les aider à, à, à accroître leur chiffre d'affaires t'as une une, une thèse là dessus une taille euh, un, un, un montant enfin je sais pas tu vois certains vont me dire moi j'investis un million dans des boîtes euh, pour prendre 25% euh, que dans euh, le SaaS B2B, pour prendre des cermes techniques. Euh, Là-dessus, vous êtes très ouvert ou... oui. oui. On est très ouvert. Euh, on est une petite équipe, on est cinq. Euh, je t'entendais euh, sur ton podcast. Oui, toi, tu, tu maîtrises vraiment très, très bien tous ces aspects euh, euh, de, 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 de VC, de Venture euh, Capitalisme. Euh, donc, moi, je suis euh, Business Angel. Donc, dans, euh, business dans, la vendeur, dans... Ouais. Euh, donc il y a Angel. Donc j'ai une approche qui est très bienveillante. Je ne suis pas euh, focus sur un secteur en particulier. Moi, ce que je regarde, c'est la personnalité et le potentiel de l'entrepreneur. Voilà. Moi, il n'y a mmh. que l'humain qui m'intéresse. Euh, je ne vais pas regarder son business plan parce que euh, finalement, euh, bah, euh, il est full of shit. Voilà, il est full <laughs> of shit. Euh, et et, 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 et l'intérêt d'avoir. Il n'y a un... que des conneries dedans. Voilà, Justement, il ouais. y a que des connexions dedans. Euh, il se fera jamais euh, ni à la baisse ni à la hausse. Enfin, il sera jamais fiable. Mmh. Euh, donc, on sait que c'est. En revanche, d'analyser comment il l'a construit permet de comprendre comment il, con... il comprend son business. Euh, est-ce qu'il a bien, euh... est-ce qu'il a bien compris son business Mais euh, à part ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh d'essayer de comprendre si devant des difficultés un entrepreneur euh, il saura pivoter euh, son ego il saura le mettre euh, de côté pour se dire je me suis trompé si je fais ça ça marchera mieux plutôt que de dire je vais continuer parce que je sais que j'ai raison voilà euh, alors parfois euh, parfois ça marche de de, 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 de très euh, têtu euh, mais souvent ça marche pas et il faut savoir s'adapter, il faut savoir tourner, il faut savoir écouter euh, des gens qui, euh, qui, vont vous qui veulent vous aider. Euh, voilà. C'est ça que je, principalement, je, je regarde le, la personnalité. Est-ce qu'il est qu euh, va bien manager son équipe Est-ce qu'il a une vraie vision de, de, de son marché Est-ce qu'il a une vraie vision, lui, perso, du monde dans lequel on vit euh, etc. Tu as, as, as finalement moins une approche comme PKM qui dit euh, moi, j'investis, je me mets dans le coffre, euh, et puis si on ce qu'il me dit sur ce podcast Pierre Non moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup Pierre. Euh, et je me mets dans le coffre et puis si on vient oh, le sonner euh je il, sors. Il dit ça, il dit ça mais <laughs> c'est il exagère un peu parce que je suis euh, on est on est associé dans, dans dans plusieurs start-up et on a été au bord d'une de, des deux. Euh, il est dans le coffre mais il, il a du coffre, il a le bouton d'ouvrir le coffre. <laughs> il dit attention si tu fais ça ça marchera mieux et il a souvent raison. Mm. Non non, il est super smart. Euh, oui, moi je suis j'ai 65 participations. J'en suis vraiment de près 20-25, euh, et il y en a 15 euh, où je, on se voit tous les mois ou tous les deux mois. Voilà. Et, et où on passe deux heures ensemble. T'es sorti déjà de certaines bon, Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Ouais, ouais, j'ai sorti. J'ai eu euh, j'ai eu quelques sorties. J'ai euh... eu quelques éclats euh, qu'on peut citer. Ou... Oui, ouais. bien sûr. J'ai euh, bah, on va dire euh, en euh, du cid. Euh, j'ai une belle participation dans Alma ouais. euh, avec un entrepreneur euh, Louis Chatriot qui est un extraordinaire, ouais, qui est un très Et très re, très. Écoutez, je vous en ai recommandé pas mal, mais Louis même à chaque fois que je le revois, le mec il est, ouais, ouais, il oui. est hardcore lui. Hein. Ouais, ouais, ouais 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 il, il, il est incroyable, il me, il me fait marrer. Il est bien parce que c'est un polytechnicien. Moi c'est vrai que j'ai pas comme ça vu que j'ai fait un parcours étudiant médiocre euh... On y reviendra parce que vous, très vite tu me ouais. après ouais. euh, je, je... Donc les politiciens je m'en méfie un peu parce que finalement c'est les gens qui prouvent qu'ils savent s'asseoir euh, 10-15 heures sur euh, une chaise euh, et se concentrer euh, mais bon, euh, ils ont une capacité euh, peut-être à manier des concepts etc. Euh, donc tout ça dans une intelligence très très rationnelle voilà, et c'est pour ça que je te dis que je pense qu'on est en train de changer d'époque, et tous les gens qui sont talentueux euh, aujourd'hui ils ont une chance, mmh. et grâce à l'intelligence émotionnelle, grâce au, au, à la capacité, au talent de créer un lien avec les autres. Voilà, et je suis pas sûr que euh, beaucoup de polytechniciens aient ce talent, euh, parce que ça fait partie d'une personnalité, et, et ça, ça, ça s'apprend pas à l'école. Mmh. Voilà. Euh, Louis, pour reprendre, euh, alors lui, il est hyper business, j'adore. Hein. Mmh. Moi, moi, je suis très business. Hein, euh, je je... On le <laughs> <l 'intérêt. rire> Non, je suis très business et, et euh, j'adore le business et et, et l'humain. voilà. Euh, Louis, il, il est a un très, très pince sans rire, je trouve. Euh... Ouais, il y a beaucoup d'humour. Euh, non, il est super smart. peut hein. dire. Je, je, je suis très heureux d'avoir de, de, euh, d'avoir participé, euh, à, enfin d'avoir investi chez lui. Mm -hmm. euh, je suis euh, investisseur chez Miracle, euh, donc avec Philippe euh, qui, qui est. Tout. Euh... Tu es rentré tôt Alors, je suis. Euh, alors là, je suis. Non, je suis pas rentré en Cide. Euh, je suis rentré en même temps que Bain. Donc c'était pas c'était pas très tôt, mais entre mm -hmm. temps. Euh, il y avait foi du sein. Je suis investissant dans Spendesk. Très tôt. Extra. Euh, je suis investisseur dans une, euh, une startup que j'adore. Euh, je crois que tu l'as reçue. Euh, C'est Jade. Euh, ah, Jade Benoît. Voilà, oui, c uh, We We Maintain. Oui, Maintain. Voilà. Ouais, ouais. Euh, We maintain euh, depuis le premier jour où je les ai vus, j'ai dit ces gars-là, euh, ils sont incroyables. Euh, et Benoît et Jade. Ils ont une vraie vision. Euh, ils, 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 ils font de la maintenance d'ascenseur. Le truc, le business totalement what ouais. the fuck. Hein, ouais. T'es vraiment dans un truc, moi, quand je reçois. La jeune Jade Francine, euh, déjà une <laughs> femme euh, dans, dans ce milieu d'hommes, etc. Tu te dis, mais c'est lunaire, quoi. Et, 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 et voilà, je, ça fait un bout de temps que j'ai enregistré, je sais pas où ils en sont exactement, mais je crois que ça marche bien. Ouais. Oui, ils ont le, là, ils viennent de lever un peu moins de 30 millions. Euh, ils ont ouvert euh, Londres, euh, Singapour, Francfort. Euh... Elle avait un drive, elle m'a marqué, parce que tu sais, c'est ce genre de personne. Le truc que j'ai retenu de cet épisode, c'est de te dire, euh, ah non, mais nous, bon, on est à Paris, c'était un peu notre époque, mais j'irai jamais à tu vois à Besançon ou Strasbourg ou quoi, c'est trop petit en fait. Moi, je veux faire que des, des méga capitales et là tu et le, le dire en fait. Ah oui, oui bien euh... sûr, bien sûr. Euh... En il y a plein d'ascenseurs en fait, <laughs> juste tout bêtement, tu <laughs> sais. Okay, et exactement. donc c'est pas parce que je suis en France que je vais aller faire une autre ville française, je vais aller faire des villes où il y a plein d'ascenseurs. Point. Et Shanghai, j'imagine qu'il y a plein d'ascenseurs. Exactement. Et, tâne, et lui, lui était quand même euh, le patron euh, de la Chine euh, chez Otis avant de créer un, euh, et puis ensuite le patron du Japon, et puis ensuite le patron L'Asie, euh, le gars il devait avoir 25 ans. Et, mmh. et, et Benoît est un garçon de, 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 de très grande qualité et Jade euh, a une énergie. Voilà, voilà une fille qui a aussi une, une intelligence émotionnelle euh, très forte. Euh, je les adore. Hum, très clair. Je reviens sur ce, ce petit point. En fait, où Tu me dis j'ai un peu déprimé. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus parce que, bon, sauf mmh. si tu as envie. ça c'est toi, mais c'est compliqué parce que. Donc tu es sorti avec, pour le dire forcément, si mes calculs sont bons, des centaines de millions d'euros, enfin quelque mmh, chose d'important. Mmh, oui. euh, Ce n'est pas un peu perturbant de se dire euh, je suis au bout de la roulette alors que je suis assis sur un tas d'or mais <laughs> gigantesque en fait. Oui. Ça doit quand même être un peu... Il y a un oui. moment où personne ne peut te comprendre. Moi, il y a une blague que j'aime beaucoup, euh, qui est un peu euh, au deuxième degré. C'est euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ça, il y a que les riches qui le savent. Mmh. Euh... <laughs> Donc, en fait, bah, pour moi, avoir de l'argent et accumuler de l'argent sur un compte, ça n'a jamais été un objectif dans ma vie. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu as X sur ton compte que tout d'un coup tu deviens, tes chakras s'ouvrent et tu, et tu de deviens heureux. heureux. Voilà. Euh, à la limite, je dirais presque, euh, c'est plus le contraire, parce que tu, tu vas faire face à, 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 à cet argent, il faut le placer, il faut l'investir, il faut en donner une partie. Euh, et, 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 et donc, euh, bah, tu vas faire face à des difficultés, tu vas perdre, tu vas en perdre un peu, tu vas en gagner un, beaucoup, etc. donc, euh, c'est plus une source d'emmerdement de, euh, euh, que euh, une source de, 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 de zénitude totale euh, d'avoir euh, entre guillemets un, un patrimoine important euh, donc bah, par exemple je suis actionnaire de Bongonel euh, à la euh, pendant la pandémie euh, bah, on nous a fermé le centre deux fois euh, trois fois euh, non deux fois deux mois euh, et deux fois euh, une fois trois mois une fois deux mois et donc on n'a on plus de loyer, etc on doit rembourser nos crédits euh, c'est pas que euh... <laughs> C'est pas que gay et euh, je me balade avec des yeux euh, d'enfant. Euh, les banques t'accompagnent dans un moment comme ça, tu peux les décaler un peu les crédits et tout Pas beaucoup. Pas beaucoup beaucoup parce que évidemment ce qui s'est passé pendant la pandémie c'est un moi je vais préciser une chose parce que je suis pas toujours tendre avec les banques mais moi j'ai pu en l'occurrence ici de deux ou trois mois je pense qu'on je crois qu'on a décalé le crédit du bureau que dans lequel on est là tu vois super entièrement donc ouais ça dépend mais ça dépend qui qui tu as alors nous il faut voir que pour toi moi c'est petit petite 350 mètres carrés non mais c'est super c'est super non mais toi T es là tous les jours, mm. euh, tu, 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 ta société euh, se, euh, progresse et voilà. Et, et, et vous avez un super projet et, et bravo. Moi, j'ai eu à faire face pendant la pandémie à un retail bashing absolument ouais. incroyable. Fini le retail, les voilà, voilà, Exactement, et ouais. les banques. Euh, donc tout ce qui est hôtel et commerce, les banques qui voulaient plus entendre parler mm. euh, c'est c'est euh, malheureux mais c'est comme ça donc euh, donc oui on a eu des euh, on a eu des, des moments euh, un peu plus difficiles donc j'ai vendu euh, j'ai recréé une équipe euh, autour de moi comme je te comme je te disais tout à l'heure et euh, et depuis ouais je, je suis euh, euh, Franchement, j'adore ce que je fais, euh, mais je suis quand même arrivé à un moment de ma. J'ai 58 ans. Euh, je suis encore. Euh, J'ai encore de l'énergie. Euh, je, je, pour l'instant, je suis en bonne santé. Euh, donc, je me suis lancé un nouveau défi euh, et un nouveau challenge. Ah. Euh, et Donc, je vais quitter mon bureau euh, au moins deux jours et demi par semaine ou trois jours par semaine euh, pour rejoindre euh, les bureaux que je vais prendre associés avec un garçon qui s'appelle Olivier Cotina euh, qui a une start-up qui s'appelle... Tap by. D'accord. Euh, et donc, je repars dans l'opérationnel. C'est mon dernier challenge euh, pour euh, développer et scaler euh, Tap buy. Alors, qu'est-ce que ça fait t a c'est ça C'est ça. Okay. Exactement. Euh, donc, Tap bah, c'est d'abord une rencontre avec Olivier. Euh, si tu veux, Tap buy, ça fait du checkout mobile. Voilà. Donc, le ça. Check oh... Le checkout, c'est le Paiement C'est ça, oui, ouais. euh, c'est le, le tunnel de paiement ouais. euh, bah de tous les e commerçants euh, en me particulièrement sur mobile et donc euh, je, je, je te raconte comment ça s'est passé euh, je connais Olivier depuis pas mal d'années parce que j'étais le premier investisseur de School Lab euh, et donc quand je dis le premier j'ai connu Jean-Claude Charlet on a dîné ensemble et il m'a raconté ce qu'il faisait j'ai dit écoute, c'est incroyable ce que tu fais c'est formidable pour l'innovation en France moi je suis né au Maroc je suis un petit un petit marocain qui a grandi en France j'adore la France. Parce qu'elle m'a tout donné, euh, et donc je vais t'aider parce que ce que tu fais, c'est vraiment bien pour l'écosystème de l'innovation. Et donc je lui ai donné 200 000 euros et je lui ai dit voilà, prends-les. Euh, bon, on a négocié quand même un capital, enfin une part du capital, et je lui ai dit mais tu me dois rien. Si tu les perds, si tu. C'est et euh, bon finalement ils, ils ont euh, ils se sont développés et ensuite ils ont fait des levées avec la moitié du CAC 40 et ils ont aujourd'hui la moitié du CAC 40 dans leur capital. Mais donc Olivier que j'ai connu euh, chez chez School Lab euh, qui était un garçon euh, extrêmement euh, que je, je trouve extrêmement smart euh, mais qui a cette double euh, qui a été prof pendant dix ans à Stanford d'entrepreneurship tech euh, le gars il est en même temps, vraiment, bon, il a fait ça. De... Il est en même temps une intelligence rationnelle, mais en même temps euh, une, une vraie intelligence émotionnelle. Et donc son projet, il m'explique qu'il veut vendre sa boîte, euh, sa petite boîte, qui est sa petite start-up qu'il avait créée 6-7 euh, ans avant. Hein. Euh, c'est Lab euh, ouais, euh, non, non. Ça c'est euh, Tabay. Ok. Et, et on est en train de déjeuner. Il me dit, écoute, je voudrais qu'on déjeune parce que je suis emmerdé. Je voudrais vendre une boîte, machin. Et je voudrais qu'on en parle. Bon. Et on en parle, machin. Et puis je lui dis, mais elle fait quoi Et puis il me dit euh, ce qu'elle fait. Et puis je me gratte la tête et je lui dis, mais mais, mais t'es con, pourquoi tu veux la vendre Viens, viens, moi je suis prêt à m'impliquer beaucoup et pour faire vraiment partir le business. Aujourd'hui, la boîte, elle fait 700 000 de chiffre d'affaires, elle fait 200 000 ou de, un peu plus de 300 000 débits euh, Mais elle a une tech qui est... Il y a deux boîtes dans le monde qui savent faire ça. Voilà. Donc c'est une micro boîte, on est neuf. Euh, je n'ai pas encore, euh, je vais démarrer, je pense réellement euh, en juin, euh, parce que malheureusement on est en 2022, quand on orgisse. ouais, ouais, ouais. Donc, juin 2022, ouais, ouais. c'est ouais. ça. Euh, bon malheureusement, et euh, c'est une tristesse infinie. Euh, Olivier a perdu sa femme euh, il y a un mois. Maintenant, elle avait Audrey, elle avait 37 ans, euh, elle avait créé euh, La Belle Expérience. Bien sûr, j'en ai parlé dans ce podcast, très voilà. bien, je savais pas que c'était sa femme. Voilà, c'est sa femme. Bon, C'est une fille incroyable, ouais. c'est une fille très, extrêmement lumineuse. Je, je mmh. l'ai connue parce que j'avais confié euh, euh, un projet rue euh, des Petites Écuries, donc parce qu'elle faisait du design intérieur, mais était... Euh, La pas, Belle Expérience existe toujours et ça reste toujours une très belle boîte. Absolument, euh, ça ouais. reste une boîte incroyable et, et on est associé. Voilà. Ouais. Euh, donc euh, bon là évidemment c'est un moment extrêmement euh difficile et pénible pour lui euh d'une très grande tristesse c'est c'est on va pas mériter ça même à son pire ennemi euh donc je on va on va réellement démarrer en juin sur Tabby, euh où on va scaler, on va recruter des des la formation Big Time de sales Worldwide. Bah si je fais pas ça, c'est complètement bidon cette TV pas d'année. C'est clair. Non. Bien sûr que je vais le faire. Ouais. Ok. Écoute, déjà le, le, le site est beau, euh, très clair. Euh, alors, du coup, c'est un peu. T'es en face de quoi, d'un Stripe ou d'un truc comme ça, en fait Alors Stripe, non, parce que Stripe ne fait que du paiement. Okay. voilà. Nous euh, nous on agrège euh, Stripe, euh, on agrège euh, bah, différents, les, modules, voilà, de paiement, différents ouais. modules de paiement, on copie, mais, mais ce qu'il qu faut savoir, c'est que aujourd'hui, quand tu euh, et ça c'est assez intéressant, euh, quand tu, tu commandes sur ton mobile, donc tu vas rentrer, euh, tu, tu vas mettre au panier, hum. aujourd'hui sur dix personnes qui mettent au panier, il y en a une qui sort. Incroyable. Alors les marques peuvent dépenser des milliards en marketing, etc. Si déjà quand tu as dix qui rentrent dans entre guillemets dans ton magasin, qui sont là, qui font la queue pour aller à la caisse, il y en a qu'un qui paye. Bon, bah déjà il faut s'occuper de ça. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les neuf qui ne payent pas, qui ne vont pas euh, accomplir euh, bah, leur acte d'achat, il euh, y en a cinq qui, pour des raisons rationnelles, vont abandonner le panier. Alors ça peut être euh, le, le prix de la livraison ça peut être ta femme qui t'appelle et qui te dit mathieu dans ces cas-là dans 70 de, tu ne vas pas reprendre euh, mmh. la commande euh, ça peut être n'importe quoi mais en revanche il y en a quatre sur les neuf où c'est pour une raison technique ça veut dire que il bah, a à peu près 200 euh, systèmes d'exploitation de mobiles différents qui sont paramétrés de manière différente dans chaque pays et donc quand toi tu viens avec ton mobile taper un site s'il si n'est pas paramétré pour correspondre et communiquer avec euh, ton mobile et le, le eh ben tu vas pas, tu vas pas pouvoir mettre le mail tu vas, tu vas pas pouvoir euh, euh, finaliser ta commande donc dans quatre cas euh, sur 10, c'est un problème technique et donc tabai aujourd'hui résout à euh, ultra optimiser le design euh, du tunnel de paiement, euh, et en plus de ça, il est interfacé avec ces 200 systèmes d'exploitation euh, dans, dans 15 pays. sur faire euh, sur Shopify, sur Salesforce, as, sur tout, tout ce que veux, Magento, okay. euh, etc. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que... Et le modèle, c'est que tu prends un, une, un petit bout de chaque vente ou comme... Oui. Je prends un petit bout de chaque vente. Euh, on a, euh, bah, j'avais cité, euh, le groupe SMCP. Donc, Sandro Mage, Claudie Pierre J'ai euh, récemment Frédéric Bioux sur ce podcast. Que, ah. Un peu, épisode qui a beaucoup, beaucoup plu, que je te recommande si tu l'as pas écouté. Ah, je connais très, très, très bien Frédéric, qui est un ami et que je connais euh, depuis vente privée. Euh, et ensuite, j'ai investi chez un des plus gros investisseurs de, de son fonds, voilà, de, Ses hôtels aussi? Ou pas non, ses hôtels, non il paraît que c'est extraordinaire Alors, tout depuis que j'ai sorti l'épisode tout le monde me dit oh là là il faut absolument ah non c'est super c est, c est non plaisir. non non mais il a c'est un garçon qui a énormément de goût qui est un très gros bosseur euh, qui est super smart et donc euh, bah, de la même manière où euh, j'avais commencé euh, j'ai écouté un petit peu son podcast euh, avec toi euh, oui il va jusqu'au bout des choses il coupe tout en quatre et, et à la fin ça marche hein, euh, comme euh, euh, la société Tigrane que, qui oui. est victor aussi, Liguez, donc euh, vous t'assignez signé avec eux euh, euh, SMCP. Tu voilà, j'ai ouais. signé. Euh, alors c'est pas moi qui ai signé, c'est oui, Olivier oui, qui a signé. Oui, oui, avec oui mais SMCP. je le vois il, sur leur sur leur homepage, ouais, voilà. on voit bien. Et donc c'est très simple. Bah, dans ces cas-là, euh, quand euh, le client Sandro.com, euh, euh, client chez Sandro, il paye, euh, il paye sur son mobile. Enfin, il, il va, oui, il va payer, il va sortir. Il va sortir sur Sandro.com. Ça, ça va produire 100 de chiffre d'affaires. Quand euh, on bêta teste et que euh, on va en faire sortir un chez Sandro.com, le suivant chez Tabby, le suivant chez Sandro, le suivant chez Tabby, et qu'on prend des, des, des grands nombres, donc euh, on va dire cinquante mille et cinquante mille de chaque côté, bah chez Sandro.com, on va continuer à faire 100 de chiffre d'affaires et chez Tabby, on fait 182 c'est ça ce que je vois 178, 182, voilà, bon. 49 de loyauté, no IT cost euh, voilà ça et fère, ça ouais. donc ça coûte euh, plusieurs centaines de milliers d'euros à smcp euh, plutôt euh, ça coûte 200 millions à smcp on leur a, euh, si on s'était projeté sur leur sang qui continue on leur a fait euh, on a optimisé leur chiffre d'affaires de 27 millions d'euros en, en 2021 voilà. <laughs> pour 200 000 euros ouais. donc euh, c'est une aventure, moi j'adore ouais, ouais. Voilà. Okay. je pense que euh, on va pouvoir euh, grandir euh, euh, assez vite et, et c'est ça qui m'excite voilà, C'est extra. Mais en fait tu, coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce qu'en effet t'as l'air d'être un homme d'action et c'est vrai que souvent quand on va dans l'IMO et dans l'INVEST on a un peu l'impression d'être en second rideau en fait, quoi c'est pas euh, même si euh, l'IMO je pense c'est un peu à part parce que comme tu le disais, alors ça te prend pas au quotidien parce que tu tu casses pas non. les murs toi-même et cetera donc tu vas toutes les semaines toutes les deux semaines c'est un truc que tu transpires euh, dans l'invest c'est un peu pareil tu es là en mais c'est pas ouais. toi qui fais les décisions tu es là en, en second rideau euh, donc donc voilà donc ça devait te manquer en l'occurrence je vais être comme toi euh, à la manœuvre euh, et donc et ça ça fait euh... Oh bah ça fait donc maintenant neuf ans que que je, je suis pas retourné et donc c'est mon challenge et ça m'excite beaucoup vraiment ouais 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 non c'est 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 entre temps j'ai j'ai euh, je suis aussi euh, j'ai eu un je m'étais fixé un petit challenge c'est vraiment le, les hasards de la vie qui qui me l'ont amené euh, j'ai euh, je fais partie d'un spac ah non. oui, j'ai vu ça. Pardon, je l'ai euh, noté ouais. dans mes trucs. Je... Ouais. Alors un SPAC, il faut qu'on parle parce que j'en ai un peu parlé ici avec Pierre-Antoine Capton, ouais, euh, qui est l'un des, des rois du SPAC en France. Absolument. Hein, donc, euh, <laughs> Special Purpose Acquisition Vehicle. Euh, donc euh, très à la mode. Euh, j'ai l'impression très à la mode aux US. Aux US. Ouais, aux US. Il y a eu des et centaines, des milliers ah ouais. trop d'ailleurs. Il y en ah ouais. a qui ont fait de la merde. Exactement. Euh, exactement. Voilà. Euh, comme toutes les choses qui, qui sont bien construites et qui ont du sens, bah, quand t'en fait trop et que t'es trop agressive à l'américaine parce il n'y a pas du gain et puis euh, c'est pour beaucoup de gens euh, presque de l'argent facile euh, et bien tout ça, ça exagère et, 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 et ça se passe mal maintenant Voilà. Alors euh, le SPAC, je te me laisse expliquer en deux secondes je vais me vas si vas je bien compris donc Special Purpose Acquisition Vehicle donc euh, un, un, un véhicule d'acquisition pour un... Special purpose, donc un, une, un objectif précis, euh, un objectif mmh. spécifique. Euh, donc en gros, on va lever de l'argent, euh, généralement en bourse, hein, c'est ça, on, le SPAC est coté souvent. Alors, euh, euh, pas au début. Alors, si, va, euh, si un. En fait, tu vas euh, solliciter des investisseurs ouais. en leur disant regarde comme je suis formidable, je suis incroyable, j'ai un track record de dingue. Et alors mes associés, c'est encore pire, enfin c'est encore, encore mieux. mieux. <laughs> euh, on est vraiment hyper focus. Il faut que tu nous confies de l'argent. Et on va aller, par rapport à une thématique donnée, euh, chercher une boîte qui n'est pas cotée, qui est donc privée, euh, négocier un deal avec les entrepreneurs et les actionnaires de cette boîte et ensuite bah les fusionner avec ce véhicule qui est en gros une coquille vide il y a une coquille vide aujourd'hui d'ITEC. qui a beaucoup de cash et qui va en Exactement. acheter une autre en gros Exactement. si simplifié voilà. et voilà et en fait finalement c'est très smart parce que euh, 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 le hum, euh, Aujourd'hui, d'aller euh, faire une démarche pour se coter, quand on est euh, une grosse start-up, euh, c'est très, ben, très très intense. Ça veut dire qu'il va y avoir une distraction du, du management pendant au moins deux ou trois mois. Euh, ils vont pitcher 50, 80 fois, 100 fois des fonds. Euh, ils vont, jusqu'à la veille, ils ne vont pas savoir combien d'argent ils vont lever et à quel prix ils vont se coter. Et ils vont même pas savoir s'ils vont rentrer en bourse ou pas. Mmh. Ils le savent que la veille. Donc, c'est une débauche d'énergie très importante pour un résultat qui est très incertain et qui, entre temps, t'as défocusé ton business. Donc, le euh, le SPAC a l'avantage de au lieu de permettre de, que l'entreprise fasse une, une IPO, ça une, une introduction en une, bourse, voilà, ouais, ouais. bourse classique, et eh ben c'est plus un phénomène de fusion-acquisition avec cette coquille qui est déjà cotée en bourse et donc elle va fusionner et ça c'est très simple, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et généralement, le SPAC, tu sais pas, t'as une vague idée de qui tu veux acheter quand même avant Alors, nous, on a... Euh, alors, c'est Marc Ménassé hein, ouais. que tu as reçu, euh, Bien sûr. je crois, euh, également. C'est Marc qui, euh, qui est à l'initiative du SPAC et qui, ensuite, m'a appelé et m'a dit « Écoute, euh, voilà, viens, on y va, hein, c'est génial, euh, on va un peu... » Et moi, je voulais sortir un peu de ma zone de confort parce que euh, je m'étais jamais vraiment euh, vendu depuis 7 ans hein, parce que euh, quand, tu, euh, bah, quand tu investis, c'est plus les autres qui te vendent euh, et qui, qui, te, qui essayent de te séduire. Euh, donc là j'ai dit: allez, on y va et euh, ça a été très intense. Vraiment euh, pour lever l'argent, je crois qu'on a fait 82 meetings avec des fonds. Il y avait Marc, toi. Alors il y avait Marc, moi, un garçon euh, qui est assez formidable, qui s'appelle Roger Cagnard, qui est le CFO de MACSF, hein, donc qui est la mutuelle des médecins. Euh, C'est un, un garçon qui gère euh, un peu plus de 30 milliards d'euros euh, depuis euh, 26 ans chez MACSF et qui est vraiment un type euh, fantastique, euh, humainement et et même euh, et même euh, dans son métier professionnellement euh, et ensuite euh, j'ai dit à um, un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Charles Hubert de Chaudenay euh, qui a été banquier d'affaires pendant 20 ans euh, dans la tech euh, et qui ensuite est devenu directeur général de vente privée pendant 5 ans et donc quand il a euh, bon je pense qu'il s'est fait plutôt virer mais euh, quand il est sorti de, de vente privée euh, je lui ai dit écoute viens entre ton background, parce que ce qu'il faut te dire, c'est que notre chaque SPAC a un plaid, donc un territoire où il dit à ses investisseurs voilà, c'est dans ce territoire-là que je vais aller chercher les entreprises, et nous, notre territoire, c'est DEE, c'est pour ça que ça s'appelle DEE tech, ça veut dire digital, e-commerce, Enablers Donc tout ce qui optimise, qui facilite le digital et le e-commerce. Ce qui est quand même euh, très très large hein, puisque on va euh, du paiement, le marketing online, euh, le recrutement, la logistique euh, euh, et euh, et donc Marc euh, est venu me chercher, euh, Roger était là, on est allé euh, on a proposé à Charles Hubert de nous rejoindre, il nous a rejoint. Euh, et donc on a pitché euh, tous ces fonds euh, et c'est un exercice de solidarité euh, incroyable il euh, y a eu des journées où on avait euh, 11 meetings, donc 11 heures de pitch. 11 fois on répète les mêmes choses euh 6 ou 7 fois en anglais avec des gars euh, à Los Angeles euh, ou à euh, Atlanta euh, beaucoup qui beaucoup en visio du coup hein. À ah, que oui. Donc t'enchaîner, ah, ouais, en 10 minute ta, 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 entre ta, ta, les exactement heures. exactement exactement. Euh, on a fait quelques heureusement quelques rendez-vous euh, euh, en physique avec des fonds français. Donc on a levé euh, 185 millions. Euh, on a décidé euh, de d'allouer que sur euh, des fonds qui étaient long only, ça veut dire euh, qui gardent les actions. Euh, plusieurs années et ça s'oppose finalement au hedge fund euh, okay. parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans les SPAC, euh, ceux qui vont mettre de l'argent, euh, ceux qui vont investir dans le SPAC euh, à la première euh, donc euh, quand euh, quand on, on crée la structure euh, ils vont avoir des en bonus euh, des warrants euh, des options euh, qui sont très près du cours, tous les SPAC démarrent à 10 euros Hein, ou 10 dollars aux Etats-Unis. Et donc, il va avoir des warrants à 11,50, euh, qui sont valables 5 ans, euh, et ils auront un warrant pour 3 actions. Donc, ça, c'est un avantage qui est assez, euh, qui se price assez cher, euh, et c'est pour ça. Ça veut dire qu'il il est sûr de pouvoir vendre à 11,50? Alors, si le cours, euh, fait, vos euh, vaut 18 euros. Ouais. Et ben, le gars, il a ses actions qu'il a achetées 10 euros. Aujourd'hui, elles valent 18. Enfin, ouais. elles vaudront 18. Et il a ses options qui ah, va peut... gagner entre 11,50 et 18, euros ouais, options Exactement. Ouais. Et donc euh, tout ça, c'est, c'est, c'est. Euh, et donc ça veut dire qu'il y a des hedge funds, euh, donc des gens qui sont qui s'en foutent complètement de la boîte dans euh, laquelle le machin, qui s'en foutent de nous, qui pour eux on est un produit financier, etc. Donc nous, on a décidé de retirer ces gens-là. Euh, ça, on a enlevé euh, ouais, plus de 20 millions euh, de, de, de commitment. Et euh, et ensuite. Donc on avait 165 millions qui sont euh, euh, dans une banque sur un compte nanti. Euh, on a une société qui cote tous les jours. Aujourd'hui, ça cote je crois 9,89. Donc c'est toujours très près de 10. Euh, et euh, c'est là que le boulot démarre. Il faut qu'on aille chercher une cible. Et je peux, je peux en acheter du coup. Ah oui, tu peux, je peux en acheter. acheter des actions. Ah oui, Exactement. tu peux acheter des actions. Ça s'appelle comment tu m'as dit Ditech. D e e t e c h. Et la cible, elle est worldwide potentiellement Non, Europe. Europe. Euh... Et vous, juste pour me rappeler, votre intérêt là-dedans, c'est que vous gagnez, si ça déspac, comment ça alors, se passe, ouais Aux états unis et c'est là où je te disais que bon, ils ont toujours tendance un peu à aller trop loin et avec un moins de discernement, euh, ils en ont fait 500 des spac et probablement il y a 300, 400 cibles aux états unis Donc il y a plus de, de spac que de cibles et ces spac mmh. ont levé à peu près 400 milliards. De dollars. Et donc il s'est mis à avoir des ventes aux enchères sur les cibles ou les SPAC... Euh, euh, mettaient... C'est bien pour les entrepreneurs d'origine, ah, Mais ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que tu as trouvé la cible, que tu t'es mis d'accord avec elle, à ce moment et c'est là où c'est bien conçu le SPAC, tu dois revenir vers tes investisseurs, ceux qui t'ont donné ouais. l'argent au début, pour des dé SPAC, c'est ça Voilà. pour... Euh, euh, qui te donne l'autorisation de déspaquer leur accord Et Ils peuvent euh, sortir ou rester. Exactement. Et là, s'il te dit non, mais attends, c'est pas du tout ce que tu m'as dit au départ. Euh, tu m'as dit que tu serais dans tel type d'entreprise. Moi, j'aime pas du tout ton deal. Huit. Bouton rouge. Rends-moi l'argent. Mmh. Donc et sur tes 165 millions de, 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 aujourd'hui, tu pourras en avoir 20, 30, 40 si tu fais pas ton truc de gens qui disent bon, ⁇ moi je ne reste pas ⁇ Exactement, rends-moi l'argent et à ce moment-là, il faut aller rechercher cet argent auprès d'autres investisseurs et il y a ce qu'on appelle un pipe, donc Private Investment in Public Equity, euh, qui est l'argent que tu lèves une fois que tu as trouvé la cible. Voilà. Nous, on a eu la, la chance de trouver une cible euh, très vite, ou de 4 mois. Euh, et donc, euh, tout le marché, on a annoncé au marché qu'on allait des -er, Et ça, c'était euh, un, un signal très positif. Parce qu'il y a eu euh, peut-être une dizaine de SPACs en Europe, 12 ou 13. Et pour l'instant, il y en a qui a des paquets et nous on était le deuxième. Et un, bah c'était euh, ouais, One euh, Voilà, MediaOne et en plus bon malheureusement euh, il a pas laissé un souvenir très euh, très bon aux investisseurs parce que euh, d'abord c'était un tout petit deal, le deal était beaucoup plus petit que prévu, euh, donc les Américains qui avaient mis pas mal d'argent ont dit bah c'est quoi de bordel euh, Je il nous a dit que ça valait 500 800 et il fait un deal à 250 euh, et puis quand il avait très bien investi l'argent euh, il avait racheté AB Productions. Et ouais. d'AB... Il a commencé à, à, à faire du build-up sur A.B. Euh, très intelligemment et en créant pas mal de valeur. Et, et à ce moment-là, il l'a retiré de la cote. Et là, les investisseurs ont dit :« Attends, là, oui. le dit, Il était vachement bien, et maintenant, tac, il l'a retiré de la cote. <laughs> » Donc, euh, moi, c'est ce qu'on m'a expliqué. Hein. Je, je, je... Mais en tout cas, oui, oui, il a été, euh, euh, il a été euh, très intelligent. Et, euh, et finalement, bon bah, que les investisseurs soient pas contents, a pas grand-chose. à... Donc, c'est colis à privé. Avoir. Si je trouve bien mes infos, c'est ça que vous avez Exactement. racheté. Alors, on, euh, on s'est mis d'accord avec eux, euh, et euh, on a eu ce qu'on appelle un accident industriel, euh, qui est extrêmement rare, euh, on s'est mis d'accord avec eux pour acheter colis privé. donc colis privé c'est le colis d'or avec euh, c'est, ils sont deux en France, il euh, y a la Poste et Chronopost. donc euh, ils font du J plus 1 et du J plus 2 pour l'e-commerce, mmh. mais ils ne font que ça. Ils font que ça. Ils font 275 millions de chiffres d'affaires, 30 et quelques débits Ils en feront 40 cette année, en 2022, euh, des vrais entrepreneurs, euh, du Dex, Dex en Provence, donc, euh, des Marseillais. Et donc, on s'est mis d'accord avec eux. On a... Qu était... Qu était très lié à, à à VIP en fait hein non il me semble que pas non, non pas tant que ça non. me semble Alors il travaillait ai... avec VIP il travaillait avec VP, mais pas beaucoup il me semble que la première fois que j'ai vu du colis privé moi c'était en commandant sur VIP mais oui, euh, ouais. oui 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 mais pas beaucoup parce que enfin euh, jusqu'à euh, je m'en aille euh, c'est moi qui m'occupais des négociations avec la poste on travaillait quasiment qu'avec la poste et bah, la poste c'était genre 70 millions de factures euh, par an donc c'était un de nos plus gros prestataires et on avait des remises avec eux et un... un bah, on avait négocié des choses qui, qui Marchait bien. Euh, donc, on s'est mis d'accord avec Colis Privé. Euh, on est allé pitcher euh, au moins 60 fois ou 55 fois euh, nos investisseurs euh, qui ont très bien reçu ce deal. Ils hein, euh, trouvaient que. Parce qu'est-ce qu'il faut savoir bon, Au début, il nous disent ah, une boîte de logistique, pff, ça oui, ne pas arriver. kilomètre derniers les kilomètres. Les ça, derniers ouais, kilomètres ça, ouais, ça. De bon, mais quand la boîte de logistique, elle a pas un camion et pas un chauffeur. Là, ça devient quand même euh, autre chose parce qu'on on leur a dit, mais c'est pas une boîte c'est une boîte tech. Euh, ils manage en temps réel 3000 personnes tous les matins qui sont des prestataires, qui viennent euh, traquer, donc enlever ces colis, etc. Et tous les colis sont traqués euh, en temps réel. Et donc tout ça, c'est vraiment grâce à la tech. Et ça justifie complètement que euh, ça rentre sur 10 tech. Euh, nos investisseurs l'ont l'ont bien bien écouté et puis ensuite on a eu un accident industriel dans la mesure où euh, un des euh, potentiels investisseurs dans notre pack de notre SPAC euh, a décidé euh, de racheter la boîte et de faire euh, de surenchérir sur nous euh Elle et dur. et oui ouais, ouais. et euh, vous devez bien vous entendre du coup bah alors, euh, écoute, franchement, on s'entend très bien. <laughs> de manière très surprenante. On s'entend très bien parce que euh, ce garçon qui s'appelle Rodolphe Saadé, euh, qui est un très grand industriel, puisque c'est euh, le président de CMA CGM, euh, donc il est numéro 2 ou 3 mondial euh, euh, du transport maritime, et qui, je crois, produit euh, entre 20 et 30 milliards d'habitats en 2021, et qui va faire la même chose en 2022, parce que, bah, avec tous les problèmes de la pandémie, le coût des transports des, des, des conteneurs a totalement... Euh, mmh. Et donc euh, euh, CMACGM c'est ça. C oui. C'est gigantesque. Ah, c'est gigantesque. Ouais, ouais. Et lui, euh, euh, lui est un garçon. Euh, euh, bon, c'est une famille. Hein. Ils sont d'origine libanaise. Bon, ils sont très très iconiques euh, dans le sud de la France. Hein. Mm. Euh, en train que... de racheter la Provence, c'est ça, non Oui, ouais. c'est ça, exactement. J'ai vu l'accueil de. Xavier Niel à la Provence quand il se battait, je sais pas si tu vu cette euh, vidéo. Oui, hein. Ah non, j'ai pas vu la vidéo mais j'avais lu l'article. Oui, c'était euh... donc oui, c'est c'est c'est, un... enfin, oui c'est une famille très importante dans le sud de la France et donc euh, il a souhaité faire une surenchère, ce qui était euh, bah, finalement euh, pas très, euh... enfin qui était même théoriquement impossible. Bon, il a pu le faire pour des raisons euh, que je... qui sont un peu techniques euh, euh, par rapport à la situation financière euh, de colis privés et des actionnaires, enfin des fondateurs de colis privé. il a pu le faire il s'est, euh, d'abord il a été euh, très transparent parce que euh, il me l'a annoncé avant de le faire mm. euh, il n'était pas du tout on était dans un dîner, il n'était pas du tout euh, euh, obligé de le faire hein. mm. donc c'est un garçon qui ne se, se cache pas derrière son petit doigt et ça j'aime ça euh, et deuxièmement euh, ensuite euh, bon, bah, on a compris qu'on avait perdu ce deal et euh, on a négocié un dédommagement et il sait même s'il a été dur il a été, euh, dur, il, il, il a été fair, voilà ce qui n'a pas été forcément le cas de nos associés voilà. euh, de, dans la SPAC du coup de, non, ah, non. de colis privé ah, okay. et, et là-dessus euh, du coup vous allez euh, refaire une ah, autre bah, partie on est reparti à l'attaque avec Marc et toute l'équipe et on a euh, de nouveau euh, on est en train d'avancer sur une cible que que, euh, que j'aime beaucoup euh, avec des entrepreneurs de très très bonne qualité euh, et qui qui n'est plus dans la logistique. D'accord. Euh... Donc on a vécu des heures très euh, et donc on est repassé devant tous nos investisseurs qui avaient, ont appris par la presse que finalement notre cible était rachetée mais pas par nous. Et donc on leur a expliqué qu'il y a eu une surenchère. Et donc ça, ça voulait dire quand même quelque part que notre cible était la bonne. Enfin, c'était une bonne cible. Et deuxièmement, par rapport à ce qu'on avait investi... Pour cesser cette cible, c'est-à-dire pour faire tout ce qu'on les audits, les due deals etc., on avait dépensé à peu près un million. Euh, bon, bah, l'indemnité qui nous a été versée, euh, c'est un multiple important de, de, cette, euh, de ce qu'on avait dépensé. Donc, on a expliqué à nos investisseurs. On savait piquer notre cible, mais parce que c'était une bonne cible. Et deuxièmement, on n'a pas perdu euh, d'argent, on n'a pas perdu, on en a gagné, euh, et donc ça va nous aider à faire un travail encore plus euh, qualitatif pour la prochaine cible. Et euh, et comme nos investisseurs en ont un petit bout de de ce, de ce eh ben ils nous ont dit écoutez, c'était un bon choix, vous avez bien négocié, on vous suit. Euh, je reviens sur ma question de, et après on va passer à, à une autre question que j'ai, sur tout ça, mais le, le, le la rémunération des, des, des oui. fondateurs de la SPAC, c'est. Ça s'appelle un promote. Ouais, un promote. Ça s'appelle un promote. Alors, aux États-Unis, euh, le promote, euh, le promote c'est 20%. aux États-Unis ou en Europe. 20% du montant levé donc sur le papier on a levé 165 millions ça fait 33 millions euh, de, 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 de promote euh, ce qui est important oui. euh, c'est très très important euh, alors entre-temps, dans la levée de fonds, on s'est associé avec une cinquième personne qui s'appelle Julien Benz, qui est le DG de IDI. IDI, c'était euh, l'actionnaire majoritaire de IDinvest. Okay. Euh, donc c'est une société cotée qui fait du private equity et ce garçon est vraiment su, ce qui est top, euh, hyper smart et, et c'est un vrai pro de l'investissement. Donc on est cinq à se partager ce promote. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a investi en money at risk, euh, tous les SPAC investissent, mmh. euh, donc on investit à peu près euh, 4 à 5 millions, euh, donc c'est pas, on parle oui. pas de 3 centimes. Hein. Si, si ça se fait pas, tu les perds. Je genre. les perds. Ouais. Cela, ils sont perdus. Voilà. Donc, euh, mais autant aux États-Unis, ils ont profité d'une période où, euh, au moment où ça des SPAC, les, euh, les sponsors du SPAC, euh, prenez euh, leur rémunération, euh, ce qui était euh, assez énervant euh, quand le cours ensuite dévisse, mmh. Les investisseurs, ils se disent, bon, bah alors les ceux qui ont fait le SPAC, ils ont pris 20%, et nous, on est en train de perdre de l'argent. Donc nous, on a été les premiers en Europe euh, à proposer ce qu'on appelle un staggered promote, donc un, un promote en escalier, qui aligne euh, les intérêts des investisseurs et des sponsors euh, dans la mesure où on va toucher un tiers. À, euh, au despacking, un tiers quand le, le, cours sera 12 euros et un tiers quand le cours sera 14 euros. Mickaël, j'ai une question assez concrète oui. par rapport à tout ça. Euh, pour le petit Michael, il y a 20 ans, pour Mathieu Stéphanie d'aujourd'hui, voilà, moi, j'ai pas 4, 5 millions à mettre dans un truc comme ça. Est-ce que, est-ce que je peux, est-ce que je peux croquer, enfin, ce que je veux dire c'est qu'est-ce que je peux être est-ce que tu crois pour des auditeurs qui sont là mm -hmm. qui ont fait des brillantes carrières mm -hmm. dans euh, chez VP, ou même chez Danone ou je sais pas quoi qui ont des idées qui sont fortes qui pourraient être mm -hmm. dans ta team comment est-ce que je peux faire partie de ce truc où je vais apporter suffisamment de valeur mais pas de cash est-ce que c'est possible bien sûr et, et comment je le fais qui je vais contacter tu vois euh, euh... bah, c'est une question de réseau ouais. euh, euh, tu sais quand quand euh, tu as du talent euh, ce qui, ce qui évidemment ton cas... Euh... Oh sympa, tu bah, bah mais non, non, heure, mais, non moi, mais je t'envoie des je... parce que je te dis la vérité. Je, je connaissais ton nom, mais je ne te connaissais pas. Ouais. Et donc, je, je, je n'avais pas écouté... Euh, et donc, j'ai regardé, euh, comme je dit... Euh, cette vidéo. Euh, voilà, cette ouais. vidéo. Et là, je t'ai découvert et j'étais très content de, de te rencontrer ce matin parce que t'es un vrai entrepreneur qui a... Et donc, je te disais, c'est une question de réseau et et et, et et si tu as du talent et que tu vas aider, bah bien sûr. Euh, si, si en fait, mais tu auras pas le même euh, le même bout même que celui oui. qui va mettre beaucoup d'argent. Mais tu vas avoir une proportion qui va rémunérer le travail que tu vas faire. Tu peux être l'étincelle là-dedans et bien aller sûr. voir quelqu'un dire moi j'ai une super idée. Je connais très bien ce secteur. j'aurais besoin de toi, euh, donc toi Michael ou un euh, n'importe quel investisseur ou personne qui est passé sur Génération yourself, Je te propose un deal parce que moi je connais tel truc dans. Le, enfin, on parlait de ma dans le maritime ou dans la logistique ou dans l'ascenseur et je vais euh, faire. Je voudrais faire un SPAC là-dessus mm -hmm. et tu peux trouver des gens qui vont te suivre mm -hmm. euh, y aller avec toi et euh, bien sûr euh, ouais. alors là les SPAC ont un petit peu moins euh, bonne presse plus que les SPAC ont, aux, aux US bah, ils sont partis complètement dans des excès euh, irrationnels mm. et dans une bulle de SPAC et en Europe euh, jusqu'à aujourd'hui personne n'a des SPACés mm. euh, à part par euh, Pierre-Antoine euh, Pierre Capton euh, donc bah les investisseurs disent bah attendez, euh, il faut attendre de voir euh, qu'est-ce que ça va donner euh, qui des Spac euh, de voir de le cours ensuite ce qu'on appelle l'equity story euh, de l'entreprise euh, donc parce que ce qu'il faut savoir c'est que le Spac aujourd'hui s'appelle Ditech une fois que euh, on va euh, fusionner avec notre cible il va prendre le nom de la cible mmh. donc là si on avait fusionné avec Colibri privé Colibri privé euh... donc euh... très clair euh... Si euh, euh, aujourd'hui, en fait, ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est que je vois que tu es quand même très, 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 très actif finalement. Tu me dis là, je vais reprendre euh, euh, cette cette aventure euh, dans Tabby, mm -hmm. euh, mais euh, t'as pas chômé quand même pendant toutes ces années. Euh, je, je le vois. Euh, Ouais, j'aime bien faire des choses, c'est vrai. Et, mais comme beaucoup de gens, hein, euh, qui, 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 euh, c'est vrai que je pourrais très bien euh, passer mon temps à faire du golf. Euh, mais euh, ce qui veut pas dire que je joue pas au golf. J'adore jouer au golf. Enfin, je joue au polo, mais à mon âge, c'est trop dangereux. Donc, euh, je me suis mis au golf il y a quatre ans. J'adore. Euh, mais euh, non, j'ai envie de, j'ai envie de faire des choses encore, mm. moi. Euh, des choses qui me euh, qui m'amuse et qui me euh, m'énergise. Je connais un peu de loin ta fille. Mm -hmm. en, je peux en parler un bien peu. Sûr. Euh, je dirais que du bien, t'inquiète. Hein, Natacha, oui. euh, qui nous a qui nous a qui, qui, qui a été une grande promotrice pour toi d'ailleurs. Hein, euh, et euh, et j'ai 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 vu son énergie. Euh, euh, je, je la connais un peu, j'ai dit. Je la connais mmh. pas bien, mais je sais que euh, elle-même elle a des promoteuses autour d'elle, euh, d'anciennes de chez Facebook où elle a, elle a travaillé un mmh. peu et, et, mmh. et qui, qui m'en disent le plus grand bien. Euh, Moi, je suis très fier je, de ma fille. Euh, J'imagine. Hein. Non, non, mais elle-même m'a pitché des choses euh, et, euh, et on sent qu'elle a une hargne, etc. Comment tu fais Je ne veux pas, je rentre pas dans un truc de, je veux pas pr promouvoir mmh. tes enfants, etc. Et, mais comment tu fais pour euh, quand t'as potentiellement autant d'argent, autant de succès, mmh. pour avoir des enfants qui ont cette hargne et cette envie de faire des choses, d'entreprendre, enfin, ça me semble pas évident. Comment tu fais en sorte que t'aies pas des, des enfants qui ont envie de rien faire et qui se disent « Mais je m'en fous, moi, de toute façon, euh, je vais hériter d'un paquet de pognon, et puis... Euh, » Alors, je, je vais te dire, euh, moi, ce qui a été euh, aussi mon moteur, c'est la frustration. Tu vois, je considère que quand on est frustré, bah, ça, ça force à aller en avant, ça force à faire des choses qu'on n'aurait pas fait si on n'était pas frustré. Et donc la première euh, réponse, c'est que euh, je fais très attention euh, à ne leur donner que vraiment, je ne vais pas dire le strict minimum, mais euh, ils se plaignent tout le temps que euh, les autres ont plus, que <laughs> et donc je les mets, euh, je les frustre. Et donc, euh, je suis très fier que mes deux aînés, euh, finalement, les deux soient devenus euh, des entrepreneurs euh, qui partent de zéro. Euh, alors, je, je, je il y en a un, je, je, je l'aide, euh, je suis son, son, son vicie, mais je lui dis, euh, maintenant, il va falloir que je passe la main à des investisseurs qui soient pas euh, euh, familiaux. Euh, et, et ça marche. Quand on quand on frustre euh, moi j'ai une petite anecdote bah, timothée qui est mon aîné euh, avec natacha euh, quand il avait 12 ans euh, je jouais au polo et donc j'allais en argentine pendant 8 jours 9 jours et toujours je prenais un, un ou plusieurs de mes enfants euh, parce que c'est très c'était on est dans la campagne c'était génial euh, et on arrive à Roissy et je lui dis chérie, tu es un écho tu n'es pas avec moi en business. Ah, je rentre à la maison, mais c'est un c'est lamentable. Terrain, et je lui dis, écoute-moi bien. Il y a une règle, Ma règle, La règle, c'est que moi, perso, je n'ai voyagé en business que quand j'ai eu les moyens de voyager en business. Moi, je n'avais rien, euh, et donc j'ai dû attendre d'avoir les moyens de voyager. Eh ben, toi, ce sera pareil voilà donc si t'es pas content ok je te paye le taxi pour rentrer à la maison il n'y a pas de souci tu viendras pas avec moi dans journée, y a rien et puis il a, il a grommelé oh ah, c'est pas normal <laughs> voilà donc c'est pour te dire je n'hésite pas à avoir une éducation qui est un petit peu euh, euh, non pas rigoriste mais euh, j'essaye je, je, de pas péter les plans voilà mmh. parce que l'argent ça fait vite péter les plans. Donc C'est vraiment très lié finalement à ce qu'on ce qu'on leur donne, projette, euh, enfin les moyens qu'on euh, j'imagine, ouais. Et, et oui. peut-être plus euh, plus dans le transmission euh, intellectuelle, dans l'envie, dans le savoir, la culture. Il y a des choses que tu as pu faire un peu pour les les orienter là-dessus ou ou même les exigences par rapport à l'école, je sais pas. Euh. Oui, oui, oui. Moi, j'ai une femme, euh, donc j'ai connue très jeune. J'ai eu la chance, euh, elle est incroyable. Qui s'appelle Elle s'appelle Véronique Véronique, euh, C'est voilà. Véronique <laughs> euh, Qui était, euh, qui, a, qui a été pharmacienne, qui a, qui a fait des études et qui, qui vraiment une fille extra, qui est très très différente de moi. Et, et donc c'est probablement pour ça que ça marche, ça marche si bien. Euh, elle a, euh, elle a été pharmacienne et, et donc elle a vraiment vraiment mis beaucoup de pression sur les études des enfants et moi je ne l'ai jamais euh, contredit évidemment j'ai été moins présent parce que ce soit été c'était des années où j'ai passé beaucoup 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 de temps euh, en voyage c'était mes années vente privée mmh. euh, en fait tous mes enfants je les ai eus entre ouais 35 et et 50 ans enfin euh, et 45 ans euh, et donc je les ai pas vus, euh, je les ai pas vus grandir euh, et, euh, et ça je leur voilà. et je, je leur dis euh, si c'était à refaire, je suis pas sûr que je referais pareil Voilà, je pense que je bosserais moins bah, euh, que ce soit en tant que soldeur ou en tant que patron, enfin euh, cofondateur en charge du business, euh, je prenais trois avions par semaine à 7 h quart ou 7h15 du matin euh, à Orly en Roissy et donc je partais, à, je me levais à 4h30 et, euh, et, je pas, euh, Mais euh, ça n'aurait pas aussi bien fonctionné tout ça <laughs> C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Ça peut, ça peut bien fonctionner, mais euh, il faut euh, choisir. Moi, j'ai une, une grande chance, c'est que euh, je. Enfin, je, je, il y a des choses que je ne sais pas du tout faire, que je ne fais pas bien, mais il y a. Oh, euh, Pardon, pardon coup, non, 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 Bon, il y a des choses que je ne fais pas bien. Euh, gérer des chiffres, euh, des centimes, etc. Ça me casse les pieds. Donc je, quand je dois gérer, il ben, y a d'autres gens qui, qui le font dix fois mieux que, que moi. Euh, mais ce que je sais faire, c'est plutôt c'est détecter les talents. Voilà. Mm. Donc je me suis toujours, j'ai toujours essayé de m'entourer de gens qui étaient vraiment plus forts que moi et avec mon, un ego euh, très détaché en me disant mais bah, tant mieux. J'ai waouh. T'aurais pu en trouver plus et t'occuper plus de tes enfants, c'est ce que tu veux dire Oui. Voilà. Euh, et puis finalement, euh, c'est pas quelque chose qu'on prévoit ou qu'on planifie. Donc c'est au jour le jour. Et puis on est pris dans, le, dans une aventure. Et, et donc c'est très difficile de, de s'en sortir. Ils te le reprochent Non. Okay. C'est toi qui te le reproches à toi-même. Oui. Ouais. Exactement. T'as loupé un truc. Oui. J'ai loupé un truc et c'est moi le con. Hein. Enfin entre guillemets. Hein. C'est est finalement est-ce que qu'est-ce qui est plus important Bah ça dépend. Euh, c'est 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 ce sont des choix personnels. Je vais te poser deux, trois questions. Est-ce que tu lis, est-ce que tu aurais un livre à me recommander, le livre que tu me recommanderais par-dessus tous les autres, ou que tu offrirais à tout le monde si tu avais l'occasion d'offrir un livre à tout le monde entier Moi, il y a un livre, alors, il est un peu mammouth, euh, il est un peu mammouth parce que je pense qu'il est sorti il y a 25 ans, ou euh, c'est un... Grave. C'est un, un livre euh, d'un entrepreneur qui, qui, qui s'appelle Jack Welch euh, et Jack Welch en General Electrics. Voilà, ouais, exactement. C'est l'entrepreneur, c'est le manager du siècle. Mmh. Voilà. c'est un type qui a. Tellement qui arrive justement à avoir des uh, mixer une intelligence euh, rationnelle incroyable avec euh, un, une capacité à, à se mettre dans la tête des gens et à anticiper euh, ce que euh, donc il a une très fine psychologie et donc euh, ce garçon donne des règles euh, à respecter euh, qui sont très utiles. Tu connais le titre du livre euh, En anglais, trouver. ça s'appelle Winning. Okay. Winning de Jack Welch euh, où vraiment il, il, il raconte cette histoire, ça se lit comme un roman euh, et il est euh, il est stratosphérique. C'est le, le patron qu'on rêverait d'avoir quoi. Euh, Jack and Susie Welch d'ailleurs, tu vois Winning. Ouais. Um... Mais il y a une version française. Hein. Une version française. Qu'est-ce que je lis en ce moment Je suis en train de lire 21 leçons pour le 21e siècle de tu sais le garçon euh, Yuval Harari. Harari. Voilà, bon, voilà c'est ça. Voilà, voilà. Bon, qui a, qu a une vraie, euh, oui, a une vraie vision. Jack Welch, je, 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 tu vois souvent, je parle de son cadran, tu vois, euh, sur les valeurs et les compétences. J'adore cette euh, cette approche où il te dit, euh, mais il a, ça a changé ma vie hein, de manager. Dire, en gros, si t'as quelqu'un dans ta boîte qui tu met euh, les valeurs en abscisse, les compétences en ordonnée si tu corresponds évidemment tu es à fond euh, à bloc ouais. des deux euh, valeurs compétences bah te, je te garde puisque tu es l'employé le, le, parfait euh, si tu es euh, valeur à fond compétence euh, zéro, j'essaye de te faire progresser. C'est dur, mais je fais mon max et puis on y peut y arriver. Ça marche mm -hmm, de temps en temps. Mm -hmm. Si on n'y arrive pas, tant pis. Euh, si t'es euh, valeur zéro, compétence zéro, il y a pas de sujet. Tu vois, tu dégages. Il faut, il faut euh, partir. Euh, tu, <laughs> voilà. Et il dit et si t'es valeur, je dis, tu le voyais sur une conférence, <laughs> valeur euh, zéro, zéro et compétence oui. à fond. Et là, il s'arrête, il fait son of a bitch. Et, et il dit ça, c'est les pires, dur. ça, ah, c'est les dur. pires à virer. Mais il faut absolument les éradiquer. Tout de suite. C'est-à-dire que pire. si vous avez quelqu'un chez vous qui est euh, le meilleur des meilleurs. Mais qui a zéro valeur, qui correspond pas du tout à la boîte, et, et voilà. Il faut absolument s'en séparer parce que c'est la peste dans une, une entreprise, quoi. C'est qu ouais. très... marrant que tu dises ça parce que, euh, nous, tous les ans, avec Clément, on fait un petit événement pour euh, nos startups. Donc, il euh, y a, enfin, nos entrepreneurs. Et donc, il n'y a que des entrepreneurs mmh. dans, dans, dans cette soirée. Il n'y a pas de banquier il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de, etc. Euh, et, euh, je leur ai, euh, je leur ai parlé, l'année euh, la dernière fois, parce qu'ils me disaient, bon, bah, ce serait bien que tu donne quelques tips etc et j'en dis voilà sachez que dans une entreprise euh, les deux messages managériaux les plus importants par rapport et qui sont euh, pas invisibles mais euh, qui sont euh, euh, un peu cachés c'est qui tu vires et qui tu promeus mmh. voilà. si tu vires un bon et que tu promeus un mauvais c'est la catastrophe pour toi si tu promeus un bon et que tu vires les mauvais, donc ce garçon qui n'a pas du tout le enfin l'état d'esprit de la boîte etc même s'il est performant, il faut absolument le couper et le virer parce quil va, il, va, il, va, il va créer des dégâts collatéraux très importants et ensuite ta boîte devient beaucoup plus difficile à manager. Voilà. Donc ça c'est un conseil. moi je, je leur ai dit aussi que moi ce qui m'avait beaucoup aidé euh, c'est d'être cash. Moi, je suis très cash, parce que euh, finalement, quand t'es cash, t'es jamais emmerdé de, de dire ce que tu penses. Et tu gagnes un ton tellement monstrueux. Et les circonvolutions que tu vas prendre, elles vont être euh, reçues par la personne en face, finalement, quand comme un manque de sincérité. Euh, au moins, quand t'es cash, tu dis les choses, c'est bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, et voilà pourquoi, moi, je... Une des choses, moi, j'expérimente enfin, ça pardon, à fond, euh, une des choses que je remarque c'est que tu dois rester cash et très, enfin moi je suis très très cash avec mes wow. proches collaborateurs très proches euh, et mes associés mm -hmm. euh, mais je peux pas l'être autant que je voudrais avec tout le monde, parce que, euh, alors, après, parce, oui, que parce que si que tu es avec tu es... des gens qui sont plus loin de toi euh, avec qui tu bosses pas au quotidien ils peuvent prendre un côté cash comme une forme de violence, alors faut être capable, ai, on a tous été traînés par communication non violente etc etc, mais quand bien même euh, tu arrives à un moment où en fait des gens avec qui t'as peu d'interactions, Si t'es très très cash tout de suite en disant je je suis pas d'accord, oui, voilà, ça peut être agaçant. Tu vois il y a être... un moment où on se dit oula euh... Oui et puis tu es euh, l'exemple de la boîte en enfin, fait. Tu mmh. es le 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 l'actionnaire enfin majoritaire. Le telier, prêt, oui, Voilà ouais. le euh, Et donc et donc bah, les gens t'observent et si les gens t'observent d'être être cash avec quelqu'un avec qui tu n'as pas l'habitude d'avoir des interactions, tu as raison ça peut être. Euh, mais 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 finalement tu es cash avec euh, ton entourage parce que tu ne manages que ton entourage mmh, vrai. tu vois euh, et je incite même à être cache avec leur entourage voilà. le <laughs> tu vois alors c'est si, possible si, si, exactement. Là, exactement. exactement par ruissellement ouais. euh... um... T'as pris des murs, t des, des gros échecs. Ouais. C'est quoi tes plus gros, ton plus gros échecs dans la vie, euh, le truc euh... Mon plus gros échec, et on n'en a pas parlé parce que c'était, euh, euh, c'est que euh, j'ai créé une société très très jeune. Euh, T'as toujours été entrepreneur. Ouais, j'ai démarré, je pense, à 18 ans et demi ou 19 ans. Ouais. Euh, j'avais fait un truc assez marrant. C'était un tube euh, où on mettait un caleçon. Il euh, y avait de la poudre et une mèche. Et ça tu, tu allumais la mèche et paf, le caleçon est sorti. Ça s'appelait, euh, le calboom. C'était pour, euh, pour les anniversaires, les conneries, euh, voilà. Euh, j'avais fait aussi une enveloppe à Happy Birthday. Donc, avec un t-shirt Happy Birthday que les gens Et puis après, euh, 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 je suis rentré je ne sais pas si, si tu connais euh, la marque coup de cœur Arthur. Oui, très bien. Ouais, voilà, ouais. Bon, bon, bah, japon je... et tout. Ouais, ouais. voilà des cœurs, des Bon, bah, moi je faisais la même chose. Ça s'appelait Message et je faisais la même chose pour la grande distribution. Euh... énorme cartons des années 80 tout ça c'était vraiment et donc je me suis développé donc j'avais euh, ouais, 21 ans euh, euh, je stockais euh, les cartons euh, euh, rue de Verneuil euh, euh, mes, mes bureaux étaient dans mon appartement avec euh, mes premiers employés etc et euh, en 1991 donc quatre euh, ans après euh, j'ai eu un énorme problème, j'ai eu une immense commande de Cora, je me souviens c'était une supermarché voilà, oui. et, euh, et donc cette commande qui était une commande de, je crois à l'époque 2 millions de francs euh, j'ai un fournisseur qui m'a totalement planté dans la livraison du blanchiment, enfin un blanchisseur. Donc il blanchissait le tissu pour le préparer à l'impression. Et le gars il m'a totalement planté. Et donc c'était une commande pour Noël. J'ai livré avec euh, presque trois semaines de retard. Et donc je me suis repris euh, ma commande euh, dans la figure. J'ai dû solder un euh, Jacques-Antoine. <laughs> Julien, à l'époque, euh, tous ces produits. Et euh, six mois après, euh, je ne pouvais plus tenir. Et donc, ça a été mon premier échec. Euh, – Dépôt de bilan euh, ?– Ouais, dépôt de bilan. – euh, À moins de 25 ans ?– Ouais, à, je devais avoir... Euh, euh, non, ouais, à 26 ans. 26 ans. Je ça dépose des piles. Ah ouais, ouais, là, 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 là j'ai resté, euh, vraiment, euh, meurtri, euh, vexé, euh, légaux euh, et, 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 et puis après. Une femme qui est pharmacienne qui réussit en même temps, en plus, c'est ouais, ses ouais, études ouais, ouais. et tout, tu euh, t'es proche, t'es parents. Mais, parent. mais après, <coughs> rapidement, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a réussi à avoir cette lucidité ouais. Pourquoi ça m'est arrivé euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et pourquoi je vais faire en sorte que ça ne m'arrive plus En tout cas, plus pour les mêmes raisons. Euh... Et en fait, j'ai été trop ambitieux. Je voulais aller trop vite. Je, je... Euh... Bon, la jeunesse, l'imprudence, euh, la vitesse, euh, et, 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 et à un moment, euh, bah, tu prends le... Mais aller trop vite, c'est un risque Ouais. C'est un risque. Quand euh, bah quand tu n'es pas baqué mon service production si j'avais eu les bons euh, collaborateurs, bah c'est eux qui auraient géré la commande, c'est eux qui auraient euh, senti qu'il fallait pas tout donner à ce blanchisseur finalement qui m'a tué hein. mmh. Le gars c'est c'est pas Omar mais Omar m'a tué ouais. euh, le, 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 le et donc euh, je me suis dit OK. Tu as 26 ans. Premier échec. Euh, on me explique que Bill Gates, il n'embauche que des gens qui ont eu euh, des vrais gros échecs. Parce que tous ceux qui n'ont jamais eu d'échecs, euh, bah, ils peuvent se planter. Quand ils se plantent, ils se plantent très très big. Euh, et donc je me suis dit, euh, pas, pas à l'américaine, mais euh, bon. Ben il faut prendre tout ce qu'il y a de bon euh, de ce qui m'est arrivé. Euh, il faut repartir et c'est là où euh, je rencontre euh, à Saint-Tropez. Euh, J'étais avec mon ami Pierre frenay On marchait, on, on sortait du club 55 où euh, on n'avait pas, on venait lui dire bonjour parce qu'on n'avait pas d'argent, euh, enfin ou très peu. Euh, et, euh, et Jacques antoine nous a ramenés en voiture et ça a été le début euh, d'une d'une amitié et ensuite. Euh, d'une association avec Jacques-Antoine et Julien. Voilà. <laughs> tu vois, comme quoi. Incroyable histoire ouais. Mmh. Comme quoi le rebond. Hein. Voilà. Et 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 réussi, et ils m'ont dit et ils m'ont dit, mais bien, c'est pas grave. Nous, on est soldeurs C'est 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 un métier. Euh, bon, à pas que c'était quand même un métier un peu euh, olé olé. Euh, mmh. hein, euh, 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 alors les deux voulaient arrêter. Euh, Jacques Antoine, il voulait euh, faire, euh, écrire des scénarios pour le cinéma. ouais j'ai vu ça faire les. Voilà. et 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 et, euh, et Julien, il voulait ouvrir une galerie d'art. Et puis finalement, je suis arrivé. Euh, moi j'avais pas assez d'argent pour m'associer avec eux dans leur même structure donc on a créé une deuxième structure où je me suis où on était tous les trois associés et il y avait la première où ils étaient tous les deux et j'aurais dit écoutez les gars d'accord mais à un moment il va falloir que tout ça, ça fusionne euh, il m'a dit ok et euh, j'ai beaucoup beaucoup travaillé euh, Copad qui était ma structure s'est beaucoup développé et à un moment euh, Jacques et Julien ont dit ok on merge tout on fusionne tout et, euh, et c'est comme comme ça qu'on est arrivé ensuite à créer Vente Privée. Euh, bon je le note mais on va pas avoir le temps d'en parler parce que sinon on va faire un épisode trop long et, et euh, voilà mais euh, le, euh, tu disais l'art hein, c'est vraiment un truc qui vous lie tous les trois aussi parce que vous avez été ouais. tous, tous les trois et vous êtes tous les trois des gros collectionneurs euh. ouais moi je suis euh c'est mon c'est ma, ouais. ma, ma passion aussi euh, de, de, de l'art africain, l'art océanien. Euh, pour moi, ce sont des, des, euh, des choses très fortes qui où je peux ressentir vraiment euh, des, des, des émotions. Il euh, euh, y a, y a euh, l'art africain que très peu de gens connaissent. Hein, euh, je trouve ça magnifique. Ancien ou moderne ancien, ancien. Alors, il y a effectivement, tu as tout à fait raison de le préciser. Aujourd'hui, il, il y a un art africain contemporain bon qui temps. est très, ouais. très, très dynamique et très talentueux. Il y a des artistes comme Aboudia, comme euh, qui, euh, qui sont en train de. de... Mais je, je, je voudrais te lire euh, une citation euh, que Picasso, une citation de Picasso. Tu sais. Et Picasso, il, il s'est pas beaucoup euh, exprimé. Ce pas un garçon qui s'exprimait beaucoup. Euh, et voilà ce qu'il dit de l'art africain. D'accord Il dit « Mes plus grandes émotions artistiques, je les ai ressenties lorsque m'a paru soudain la sublime beauté des sculptures exécutées par les artistes anonymes de l'Afrique. Ces ouvrages d'un religieux passionné et rigoureusement logique sont ce que l'imagination humaine a produit de plus puissant et de plus beau. » Pablo Picasso. Mmh. Bah, c'est ça envoie du, bois. Ça envoie du bois. Et et je suis un peu monomaniaque, donc j'aime beaucoup beaucoup l'art africain, l'art océanien et l'art précolombien, donc l'art primitif. Euh, et j'aime beaucoup deux artistes particulièrement qui sont Soulage, Pierre Soulage et mmh. Jean Dubuffet. Voilà, que je, Quelque, je connais quelques points, quelques oui et je te raconterai après wow. euh, du buffet j'ai des choses extraordinaires aussi hein. oh, génial. Ouais. Ah, euh, pas moi j'en ai pas mais j'en ai vu et c'est vrai que j'ai été très très euh... Euh, où est-ce qu'on te suit toi on peut t'ajouter sur LinkedIn oui. Ben ouais. Euh, donc, Michael. Bénard. Ouais, Alors, moi, je suis pas du tout. Euh... Réseaux sociaux. Ouais. J'ai suis... bah, essayé de taguer ouais, sur ouais, Insta, ouais. j'ai pas trouvé. Donc, je sais pas si tu y es, mais. Euh... Si si, je suis ah, sur Insta. Mais, euh... mais je, je pas tagué. Ah, ouais, ben, bah, je vais le repasser ah, alors, après. Non, je suis sur Insta, mais je, 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 je publie très 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 peu parce que euh, bah, c'est plus un peu ma personnalité où mmh. j'aime bien rester discret. Je suis très actif autour de moi et etc. Mais 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 dans les réseaux sociaux, euh, c'est vrai que. Euh, c'est pas voilà. Michael Benabou donc c'est H hein, pour Michael Benabou oui. comme ça se prononce euh, sur euh, bon, sur LinkedIn en tout cas on le trouve facilement oui. déjà et euh, puis on mettra ton Insta euh, voilà si euh, euh, comment est-ce que tu progresses toi tu, tu formes des gens mais tu te formes toi-même ou pas oui euh... Euh, bah, l'apprentissage euh, mmh. euh, donc j'essaye de mais je prends, je progresse plus avec des gens qui m'inspirent et, et donc euh, des échanges avec euh, avec des entrepreneurs ou, ou pas que hein, euh, euh, voilà comme ce qui me fait progresser et ce qui me fait me questionner et me dire oh là euh, ça j'avais pas vu ça comme ça et si t'avais l'occasion de, de de rencontrer le jeune Michael qui débarque dans le 7 7e arrondissement tu pouvais lui glisser un petit mot qu'est-ce que tu lui dirais bah, je, je lui dirais euh, franchement, euh, je suis assez fier hein, d'avoir des origines euh, euh, modestes, euh, bah, être, d un, d un, Je ne vais pas dire que j'y suis arrivé parce que je ne veux dire pas que je sois arrivé, mais 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 mais, mais d'avoir progressé. Euh, oui, j'en suis fier. Et finalement, je ne sais pas si je lui dirais des choses très différentes. Euh, euh, parce que le résultat, finalement, euh, euh, fait que il euh, y, a, y, a, y, a, y a une étude euh, bon et après j'arrête avec l'étude et, et les citations. Il euh, y a une étude d'Harvard qui a duré 75 ans. D'accord. C'est l'étude la, la plus longue qu'il y a eu au monde. Et c'est une étude sur qu'est-ce qui rend les gens heureux et en bonne santé. Hum. Un sujet, euh, c'est un sujet intéressant, important, oui, voilà, important. Euh, et donc depuis 75 ans, là, c'est le quatrième directeur d'étude. C'est une étude qu'on peut voir sur. Il y a un TEDx euh, okay. qui, que le gars est absolument. Euh, J'ai pas envie de le bouffer tellement il est sympathique et, et charismatique. Euh, et, et, et le gars te dit, voilà, quand tu poses la question aujourd'hui euh, à une population jeune, euh, qu'est-ce que euh, ils te disent, voilà. En premier, je veux être riche, 50%, et deuxième, je veux être famous, 50%. Bon. Euh, donc, eux, ils ont euh, étudié deux populations, une population des étudiants de Harvard, et euh, une population des euh, de Boston, euh, 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 de, tu vois, les quartiers, downtown Boston, mais des populations plutôt euh, défavorisées. Euh, et donc, ils ont suivi ces enfants, enfin, ces étudiants, ils ont suivi leurs parents, ils ont suivi leurs frères, leurs sœurs, ils leur... ont fait des bilans de santé, ils les ont achetés pendant 75 ans, leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils sont arrivés à quoi? Quelle est la conclusion de qu'est-ce qui rend les gens heureux et en bonne santé, mais avec certitude, puisqu'ils ont vu des gens mmh. qui se sont dégradés, qui sont morts jeunes, etc., et d'autres qui ont, eh ben, ce qui rend les gens heureux et en bonne santé, ce sont des rapports humains harmonieux. C'est quand tu t'entends bien avec tes amis, que tu n'es pas fâché avec ta famille et que tu développes des relations avec tes amis qui te nourrissent beaucoup et qui te, finalement, euh, après un bon, un déj sympa ou après un déj, ben, tu te sens bien, tu sais pas pourquoi. Ben, mmh. Parce que justement, l'échange t'a nourri et t'a euh, rendu, heureux. eh ben, ils ont prouvé que donc euh, que, que euh, de développer, et ils ont prouvé également que ceux qui, qui euh, finalement euh, n'avaient plus de femmes à 70 ans, donc plus de personnes sur qui compter quand il va y avoir des problèmes de santé, etc. Ces gens-là, finalement, vont développer des maladies et vont mourir plus jeunes. Et ils n'ont pas d'amis, ils, ils sont euh, un peu trop seuls. Euh, et donc, c'est important de dire que... Euh, ben, que ce soit rationnel ou émotionnel, l'échange, euh, la tolérance, le respect, euh, l'amitié, euh, ben c'est ça qui, finalement qui, mmh. qui nous fait avancer aussi. Je te confirme c'est ce qui rend, heureux. en tout cas, oui, si tu es ouais. seul dans ton coin, hein, ça a peu d'intérêt. Rabougri, <laughs> euh, euh, méchant, euh, tout ça, je pense que oui. Voilà. Euh, Donc est-ce que, est que je ferai les choses différemment euh, je suis même pas sûr. Ce que je regrette un peu, c'est que euh, j'ai été un peu coire sur ma com euh, et j'ai toujours un peu refusé de 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 de, de sortir de, de cette zone de euh, et de m'exposer. Euh, Aujourd'hui, je le regrette pas vraiment, mais je me dis que c'est peut-être un peu dommage. J'aurais peut-être pu euh, euh, aider des gens ou euh, tu vois. Euh, mais 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 finalement non. Je je regrette pas grand chose. Non, je pense que. En plus, là-dessus, ce que j'allais te poser la question, ça t'aurait apporté quoi? Je sais, je sais pas, à la fois. Euh... Probablement plus d'emmerde. Ouais. C'est ça. Euh, non, ben, bah, quand t'es, euh, tu vois, quand t'es, bah, Jacques-Antoine. dans ouais. le cas Jacques-Antoine, qui, qui a une notoriété qui est probablement euh, 250 fois plus importante que la mienne. Bah forcément c'est plus de contraintes, plus de devoirs, plus de plus de représentation. Enfin, mmh. bah, pas que lui, hein. euh, ne serait-ce que... Euh, bon, toi toi tu, toi, tu le vis et tu l'assumes, je, je t'ai vu, tu, tu l'assumes très très bien et, et, et puis euh, tu es euh, enfin tu l'incarnes très bien. Voilà. Non, non, c'est sympa mais c'est vrai que c'est un, un, un sujet permanent et c'est vrai que mmh. tu vois tu me demandais on filme alors on met ça sur TikTok etc moi j'étais très content d'être juste une voix en fait pendant très longtemps puisque euh, mais euh, en effet t'as d'autres formes d'obligations après c'est vrai que dans mon type de business ah ça ça en fait ah bah ça nous apporte une visibilité c'est-à-dire que j'incarne quelque chose euh, donc c'est un objectif différent quand tu es dans du B 2 C achètes moins des personnes quoique achètes du Kylian Mbappé ou ou, ou du ou, oui. ou, ou du Neymar hein, oui mais 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 je te rejoins euh, totalement sur euh, l'immense valeur euh, que tu crées euh, au, autour de génération d'où oui. tu en sais, moi, moi je, je parle à des gens alors moi j'ai un peu honte de de pas puisque je parle à des gens qui me disent quoi moi, je les écoute tous, tous, <laughs> un par un. J'en ai écouté, je parle sais de... pas, il y en a 268 ou. Euh, ouais, 250 euh... et quelques. Ouais, bon, ouais, ouais, 200... en fait, oui. Il y en a, a, a peut-être 20. Et quand j'interroge, il me dis c'est The Référence. Mon, mon grand win de la semaine je dois te dire euh, tu vois j'essaie je, je, de rester humble avec, par rapport à tout ça mais mon grand win de la semaine a été quand même que euh, j'ai croisé Romain euh, Dessal qui est le fondateur euh. de Time to Sign Off, euh, mm -hmm. cette newsletter euh, et puis euh, il enregistrait avec mon associé sur un autre podcast je regarde derrière toi parce qu'il enregistrait là-bas euh, mm -hmm. euh, Mediarama qui est un super podcast euh, ouais. et, et euh, épisode que je recommande d'ailleurs et il lui disait euh, romain euh, à, à, comment à, à François euh, mais en fait euh, mon fils euh m'a recommandé un épisode euh, d'un podcast que je connaissais pas euh, avec, euh, je crois que c'est Charles Beckbédé qui est en plus un de ses actionnaires mm -hmm. et euh, il dit, euh, oui je te connais pas ce podcast c'est euh, Génération du Turself et son fils a 25 ans, il fait des études assez brillantes je crois, etc. Et puis, euh, et puis oui. <laughs> son père lui alors non seulement je connais mais en plus je suis passé dessus donc je t'emmerde et, et voilà, tu peux ne sais c'est tu J'étais très fier de ah, moi ouais. voilà, j'embrasse son fils dont je connais pas le prénom je l'ai pas retenu, j'avais envie de dire aussi Clément mais c'est être euh, de, 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 de par ailleurs oui. donc pour toi dans ton cas bien sûr que ça crée beaucoup de valeurs et de valeurs tangibles et intangibles mmh. euh, donc toi tu te dois de développer euh, ta, tu on, vas y va, euh, on y va doucement, ouais. doucement petit à petit euh, merci Michael Benabou alors on te suit partout, on, voilà, on te plaisir. sollicite pour euh, investir dans des boîtes, je vais te raconter deux petits trucs après euh, mmh. euh, qu'on fait et puis euh, donc par la financière Saint-James, euh, ouais. voilà et puis avant on va suivre en tout cas tes aventures. Euh, voilà, et si vous voulez en savoir plus, faire exploser votre chiffre d'affaires, que vous êtes e-commerçant, je vais te, aussi, il faut que je te présente euh, pour ta à mon autre associé, son autre podcast, Le Panier, euh, sur le e-commerce. Euh, voilà, on va se retrouver, j'imagine, au One-to-One -one Monaco ou à des événements euh, comme ça. Euh, voilà, je, vous, je te remercie. J'étais très content de, de partager euh, ce moment avec toi. Beaucoup partagé en plus, donc je te remercie. Plein de techniques. Moi, je retiens vraiment un truc euh, sur le, 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 la force des sales et, et ce retour à, à une. Formation, on a nous on a un peu ce cette problématique pour finir ici. Euh qui est une force d'attraction assez importante grâce à nos, notre visibilité, mm -hmm. euh, mais pas toujours une maîtrise de notre business. Euh, L'inbound, c'est très bien, mais en fait, il y a des moments où tu veux choisir aussi un certain nombre Le de secteurs, un certain nombre de typologies de clients, de choses sur lesquelles tu es fort, d'autres sur lesquelles tu es... Pour ça, il faut et, être fort commercial. Exactement. Et, et nous, aujourd'hui, par moment, on subit un peu ça. Euh, et donc, je pense qu'en fait, m'as donné donner la... un peu la solution. C'est bien d'en avoir conscience. On, on, vacances, donc euh... et on mais est parce en train que de bouger un les travail. Choses. Euh c'est un, un investissement qui n'est pas très court terme, c'est court, moyen et long terme. Et permanent, comme tu le dis ouais. aussi, deux jours par mois, c'est énorme. Hein, mais euh, oui, tu n'es pas obligé de faire deux jours par mois, tu peux en faire euh, la moitié. Ouais. Euh, euh, c'est vrai que le long terme, c'est quand même très très important pour un entrepreneur. Merci, ouais. okay. Écoute, merci Mathieu. Merci à tous, merci à Natacha, merci à Jessica aussi qui nous a mis en relation. Je vous embrasse tous, je vous dis à la semaine prochaine sur Génération du Turcel, vous pouvez aussi suivre les, les aventures du, de, 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 du SPAC, je sais jamais si c'est le ou là et puis voilà, tap bye, toutes ces choses-là avec michael allez faire vos courses si vous êtes à Paris, à, Beaugrenel. à Beaugrenel. Voilà. <laughs> je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, salut tout le monde, ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2 trois bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdy.causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.